Après le Mac, l'iPod, l'iPhone, l'iPad et la Watch, Apple s'apprête à lancer ce soir des lunettes de réalité mixte à sacré pari, à l'heure où la planète tech ne jure que par l'intelligence artificielle, surfant sur le succès de ChatGPT. Autant dire que Tim Cook est attendu au tournant lors de l'ouverture de la... WWDC va-t-il également profiter pour lancer de nouveaux Mac Le MacBook Air va-t-il se voir greffer une dalle de 15 pouces Le Mac Studio une puce M2 Pro Sachant que le Mac Pro n'a toujours pas adapté le processeur Apple Silicone. Quid des nouvelles versions d'iOS, macOS, iPadOS et WatchOS Toutes les réponses en direct. Bonjour à toutes et à tous. Vous regardez On Refait le Mac, Alias suis Très heureux de vous retrouver pour notre couverture live de la conférence d'ouverture de la WDC qui va commencer dans 30 minutes. Vous n'avez rien raté. Merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne YouTube. En préambule, d'abord, un immense merci à toutes les équipes d'On Refait le Mac. Les équipes d'Electric Production. Productions. Je pense à Lilian, je pense à Luc, je pense à Steve et je pense notamment... À Christophe, Modelo pour le son qui nous suit depuis si longtemps. Un salut particulier également aux membres du club ORLM. C'est la version premium de notre chaîne YouTube. C'est un abonnement payant. Vous soutenez ORLM et ses équipes. Et en contrepartie, l'émission est accessible rien que pour vous en direct, 24 heures en avance. Vous pouvez poser des questions, échanger avec l'équipe au quotidien via une chat room en Discord et venir ici au village Baïssi à Paris assister aux enregistrements et aux coulisses. Toutes les infos notre, sur notre chaîne YouTube ou en scannant le QR code que vous avez vu à l'instant. N'oubliez pas également notre boutique de goodies. On est tous ce soir aux couleurs au fait le Mac avec des jolis T-shirts. Avec à mes côtés en plateau Laurent Pantanache, Christophe De Degrave d'Anderson et Stéphane Zibi. Bonsoir les amis. Bonsoir, Bonsoir, Bonsoir le Olivier. C'est bon, hein, vous, avez, vous êtes à fond. Hein, -là. Non. À fond. Oh Historique J'ai même, même envie de dire ce soir, bas les masques bah, oh. Didier Poulikini de Macfair devrait nous rejoindre en fin d'émission pour débriefer les annonces. Que va présenter Apple ce soir On vous a posé la question sur Twitter, bien sûr. Euh, ce que vous souhaitez que Tim Cook dégaine ce soir Qu'attendez-vous donc de la WWDC 2023 et de son Apple Event et euh, surprise, c'est pas les lunettes AR qui arrivent en tête, mais iOS 17 33 suivi des lunettes 29,5 et enfin les deux nouveaux Macs bien sûr il devrait y avoir de nouveaux Macs ce soir et un mariage qu'on espère entre le Mac et l'iPad OS mais c'est pas encore gagné. En préambule les amis étonnant même au sein de notre audience les lunettes demeurent encore bien timides. Euh, Est-ce qu'on peut comprendre ce qui se passe Pourquoi il y a si peu d'appétence, je dirais, même auprès de notre audience autour de, de, de lunettes de réalité mixte Qui veut prendre la parole Je peux éventuellement essayer. Euh, non, je pense que, quand même, les métavers et euh, tout ce qui est réalité, est, on est dans un plein hiver. Euh, et donc, euh, quand on est dans un plein hiver, c'est toujours un petit peu surprenant. Mais Apple a toujours été, le, comment dire, un, un premier de cordée pour beaucoup de choses. Les smartphones existaient un peu avant l'iPhone, et c'est grâce à l'iPhone que les smartphones sont devenus universels. Dès qu'il touche à quelque chose, je pense que on pourrait potentiellement arrêter cet hiver instantanément. On verra bien euh, hmm. cela. Moi, je, je parie qu'il peut-être qu ne pas le présenter, mais bon, c'est pour C'est pas, pas possible. Ça serait euh, énorme. Hein, Laurent énorme. Tim Cook va devoir on te, on te doit, on, convaincre. On un repart, si. Va devoir convaincre ce soir. Hein. Il est attendu vraiment au tournant à l'heure où l'on parle que de ChatGPT. Oui, ouais, tout à fait. Et, euh, et d'ailleurs, c'est un sujet hein, dans les questions qui sont remontées. On en reparlera un peu après. N'hésitez euh, pas à réagir hein, dans les commentaires. Allez, sur ça réagit, pub, ça, ça bombarde déjà. Et est euh, Laurent est là pour, pour être votre voix essayer, ici dans l'émission. Pour essayer. Et, euh, et, oui, et notifiez-moi, c'est si vraiment quelque chose que je dois voir. Comme ça, je le vois avec le nom. Euh, ouais, Aujourd'hui, on sait que l'IA a dopé la valorisation de, de NVIDIA, hein, qui vient de passer euh, le trillion. Hein, donc, faire partie des, des quelques sociétés mmh. qui ont passé le trillion, c'est. Incroyable pour une, pour une boîte ouais. de, 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 de puces, hein, d'industrie du semi-conducteur. dire, Intel n'a jamais été au proche, même proportionnellement de ce que des boîtes qui avaient atteint des niveaux aussi hauts, sans que ce soit le triomphe. Mais tu vois même. Euh... Donc non non, c'est hyper hyper intéressant. Un sujet. Intel, à mon avis, hein. Ah ouais, Intel, hmm. je pense qu'ils ont ils ont été. Rat... La, Ch la Chine a raté la machine à vapeur et c'était un pays très en avance et se retrouve en retard. Ils rattrapent leur retard maintenant. Je pense qu'Intel a fait la même chose. Ils ont loupé un virage à un moment donné. Et euh, et euh la question, c'est est-ce qu'on ne rentre pas dans un nouveau cycle Ce soir, Christophe a justement un nouveau virage, comme Apple a su les si bien les négocier dans le passé, notamment avec l'iPhone. Mm -hmm. Et euh, voilà, le virage, est-ce que ce n'est pas l'intelligence artificielle plus que des lumières de réalité mixte. Mais je ne pense pas, oui effectivement, l'intelligence artificielle, elle est partout de toute façon dans nos iPhones déjà aujourd'hui, euh, mais par petites touches. Et ça, c'est la façon dont euh, Apple fait les choses aujourd'hui. C'est vraiment des assistants à faire des choses, à créer euh, du, euh, du contenu par... Le support de l'intelligence artificielle. Euh, mais par contre, en fait, si l'idée est derrière de se dire, bah, euh, moi, Siri, je ne le trouve pas très intelligent et je vais en faire un chat GPT, je pense que ça n'a aucun sens. Et en tout cas, c'est un point, c'est une question qui nous a inspiré. La question de la semaine. Et je viens à côté de toi, mon petit Christophe. Question de la semaine, Laurent, tu peux nous la résumer, s'il te oui, plaît Oui, la question de la semaine dernière, alors il y a quelques jours, hein, parce que l'émission... On travaille beaucoup en ce moment. Ouais, on crache. L'émission est sortie vendredi soir pour euh, tout le monde, et jeudi soir pour les membres du club ORLM. La question était, Apple doit-elle proposer à la DubDub une alternative à ChatGPT Et j'ai choisi un commentaire, parce que euh, je, je suis assez proche de cette analyse, il y a eu quelques commentaires intéressants, beaucoup disent « oui, il faut que ce soit la même chose », euh, nous, la seule chose qu'on veut avec, avec Christophe, c'est juste que, que Siri, quand on lui pose une question, <laughs> arrête de nous dire euh, « si tu veux, je t'envoie la réponse sur ton téléphone », mais nous lise euh, le web, ça serait déjà bien. J'ai trouvé nous... des résultats sur le web et je vous tu... les envoie sur votre iPhone. <rire> <rire> non, donc la question et donc la question que j'ai choisie, c'est la, la réponse que j'ai choisie, c'est Adrien Ignacio qui dit « personnellement, je n'attends pas d'Apple une alternative à ChatGPT ». Par contre, je serais très content d'avoir de l'intelligence artificielle non invasive qui accompagnerait les utilisateurs dans la production, un peu à l'image de ce qu'a fait euh, Adobe. Et je suis assez d'accord avec ça. Je pense qu'en fait, l'ADN d'Apple, c'est pas de prendre le truc qui vient de sortir, mais c'est de le saupoudrer au milieu des de, 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 de produits et qu'on en est partout. On en a déjà beaucoup hein, euh, dans, dans l'application photo. C'est blindé au moment où tu prends la photo, au moment où tu tries les photos, au moment où tu tags les visages. Il y en a plein, mais euh, d'aller encore plus loin. Après tout, Christophe, Stéphane, Apple ne s'est pas investi dans les moteurs de recherche dans le passé, dans les réseaux sociaux timidement. On se souvient de, de l'échec de Ping, mm -hmm. euh, mais il y a la place pour faire de l'intelligence artificielle au sein de l'écosystème Apple, iOS notamment, et on pense à Siri naturellement. Oui, c'est ça. Oui, bon, Siri pourrait être effectivement améliorée. Euh, en tout cas, on pourrait lui donner une parole un petit peu plus dans la finesse, dans le détail, et aussi être euh, quelque part, qu'elle euh, qu puisse mieux comprendre les choses, c'est aussi important. Euh, mais de là à en faire, comme je le disais tout à l'heure, un, un chat GPT, j'en vois pas, pas l'usage, en fait, aujourd'hui, euh, pour euh, guider ma maison et euh, demander d'allumer la lumière, en fait, j'ai pas besoin qu'on... Ça va pas faire vendre des iPhones, sauf non. si c'est dans le système. Mm -hmm. Je ne veux pas qu'il faut qu'on avance, mais oui ouais. J'ai quelqu'un qui te fait concurrence. Ah en bon commentaire. En commentaire. jeu de mots Ouais. Allez. est, elle est ah, franchement. Si ce soir, c'est pas les masques, peut-être que le prix va casquer. Waouh wow, wow. Magnifique, vraiment. <laughs> Toute beauté. Retour à présent sur les dernières rumeurs non, au mais sujet. Un Christophe Award quand même. Ouais, un Christophe Award. Mais on verra, là, distribuera les prix à la fin. Retour à présent sur les Et dernières prix. rumeurs au sujet de ces lunettes de réalité mixte. Oh. À quoi vont ressembler euh, ces lunettes euh, On a évidemment quelques modélisations 3D à vous montrer, notamment celles réalisées par nos confrères de Night to Five euh, Mac, qui se sont amusés euh, à essayer de modéliser par rapport à ce qui se dit, les rumains, etc. Il y a plein, plein d'infos. Euh, Stéphane, le, le design semble proche de, 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 de lunettes de ski. Hein, oui, <laughs> oui c'est ce qui a été vu. Donc, selon Minchinko, donc euh, qui est un célèbre liqueur, le casque ressemblerait à des lunettes de ski. On a pu voir quelques images là, il y a quelques secondes à l'écran. C'est ce qui est dit il dit okay. aussi que le cache serait portable avec une puissance de calcul et des... un stockage indépendant. Le cache serait fermé. On ne pourrait voir l'extérieur que via des caméras. 15 en tout. 15 caméras. 8 pour filmer et dupliquer l'environnement extérieur, figure-toi. Et ensuite, vous, allez vous, vous évoluerez alors dans un monde réel augmenté. Les 7 autres caméras seront pour traquer vos mouvements. Et il y aura un écran placé sur chaque œil. On parle d'un écran OLED d'une définition 4K développé par Sony. Et donc, c'est-à-dire qu'on pourrait parler en FaceTime à quelqu'un et on l'aurait. En face de soi, quoi, ouais. l'enjeu voilà. c'est vraiment de savoir euh, euh, comment Apple est parvenu à intégrer tous ses composants et si la puissance nécessaire au fonctionnement des lunettes ne va pas graver son poids ni son autonomie. C'est vraiment ça l'enjeu. Euh, l'enjeu, si on porte, Poum. voilà, alors c'est là qu'on attend que ce soit la réponse d'Apple au-delà de trouver les usages. On va en parler dans un mm -hmm. instant, mais la vraie difficulté c'est tout intégrer, c'est ça tout intégrer. D'autant plus en fait qu'on parle quand même d'un processeur puissant d'un processeur qui pourrait être l'équivalent d'un M2 Pro. Ah oui. Et donc ça c'est quand même euh, super, euh, super intéressant effectivement euh, en termes de réalité augmentée, réalité virtuelle. bah oui, on a besoin de cette puissance, à moins que ce soit branché directement sur le Mac, mais ça c'est encore une autre histoire. Euh, mais l'autre, le, le revers de la médaille, c'est qu'effectivement, du coup tu besoin d'une batterie. Ouais. Et la question, c'est où mettre la batterie, comme le disait Stéphane, bah, si tu mets la batterie sur le casque, euh, soit tu vas avoir ouais, vraiment si mal. Si c'est un M2 Pro comme, comme la machine qui est devant toi, euh, voilà. ça risque d'être un peu compliqué voilà. pour le confort de l'utilisateur. Hein. Et donc, il y a des rumeurs qui disent, et ça, je, je, veux, je ne peux pas le croire aujourd'hui, je ne veux pas le croire, Olivier. Oui. Euh, il est, on pourrait avoir une batterie déportée dans sa poche. Oui, ça c'est vraiment très, très peu Apple. Mais euh, c'est absolument DNA. pas, c'est vraiment Apple, pas du tout Apple. Hmm. Mais remarque, ça fait un peu penser en fait, tu vois, au transformateur des nouveaux iMacs. Si c'est un iPod. Souviens-toi. Ah on oui, ça, la pourrait, la être ceinture, ça. Bon ça pourrait être ça. Et donc en fait, le, les rumeurs qui courent aujourd'hui, c'est que cette batterie pourrait tenir jusqu'à deux heures d'autonomie. Ah si c'est ça, c'est sympa effectivement. En tout cas, pour accéder à l'interface, Laurent le, le casque intérieur, toi, Laurent ou Stéphane. Hein, mmh. -ce a, y a, y a, enfin moi, je suis vraiment ébahi par le nombre de rumeurs qui, qui circulent très pointues, très précises. Sinon, ça pensait que ce soit il y a quasiment. Bah, elles, elles seront précises si elles sortent, hein, parce que sinon ça. ça de... Non mais enfin là, on te ça parle demeure... maintenant ça... pour. Euh, oui, ça de le demeure une digital crown comme. Sur oui, ça le reste... watch, ça reste, Max, ça reste ça des rumeurs. Loin. Non, ce qui est intéressant, c'est que effectivement, on envisagerait cette fameuse couronne qui, qui, qui n'avait été utilisé au départ que sur la watch et qui a été euh, mise sur le casque donc euh, euh, sur les Airpods Max ouais. c'est intéressant ça serait intéressant de dire tiens ils le sortent pour un troisième produit tu vois ouais. et euh, ça servirait à quoi Stéphane cette euh, cette crône, hein bah pour basculer entre le mode euh, réalité virtuelle et celui de la réalité augmentée ouais. ouais, voilà. donc c'est ce ce le... rigolo effectivement Oui, ce serait un peu le roi des les écarts les... des... ils ont bossé hein, cette année Pourquoi ah oui ils, ils ont bossé rire, ou, ou, ou alors rire. ils ont fait preuve de beaucoup d'imagination c'est ça euh... on pourrait dire que ce serait un peu les rois le roi de, des casques de réalité virtuelle avec cette couronne. Ouais. De toute beauté. Euh... Que sait-on de l'interface euh... Certains disent qu'on va ressembler au Daft Punk. Hein. Oui, c'est clair. Que sait-on de l'interface, euh, mon cher Christophe Son jeu de mots. Euh, ben, l'interface <laughs> serait en. Oui, effectivement. L'interface serait en trois dimensions bah forcément bah là un monde s'offre à nous oui. en réalité virtuelle ou en réalité augmentée pas, si, si aujourd'hui j'ai envie de parler avec ma main. tu vois ouais, et euh... te pour quelqu'un du <laughs> oui voilà et euh, et donc en fait cette interface en, que, que l'on pourrait euh, toucher de par ses mains, parce que le casque euh, serait dans la capacité de voir où sont disposées nos mains, où sont placées nos mains, et ce que l'on en fait euh, en, en fonction de... de est-ce qu'on désire cliquer là ou là, ou est-ce qu'on ouais, désire ça faire un petit C'est la raison pour laquelle il y aurait autant de caméras pour pouvoir interagir. La plupart des casques du marché, effectivement, utilisent des équivalents de, de, de manettes ou du joystick. Euh, donc, c'est effectivement, ce serait pas mal. Et c'est sur ce point-là, Stéphane, le qu'on attend Apple, sur les usages, la simplicité. Euh, l'ergonomie c'est ce qui a fait la différence au lancement de l'iPhone. Oui, je pense qu'on attend Apple sur deux choses effectivement. La première c'est que ce soit tellement simple et tellement agréable en mode Apple hein, tu vois l'ergonomie que on le fasse. Et puis il y a une quasi certitude, c'est qu'on va les retrouver sur euh, un App Store où ils vont nous vendre des choses et, et il y aura des choses à vendre. C'est les deux choses on peut être à peu professeur, c'est qu'ils sortent un produit, c'est pour en plus d'ailleurs, j'ai Jean-Maurice dans le, dans le qui vient de me, me... Jean-Maurice dans le, dans le chat qui vient de le dire et il a raison quoi. il dit lui c'est pour, pour vendre des choses en plus et je suis d'accord avec lui euh, Stéphane on en sait un petit peu plus sur, les, euh, sur le système d'exploitation Voilà il bah, y a deux noms qui se, qui se détachent il y a xr 9 ou Réalité OS euh, euh, XROS pardon ou Réalité OS c'est le nom de l'OS qui bon, serait un dérivé d'iOS sur ouais, une évolution 3D voilà. quoi. et donc le casque d'Apple devrait embarquer donc, un App Store à part ah. entière et donc euh, les développeurs c'est pour ça donc, que nous sommes Aujourd'hui réunis, donc pourrait donc euh, créer des applications spécialement dédiées à cet appareil, d'où l'importance donc de le présenter donc à la WWDC aujourd'hui. Ouais. Reste à développer euh, via cet App Store euh, la killer app les ah bah, amis. Faudrait Il faudrait qu'il y ait un shazam euh, comme au temps de la création de l'Apple Store. C'est vrai qu'on était voiceless, qu'on était euh, ouais. épaillis quand Alors, on a, on a eu ça. Pas hein. 15 ans après. Ouais. L'effet le, 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 shazam entre ah, autres. Ouais. Mais toutes les applications qui sortaient. On, on allait waouh. à la machine à café. Tu as oui. vu ça, c'était voilà. assez génial. En tout cas, je bizarre. nous vois mal quand même à la machine à café avec nos casques. Non, c'est ce clair. C'est là où tous les constructeurs de casques se sont cassés les dents. En tout cas, on n'a mmh. pas su trouver une vraie valeur ajoutée. L'une de toutes dernières annonces c'était le, le Quest 3, qui était annoncé enfin, en fin de semaine dernière. Comme c'est curieux de la part de Meta, mon cher Christophe. Effectivement, le, donc Meta a annoncé son Meta Quest 3 avec la possibilité aussi de faire ce qu'on appelle un trou Donc le fait de pouvoir voir au ah. travers des caméras. Mmh. Euh, la, la réalité qui nous entoure en couleur cette fois-ci parce que le PSVR2 n'en est pas capable. Le PSVR2 c'est Sony. Hein. Et le truc qui est fou, c'est que euh, je viens de recevoir euh, il y a quelques minutes un email en fait un message de la part de PlayStation qui dit n'oubliez pas le PSVR2 le prix etc allez voir à la boutique etc., etc donc on sent qu'il y a quand même un, quelque chose autour de, du sujet. Euh, Laurence qu'on a des infos sur la dispo et surtout surtout le prix. Euh qui s'annonce élevé, ouais. mais est-ce qu'il n'y a pas une petite alors, manip d'Apple dans l'histoire ouais, Alors on en a parlé pour ceux qui n'ont pas vu l'émission de la semaine dernière, on en a déjà parlé dans l'émission. Hein. Euh, deux choses. La première, c'est qu'aujourd'hui euh, on n'a pas du tout d'infos sur la dispo et on pense même que a priori ça va être une annonce euh, aujourd'hui de la sortie du produit, mais que seulement demain. Euh, euh, à partir de, de, de quelques semaines, demain on aura la date de la sortie. Euh, tout à l'heure, hein, la date de la sortie euh, réelle. Et la deuxième chose, c'est tout ce qui a perlé, c'est les coûts. Aujourd'hui, le seul prix qui est sorti, c'est aux environs de 3000. Mais on se rappelle que Apple avait déjà fait ça à l'époque de l'iPad. Ils avaient dit Ah, ça va coûter 1000 euros, 1000 dollars, 1000 dollars, 1000 dollars. Et quand l'iPad est sorti, on dit Ah, ça vaut que 500 dollars. Et pour les gens, c'était Ah, mais finalement, ça coûte moins cher que ce qu'on avait envisagé. Tout le monde était malin, ce bon. Tu penses ouais. qu'ils ont fait pareil ces, cette année, alors Je pense qu'ils auraient pu. Je ne serais pas étonné qu'ils aient, qu aient fait la même chose. Voilà, vous n'allez rien rater, en tout cas, ce soir. Merci, la régie de, 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 de l'Apple, de la keynote. Hein. Vous euh, voyez, c'est ce qui est diffusé en direct sur le canal de YouTube. On a le droit de reprendre quelques moments. Euh... On a de la musique de fond. Voilà, mais la musique de fond, on ne le reprendra pas parce qu'il y a des droits dessus. Donc, je, donc euh, moi, j'espère une surprise sur le prix. Voilà pour Reality Pro. Hein, c'est le nom que donnerait Apple à, à ses lunettes. Euh, ce ne sera pas, bien sûr, la seule annonce, matérielle de cet Apple Event ce soir. Rapide tour d'horizon des autres annonces, à commencer par, bien sûr, de nouveaux Mac alors, le liqueur qui nous a sorti quelques grenades depuis quelques semaines, à savoir Mark German de Bloomberg, a annoncé qu'Apple pourrait annoncer plusieurs nouveaux Macs ce soir. Reste à savoir quel modèle. Et la plupart des liqueurs s'accordent à dire que c'est un MacBook Air 15 pouces. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce MacBook Air 15 pouces alors selon MacGurman, bon bah, il serait équipé d'une puce M2 et non M3, donc ça donc, sûr. Un an après l'arrivée du MacBook Air M2, on mm -hmm. ralentirait un peu le rythme. Bah, vaut mieux oui, je pense, c'est peut-être parce que quand même il y a beaucoup d'annonces aujourd'hui, euh, voilà et donc là il y aurait, euh, il y aurait ce 15 pouces, ce serait la. Re le retour du 15 pouces, quand même, après tant d'années. Euh, oui, alors on avait le 15 pouces, c'était plutôt réservé au MacBook étonnant, Pro. ouais ouais c'est bien. Choix. Ben, je pense que les gens, ils prennent. Euh, le, le, le portable devient un, un grand. Euh, un, 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 J'ai plein de choses dans l'oreille, donc en même temps, j'essaye de parler en même temps. Oui, ouais, parce que là, tu as la quinade dans l'oreille. Tu ouais, peux, peux dire, non, c'est vrai qu'aujourd'hui, les, les portables, maintenant, on les utilise comme ordinateur de bureau, on se, se trimballe, etc. Et c'est vrai que parfois, certains ont besoin un peu de confort, et le MacBooker s'est révélé être déjà. Une, de très bonnes ventes, de très bonnes ventes par le passé. Ouais, là, ça stagne, ça, hein. ça, ça stagne un peu, donc il faut peut-être relancer. Donc peut-être c'est à travers ce nouveau format qui va attirer. J'en suis ça, par contre convaincu euh, des, euh, des nouveaux acheteurs. Ça, ouais, donc on, on reviendrait presque à l'époque Laurent Christophe. Des, euh, alors c'est vrai que les premiers bookers étaient en 11 et 13 pouces, il mmh. y avait deux tailles. Ouais. Les iBooks étaient en 12 et 12. 14 pouces, donc euh, on reviendrait aux origines a du MacBook Air et des iBook 12 15 17 ils avaient comme pour les powerbooks, ouais, pas Powerbook pas pour les iBook pour les voilà. Powerbook Est-ce qu'on a euh... une autre piste de machine hein, les amis Les Mac Studio éventuellement parce Alors, comment que... on sait que le Mac Studio arriverait Alors, le truc, c'est que Apple adresse des messages auprès euh, de ses propres euh, magasins, les Apple Store et de ses resellers ouais. pour euh, leur indiquer que le Mac Studio maintenant fait partie du programme d'échange. Ah, donc, c'est une, euh, une vraie euh, vraie piste. Hein. Exactement. Après, ça ne veut pas dire pour autant qu'il va y avoir un nouveau Mac Studio. Moi, je, je pense que Mac Studio, je le vois mal coexister avec un nouveau Mac Pro, tu vois. Ouais. Et donc, euh, ben pourquoi pas un nouveau Mac Pro Je ne sais pas. À Alors, en tout cas, ce même programme de reprise prévoit d'autres machines hein, en reprise. Le MacBook Air euh, que, qui est sorti l'année dernière et le MacBook Pro M2 avec la Touch Bar, qui est toujours au, au catalogue. On sait que la Touch Bar a, a, a vocation à disparaître dans l'écosystème Apple. Donc, autre piste possible pour ce soir, on va voir. Concernant la Touch Bar, euh, euh, je crois que c'est toi Stéphane qui va nous en parler de, de l'iMac et du Mac Pro. Ouais. On les attend de, avec impatience Alors, sur le voilà. bureau. Oui, donc en gros, euh, toujours selon Mac German, euh, et 9to5Mac, ben, Apple souhaiterait quand même attendre pour donc, euh, diffuser cette puce M3. Il y a quand même euh, beaucoup d'annonces euh, matérielles dans cette... Euh dans cette euh, conférence. Il faut parler au, conditionnel bien, au sûr. conditionnel, bien sûr. bien sûr, bien sûr. Mais de toute façon, il y avait une très bonne émission de, 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 de la semaine dernière qui a été euh, diffusée, qui a donné quand même tout, un, un éventail quand même très important et très complet. Ça va être peut-être une keynote assez longue. Oui, on parle plus de deux heures. Elle est enregistrée, hein. on n'a pas ouais. précisé, mais la ouais. keynote est enregistrée. Elle, est quand même assez, elle peut être assez longue, elle va être sûrement dense, peut-être à dessin. Ouais. Ce qu'on vous conseille d'ailleurs, c'est que euh, vous ouvrez un onglet, un onglet sur votre Mac avec la keynote d'Apple, sur le site d'Apple, vous ouvrez un onglet sur la chaîne YouTube d'Enrofé le Mac et vous avez le meilleur des deux mondes, croyez-moi. Euh, et euh, l'iMac, on l'attend. Euh, on a compris le Mac Pro. Euh, Laurent, c'est la dernière machine qui n'a pas encore adopté la puce Apple Silicone. Ouais, ce qui est fou. Hein. Ce serait assez logique. Que... Et puis, une si sont très ou... pro, donc ce soir, ce serait un bel, ouais, bel écrin. Ça sera un bel écrin. Euh, pas mal. Oui, ça sera un bel écrin. Surtout, ça va au-delà du délai qu'avait donné Tim Cook pour migrer l'intégralité du parc. Hein. Donc, il avait largement dépassé. Tu vois, le... donc ça. Selon toute logique, si c'est pas là, ça veut dire qu'il y a un problème derrière, quoi. Ok. Pas mal d'annonces matérielles ce soir, en tout cas, vous l'aurez compris, euh, euh, certainement. Sachant euh, que c'est normalement une conférence développeur et que ce n'est pas une, une conférence matérielle. Hein. Oui, mais il y a toujours eu. Oui, des, mais il y a bon. déjà eu des Mac Pro dans le passé, euh, notamment lors de la WWDC. Pas mal donc d'annonces matérielles. La question, pardonnez-moi, c'est de savoir si les lunettes qui seront présentées ce soir, euh, et il y a de fortes chances qu'elles ne soient pas dispo de suite, mais dans quelques mois, le temps que les développeurs, bien sûr... Et le temps C'est de... sûr que de, de tout la... ce qu'on a pu avoir comme expérience par le passé avec tous ceux qui ont sorti mm -hmm. des lunettes, leur grand défaut, c'est qu'il y avait manqué d'applications. Euh, on, on ouvrait, on essayait deux trois trucs. Ouais, ben là on va voir. Pas mal d'annonces Alors On l'a dit lors de cette conférence ce soir. Une, une conférence qui s'annonce longue, mais et, mais c'est également un moment choisi par Apple pour dévoiler de nouveau OS. <music> Deux nouveaux OS ce soir, c'est la tradition mais sans grande nouveauté forte, on s'attend euh, à quelque chose d'assez euh, sobre ce soir, euh, Laurent, Christophe, euh, je, je crois que c'est toi Laurent. Ouais, bah en fait on, on en discutait, et je, je, si vous voulez avoir plus de détails allez voir l'émission la, la semaine dernière mais... Il y a un peu le contre-coup. De, de, on on s'est rendu compte qu'Apple, bien qu'étant une grosse entreprise, mmh. ils ont tendance à louer euh, les développeurs par bloc. Donc euh, on se met sur un OS, on se met sur un nouveau produit, on se met tu vois, dans, dans, le, dans les développements. Et là, il se pourrait que toute l'énergie ait été mise. Côté de ce nouveau produit, ce qui limiterait potentiellement les mises à jour des OS. Parce qu'on a eu très très peu d'informations sur les nouveautés qui non, pourraient on a rien vu, On a vu quelques infos sur iOS, on va en parler. Rien sur iPadOS, et rien ouais, du tout sur macOS. Et... Donc c'est assez et, fou. Et surtout même tu vois, dans les versions euh, bêta, tu vois, où tu vois toujours un peu des trucs qui, qui, qui te laissent une, une trajectoire à rien. Ouais. Euh, on parle surtout peut-être de révolution au niveau du modèle économique de l'Apple Store en ouvrant le, 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 les, les téléphones, les smartphones, les, oui. i les iPhones au sideloading. Je suis contre, tout contre. Ah, explique <laughs> deux mots le sideloading. Mais donc effectivement, le sideloading, c'est la possibilité. Vous, vous le savez, hein, il y a un App Store de Apple sur lequel on peut télécharger les applications et les installer sur le Mac. Tout mmh. ça est dans un modèle hyper contrôlé par Apple. Les développeurs doivent soumettre leur application au jugement de Apple afin qu'elle puisse être accessible. Et puis maintenant, il y a aussi cette possibilité, en tout cas déjà sur Mac, de pouvoir faire du side loading. Donc side loading, ça veut dire aller prendre son application sur un autre store qui est moins contrôlé ou pas contrôlé du tout, et installer les applications. C'est le cas aujourd'hui pour macOS, mais parce que ça a été le cas de, de, de tout temps, et demain, en fait, on, ben, on pourrait éventuellement l'avoir pour le l'App la, Store simplement et pas le Mac App Store mais bien sur sur l'App Store avoir un équivalent en side loader où on pourrait éventuellement installer des applications euh, sur son iPhone qui sait peut-être son, son Apple Watch un jour ouais. en side loading voire carrément des Apple, des App Store alternatifs euh, Stéphane mm -hmm. euh, parce qu'il y a des contraintes réglementaires en Europe qui pointent leur le, le oh, bout oui. de leur Alors, leur et... carton jaune dirons-nous voilà donc en gros là cette année alors, on a eu le RGPD en... il y a, qui a fêté ses cinq ans. Merde de RGPD. Qui a fêté ses 5 ans euh, il y a pas très longtemps, avec une, un joli petit anniversaire avec 1, 2, pour, euh, pour un milliard d'euros pour euh, Meta, d'amende. Et en gros, maintenant, on va avoir une nouvelle, un nouvelle directive qui s'appelle Digital Market Act, DMA, donc l'Union européenne donc, a fini par mettre en œuvre donc cet été. Et donc, il y aura des nouvelles exigences sur euh, à peu près une petite vingtaine de grandes plateformes et de, grands, et de grandes sociétés. Et donc. Ce qui est valable dans la vraie vie et qui est interdit dans la vraie vie va être aussi interdit dans la vie numérique. Et donc, de nouvelles obligations. Et donc, parmi celles-ci, ah. la concurrence euh, devra. Ils devront ouvrir leur, leur App Store. Leur App Store, ça paraît quasiment inéluctable. Ouais. Comme, comme le dépôt des, des algorithmes, on va savoir ce qui va se passer, donc on va pouvoir y e message règles, e Et des, e oh des oh C'est très européen. Hein, ce qui voudrait dire aussi règles. que ce. Et on, perd, and et on perd, et on perd de la ne serait ouvert qu'aux utilisateurs européens et pas au reste du monde. Hein. C'est ce qu'on va voir dans quelques instants. On aurait e-message qui pourrait être disponible partout, c'est bien. Allez, on avance vite les amis. Pour le reste, pas de révolution euh, de, de l'interface du côté d'iOS 17. Euh, très peu de rumeurs, on l'a dit, autour des nouvelles moutures d'iPadOS et de MacOS. C'est euh, Christophe C'est WatchOS 10 qui mm -hmm. subirait une refonte importante Oui, ben watch OS, ce serait l'interface de WatchOS qui euh, viendrait à changer drastiquement et on pourrait vraiment avoir des widgets, donc vraiment faire de, de ce que Laurent disait en fait de la, de la widgetisation de, euh, de, de l'Apple Watch où on pourrait effectivement avoir un tas de widgets en fait, qui seraient directement disponibles sur sa watch et ce serait super cool pour certains usages. Ouais, donc ce serait l'évolution, selon, euh, selon Bloomberg, de, de Mark Gurman, l'évolution la plus importante de l'interface de l'Apple la, de, de Watch depuis son lancement il y a presque euh, 10 ans. Euh, maintenant, il est presque, presque 19h, un petit clin d'œil à notre sponsor. Ce soir, il s'agit de Sandisk Professional qui vient de dévoiler un tout nouveau écosystème, son nom ProBlade. C'est une famille de produits dédiés au stockage et au dérochage qui compte qui se compose tout d'abord d'un boîtier SSD, le Problade Transport. Il est tout terrain, il se connecte directement à votre caméra pour enregistrer vos vidéos ou photos. Vous n'avez plus besoin d'utiliser une carte SD en clair, le disque se montre par nature bien plus fiable et surtout bien plus rapide. Son module Problade NMVE est interchangeable et peut donc pr prendre place dans ce que vous voyez à l'écran, la Problade Station à connecter au Mac pour dérocher vos vidéos ou photos à la vitesse de l'éclair, pratique. Ces stations d'accueil disposent de 4 baies pour y loger donc 4 NVMe simultanément. Vous pouvez donc dérocher 4 modules. Le boîtier connecté au Mac, c'est en 3 permet aussi de modifier, copier et déplacer rapidement d'importants volumes de données avec des vitesses de transfert allant jusqu'à 3000 mégaoctets par seconde en lecture et 2600 mégaoctets par seconde en écriture. Euh, si le sujet vous intéresse et vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur l'écosystème ProBled, nous allons diffuser euh, un M Express spécial sur notre chaîne YouTube dès demain, soyez au rendez-vous et merci un grand merci à Sandis Professionnel pour euh, son soutien à Enrofelimab. Est-ce qu'il y en a quelques questions Alors, On est à deux minutes du live, du début de, de la keynote. Euh, Laurent, euh, quelques on a plein questions. Plein de super message on a plein de trucs passionnants quoi. Hum... Bon, bref. Beaucoup sur le side loading, effectivement. Est-ce que, est-ce que un a, il y en a un qui a posé la question, la vraie question, est-ce qu'il y aura vraiment un casque de réalité Ah, il est, il est dans, il est dans, Team, Team Ziby, lui. Non, mais <laughs> encore une fois, d'expérience, de, on a aucun élément, les amis, on n'est pas bien que j'aimerais bien avoir la, la ligne directe de de, de Tim Cook, on n'a aucun élément qui nous permet de confirmer ou infirmer ces rumeurs, mais on a rarement vu autant de rumeurs détaillées jusqu'au prix. La dernière fois que j'ai vu un prix pour une rumeur, c'était pour l'iPad. Oui, et puis on a, on a quand même des éléments. Parce que sur les réseaux sociaux, comme euh, par exemple Twitter, mmh. on peut trouver euh, des gens comme Palmer Luckey. Je ne sais pas si, tu, si vous voyez ce que qui c'est, le fondateur d'Oculus, ouais. euh, qui a quand même euh, adressé un message publiquement en disant "Apple Headset is so good." Donc ouais. ça voudrait dire quelque part que bah, peut-être l'inverse. En fait, peut enfin bon, je dis ça. <laughs> ça voudrait dire qu'il l'aurait testé en tout cas, en tous ouais. les cas. Je surveille maintenant la, la, le, le générique de la va démarrer dans quelques instants. Tu voulais dire quelque chose, Laurent Non, je voulais dire que je voulais dire que faut pas oublier que cette keynote demeure une keynote quand même développeur mmh. et que j'espère malgré tout, on n'a pas cité une seule fois le mot Xcode, Swift. Euh, tu vois, j'espère quand même qu'il y aura aussi des annonces oui, fortes sur, ah oui, aussi des annonces sur pour, pour des nouvelles API, euh, des nouvelles choses parce que ça reste la dub dub quoi. Ok, très bien. Ça, ça se précise du côté de de, de l'Apple Park à Cupertino. Hein. Encore une fois, la, la conférence des développeurs Apple est enregistrée. Euh, donc, ça nous promet un rythme assez soutenu et sans temps mort. On va voir ce que ça va donner. Euh, comme les années précédentes, Apple a choisi, malgré euh, la fin, euh, et c'est tant mieux du Covid, euh, de, nous, euh, de nous réserver. Et ça commence avec une petite vidéo qu'on ne va pas trop garder pour ne pas entamer notre quota qu'on a promis à Apple. Euh, une, une, une keynote d'ouverture hein, comme traditionnelle de euh, de la WDC qui résume tous les usages qui peuvent être faits avec l'écosystème Apple Oui, ben on, voit, on, y a, on y a vu en fait d'ailleurs du Swift et, euh, et euh, le Xcode en fait, qui permettait de, de développer euh, et donc là on voit un développeur qui court après une bulle en... C'est une idée <laughs> <laughs> Qui court après les idées Qui court après les idées, oui Ouais, ça ouais, c'est étonnant euh, et c'est effectivement euh, c'est euh, bah, encore une fois un moment privilégié, même si c'est un moment privilégié qui est difficile à atteindre il y a peu de personnes qui, effectivement, ont euh, la possibilité en ce moment d'aller à l'Apple Park et pouvoir rencontrer les développeurs, enfin, euh, les, les, ceux qui ont cas les développeurs d'Apple. C'est un peu dommage par rapport aux années précédentes des conférences d'Apple où il y avait de vrais échanges euh, avec les développeurs. Hein. Souvenez-vous, ils avaient loué sûr. Euh, des kilomètres carrés à San José pour les années précédentes pour accueillir tous les développeurs. Et puis, ils avaient out en 2-3 minutes. Hein. Ah oui, non, ah oui, c oui. C Instantané, clair. oui. Et c'était d'ailleurs pas si évident que ça parce que euh, chez, chez nous, on a quand même quelques développeurs. Et euh, c'est vrai qu'on a voulu les inscrire une fois ou l'autre euh, à la Worldwide Developer Conference, mais si on le faisait, il y en avait que quelques-uns qui étaient tirés au sort pour y aller. Donc ce pas très pas très sympa en fait de ne pas pouvoir partir en groupe quoi. Voilà, on vous ne ratez rien. Il y a toujours le petit clip d'intro avec euh, le développeur euh, les développeurs d'Apple qui, qui prennent un petit peu d'altitude et qui donnent rendez-vous aujourd'hui à la conférence des développeurs. Voilà, on zoome tout doucement vers euh, euh, vers Tim Cook. Qui est sur Good morning. et on, on bascule sur Tim. Allons-y. Ah, et Lancement depuis l'Apple Park. Qu'est-ce qu'il nous dit en, en quelques mots, les amis On revient en plateau. Euh, il, il donne, il donne, il, donne, il donne, euh, voilà, une journée qui s'annonce exceptionnel hein, avec des dernières technologies, des dernières voilà. plateformes, je cite, euh, et on va voir. Et bon, il, il manque parle un, de... peu un petit peu le décor. Hein. Voilà, c'est ça. Il parle des développeurs, des nouvelles technologies en fait qui aident les développeurs à, à faire de la création euh, d'applications et qui sont très excités. Ouais, il rappelle, de, euh, aussi. Il rappelle aussi que c'est une boîte qui a toujours conférence. fait de l'innovation, qui est toujours orientée. Euh dans, dans son histoire, sur l'expérience et tout ça. Donc, c'est classique. Donc, hein. Voilà. Donc, là, il parle effectivement de logiciels, mais aussi de matériel. Hein. Il... Et, il dit aussi, ce il qu il dit aussi que c'est une des conférences qui va, il va faire annoncer la plus go, ah. le, une des plus grosses conférences. Très intéressant, il dit, on va parler de logiciels, mais aussi on va parler de nouveaux produits. C'est ça, de matériel. Donc voilà, on lancé la couleur. Il n'y a, a aucun indice pour l'instant dans les images que... Si, il y a eu il des, des pas enregistré, on va annoncer quelques images. Il lancer, ils vont vendre euh, un, un tube à vendre faire des bulles de savon Non, ouais, on va parler de bulles de savon. Voilà, et euh, après le, la, la chiffonnette... Voilà, mais euh, mais encore une fois, euh, voilà, n'hésitez pas à nous mettre quelques graves Donc là, il est il est sur le, le parc de l'Apple Park, hein, et on va parler de Mac. Tu l'as dit, euh, Christophe. Euh, on va découvrir ça. On va rentrer donc au, au cœur de de, euh, de l'Apple Park, de, de, de évidemment de, du siège d'Apple, jusqu'au euh, jusqu'aux responsables d'Apple qui vient aller. de le De nouveaux mac, mac est officiel. Et il y aura bien de nouveaux mac ce soir. Donc là, effectivement, il ouais. rappelle euh, qu'Apple est passé à, la, à Apple Silicon. Oui, donc du coup, il n'en reste, hein, pas hein. reste plus qu'un qui n'est pas passé. Donc, il ne reste plus qu'un ordinateur pas passé à l'Apple Silicon. Hein. Alors, effectivement, on va découvrir l'écosystème Apple euh, aujourd'hui disponible. Voilà. Il y a l'iMac, il y a les MacBook Pro, il y a le Mac Mini, le Mac donc, Studio. Oh, oh, donc, on parle, oh, oh, du, il on parle, parle donc, du MacBook Air. Là. du MacBook Air. Il parle MacBook Air. MacBook Air, apparemment. It's our most Donc c'est un, un MacBook Air 15 pouces apparemment ouais. qui est présenté, alors il y aura toujours l'encoche, vous l'avez vu, 15 euh, pouces ouais. Euh, et euh, pour le MacBook Air, il reste au moins l'ordinateur, il pli est plié, hein. le plus il est là. Vendu aujourd'hui, l'ordinateur portable Super. le plus vendu au monde. On le découvre, c'est le même design mais en ouais. version 15 pouces. Hein, on ne change pas euh, le design qui avait, qui avait été changé l'année dernière, on peut balancer peut-être la vidéo. Allez-y, faites-vous plaisir les amis. Mais Même euh, design. J'aurais tellement pas cru. Et quand, <laughs> <mais> ouais, <voilà. rire> on verra les couleurs, hein, mais en clair, il sera un peu plus funky que, euh, que les MacBook Pro qui se déclinent en deux couleurs. Euh, voilà, donc enfin, le MacBook Air 15 pouces, après plusieurs années d'attente, euh, arrive euh, disponible. Euh, c'est assez étonnant euh, maintenant, mais ça montre qu'Apple que, qu a, a un peu de mal à les vendre aussi. Ouais, ce qui est très intéressant, c'est qu'il va vraiment paraître fin. Parce qu'en fait, comme il est beaucoup plus grand, le fait qu'il soit aussi euh, plat. Enfin, tu vois, en épaisseur, il va, il va faire encore plus fin que, le, que le, ce que pouvait faire le, le, le 14, tu vois, le 13 et les brouettes, là. Ouais. Ouais. Donc là, en, en bout de même pas 5 minutes de keynote, on est déjà à l'annonce d'un nouveau MacBook Pro et d'un nouveau le MacBook Air. 11 mm 11 4 mm d'épaisseur. Quatre couleurs. Et il y a une personne qui rejoint euh, Kate Bergeron, qui est la vice-présidente Product Design, qui rejoint euh, la personne qui nous a présenté le MacBook Air euh, pour revenir encore une fois sur le, sur le, sur le design. John hein, qui nous a présenté le, le MacBook. Ouais. Mmh. Et on voit et effectivement on le découvre en quatre couleurs différentes 11,5 mm d'épaisseur seulement. C'est assez euh, remarquable, effectivement. Euh, à quel prix On ouais. va le découvrir dans un instant. 15,3 pouces. Va... Donc c'est pas vraiment 15 pouces, c'est même un peu plus grand. Ouais. 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 Il, va être, il va être dans la, il va être dans la, dans la lignée de, de, des R. Il hein. ne mm -hmm. faut pas s'attendre. Quatre couleurs hein. vous avez vu la couleur classique grise, le, la lumière, la, la grise sidérale, ouais. une version euh, gold, d'après ce que j'ai vu. Et, bleu. et une version bleu nuit que j'aime beaucoup également. Et euh, les bordures ne feraient que 5 mm d'épaisseur de l'écran. Euh, on va parler certainement d'autonomie. Là, elle devrait exploser avec l'arrivée d'une dalle 15 pouces. Ouais. Son, là, on, on aura une plus. autonomie, là, elle vient d'annoncer, donc on, ça va être là, de dix, et ce serait, de plus de dix, ce serait 18 heures. Ouais. alors ne va pas trop vite, hein, ah bah, mais... ça s'affiche à l'écran. Donc, il y avait quand même le spatial audio. Ouais. Donc, euh, en termes de son, a priori, il ne le laissent pas euh, de côté. Ouais. Et comme tu, euh, comme tu le soulignais... Euh... Ben la, la, la vie de la batterie, on passe à 18 heures. Voilà, 18 heures de batterie-life, d'autonomie. De, de, euh, là, ça, on peut faire quelques allers-retours Paris-New York. Non, mais c'est génial. Ou euh, quelques allers-retours oui, en train entre Paris et New L'avantage, c'est donc... que si tu le divises par deux, ouais. tu, en disons, tu arrives à avoir une belle journée. Quoi. Il serait jusqu'à 12 fois plus rapide que le MacBook Air Intel de dernière génération. Alors, donc on voit le gain et, je, et surtout l'autonomie. C'est ce qui est génial aujourd'hui avec la puce Apple Silicone. Euh, voilà, sera, ouais, plus fin, plus clair, plus lumineux. Ouais. C'est beaucoup de choses. Hein. Oui, clairement. 25% quand même de luminosité en plus. Pour Alors ça, c'était un enfin. défaut chronique des MacBook Air, une manière de faire une vraie différence avec les MacBook Pro. Là, apparemment, ils corrigent le problème. Je ne pense pas qu'on ait la finesse des écrans euh, mini-LED de, de MacBook Pro 15 pouces. Hein. C'est là que se ferait la différence. Hein. Il est encore plus... Fin, il, est, il est silencieux par by design. Ouais. Grâce à... Grâce au pas processeur, en fait, bah oui, c'est génial. Ah, Jusqu'à 50 de batterie en plus que, que, que le PC le plus endurant. Ça, c'est vraiment un argument de vente fort pour Apple. Et euh, l'encoche est là. Hein. Et l'encoche, bien sûr, est, est là. Euh, réduite, mais là. Ouais. Reduite, pas si réduite que ça. Non, parce que l'écran a grandi, Donc c'est pour ouais. ça que tu as l'impression qu'elle est, qu est réduite par rapport à ton 14 pouces. Euh, voilà, donc la, la rumeur avait raison. Première rumeur, on cloche ouais, dans la liste, dans la to-do list. Euh, un Mac avec toujours Mac. Apple a, a introduit, euh, regardez, Alors, un MacBook Air, on a tout le résumé à pure, oh là là. plus rapide. Wow. Jusqu'à 24 go 2 teras de... Voilà, 2, 2, 2 tera de... de Jusqu'à 2 teras de disque dur, enfin de SSD. Ils vont nous annoncer les prix, on va voir. Voilà, on va voir les prix dans Alors, les prix vont, vont être annoncés. On va attendre. les Et amis. je pense que ça, c'est... Les amis. C'est voilà. une énorme surprise. 1299, 1299 dollars 1199. Et, et en éducation c'est ouais, que là, là 1299 il va attaquer le marché là. Ouais. Alors oui. ça c'est les prix de l'art. notre je me tourne vers oui. Laurent. Non mais c'est bien, c'est bien. C'est des prix hors taxe. Hors, oui, taxe. hors taxe. Donc ça va être alors autour la taxe, ça... des 1500 la... euros la... en France là, quoi. C'est ça. Là, là déjà je suis sûr, ça va attirer ça le monde Laurent. hein. Laurent. Ah mais c'est intéressant quoi. Donc tu vois on a le plus ils ont baissé le prix. Ils ont baissé le prix des autres. Non, ils ont baissé le prix des autres du 13. Bah oui, ils sont obligés. Le 13 à 999 tu vois aux États-Unis, c'est marquant quoi. Clairement. Très bien. Là, ils sont en attaque de marché. Hein. C'est clair. Euh, ça... Alors, M2 Pro, M2 Max. Ah, on passe à des puces M2 maintenant. Donc, effectivement, le M2 Pro et le M2 Max est, est disponible sur les MacBook Pro et sur le Mac bon, Mini. Il manque encore une machine bon. qui est le Mac Studio. Le bon. voici. R Rodrigo va prendre le 15 pouces blanc. Nice. Rodrigo, c'est très bien. Euh, Qu'est-ce que nous disent les... Alors, oh, apparemment, le design, vous voyez, demeure le même, pour l'instant en tout cas. Euh, Il faut un revendition de la gamme. Hein. C'était une des dernières machines qui n'avait pas évolué hein, de la gamme avec le, le, le Mac, euh, qui n'avait pas adopté la puce euh, M2. Euh, je réponds à notre ami euh, Didier. Je oui. jette un petit coup d'œil. C'est vrai qu'il était temps en fait euh, que euh, ce Mac qui se veut être euh, ben, la, le, le, le pinacle en fait de la gamme euh, de chez Apple puisse maintenant passer euh, au processeur M2 dans les versions euh, Max et euh, et, euh, et ultra quoi. Ouais. Ce qui est vraiment, moi, ce qui me marque pour l'instant, euh, c'est la baisse de prix euh, aux États-Unis. En tout cas, on va voir si en France, euh, ils sont conscients que aussi l'inflation est importante et le pouvoir d'achat est, est en berne. Donc, j'espère qu'ils suivront le mouvement. Euh, donc là, c'est euh... le Mac Studio, donc. Oui. Ouais. Un Mac Studio euh, en M2 Max, Max ça, ça te fait une bête de guerre, hein C'est de la folie. Oui, ouais. ça te fait une, une méchante machine. Sachant que quand ils ont sorti le, quand ils ont sorti le Mac Mini. En M2, on s'est dit, ah, mais finalement, il bouffe le, le studio. Mais là, il rattrape la gamme, quoi. Donc là, la, la dame, la dame, <laughs> la dame oui, c'est Jennifer, mais, mais la gamme est quand même beaucoup plus homogène qu'auparavant. Il y avait d'un côté des MacBook Pro en M2, de l'autre, des, des Mac Studio en M1, des Mac Mini en M2. Le Mac Mini était un, un super choix, là, pour avoir une, une, une petite Bien station. Oui, pour là, le... si on, veut, on vise plus haut, euh, le Mac Studio suit, suit la route. C'est plutôt une mauvaise nouvelle pour le Mac Pro. Je ne sais pas ce qu'ils vont nous faire derrière, mais, mais voilà. Oui, moi je, je, franchement, je vois de moins en moins un Mac Pro se positionner à côté du Mac Studio. Ça me paraît être deux machines en fait, qui sont vraiment sur les mêmes. Ouais, qui euh, marchent sur, marche sur, de de marche sur les sur mm -hmm. bandes. De... Ouais, donc là, on devrait avoir, j'ai vu passer quelques chiffres, une machine beaucoup plus puissante que, que celle que, euh, que la génération précédente en M1 Pro, évidemment. Euh, beaucoup plus puissante, jusqu'à 20% plus rapide, j'ai cru voir passer, euh, effectivement. Euh, et puis, euh, on nous rappelle le principe des euh, euh, de, de, le concept des, des puces euh, ultra euh, et, des, et des concepts des puces max. La, 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 notre ami Fred Crassin n'est pas avec nous ce soir. La possibilité de joindre deux puces en une mmh. et de cumuler jusqu'à 192 gigas. Non, mais c'est fou. Et de il continue vive. à. Ouais, même le Neural Engine continue, donc vraiment celui qui est responsable pour tout ce qui est euh, bah, intelligence artificielle dont on parlait, à continuer à croître en termes de puissance également. Et donc deux puces M2 Max correspond euh, à coller. Donc voilà ce que Avec donne, un le, modèle le M2, on appelait euh, ça Ultra Fusion. Ultra Fusion, ouais. C'est dingue. 50% euh, plus rapide. Bon, on va voir ce que ça donnera, on a hâte d'essayer. Donc c'est vraiment une machine sur mesure. Euh, euh, alors, c'est résumé à l'écran, regardez, 134 ouais, milliards disent. de transistors, 192 gigas de mémoire vive, 24 coeurs euh, jusqu de CPU, 76 coeurs GPU, 20% plus rapide en CPU, 30% plus rapide en GPU, et une bande passante en mémoire de Cinq... 800 gigabits par seconde, Cent ça reste une 192 technologie... gigas de RAM ouais, Je pense exactement. que pour les, pour les monteurs vidéo, ça oui. va être top. Oui, hein. c'est ce qui vient de te dire, euh, DaVinci Resolve, 50% de performance en plus. Ouais. Imagine de prendre 50% de performance en plus d'un coup. D'ailleurs, il parle vraiment des gens de la vidéo, c'est sûr et certain. Ouais, surtout qu'il permettrait de regarder. 22 streams en 8K. 22 streams en 8K. Ça et va ouais. C'est bien. Ouais. Ouais. Pour le multicam. Ouais, et ça permettrait de gérer jusqu'à euh, enfin, plusieurs écrans, j'imagine, par rapport aux générations précédentes. Euh, jusqu'à 6 écrans euh, en. 6 écrans pro, display XDR. Donc ça donne. Ça laisse assez rêveur sur les capacités de cette machine. Même si moi, personnellement, je ne trouve pas son design transcendant. mais ne goût, ne goût, ne... Les goûts, les couleurs. Voilà, ouais. mais ne, ne boudons pas notre plaisir. Le non. voilà associé voilà, jusqu'à 6 écrans. Regardez. Moi, je trouve qu'il donne six bien 6 écrans, écrans. écrans, ouais. C'est joli. 6 écrans. Euh... C'est la joli. classe. Bah, il faudra en commander. régie, on va au, commencer au, à faire au, le crédit, c'est ça Voilà, c'est ça. Voilà, on a les, donc les specs qui sont euh, résumés euh, à l'écran. Hein, hein. euh, regardez. Euh, voilà, c'est le nouveau Mac Studio. Donc, deuxième coche. Deuxième encoche qu'on met sur nos cases, notre wishlist, et encore une fois, les liqueurs avaient raison, et ça va très vite, on est à à peine 13 minutes de keynote, et déjà on a droit à un nouveau MacBook Air, 15 pouces, c'est un nouveau MacBook oh Pro. on va attendre le bon. prix dans un instant. Non, non et le prix ne va pas tomber. Pas tout de suite en tout non. cas. Euh, ça reste une machine vraiment taillée pour les pros. Non. Euh... Et est grave, est... Regardez, regardez ce qui apparaît là. Et les voilà. Et voilà, arrivé, Il on en On peut manquait. passer en vidéo, Moi. les amis. Euh, eh ben, je me suis bien trompé. Hein. D'un Mac Pro. Pourquoi Parce que le ouais. Mac Studio, il lui manque je la capacité d'évolution. Mais ben oui. Il n'y a pas de PCI externe. Et voici le premier Mac Pro équipé. D'une Il n'y a plus M2 de Mac de... Intel, euh, non Intel, je dirais, non, non Apple Silicon. Ça doit exister dans encore. Donc... Oui, oui, mais ce que je veux dire, c'est que l'intégralité de la gamme a enfin mis. Elle disponible, oui. Ouais. C'est bon. le même châssis, on dirait. Oui, c'est exactement le même châssis. C'est un, qui un Mac Studio avec des, avec des, des cartes euh, ouais. PCI Express. Alors, on peut <laughs> dire le contraire, on peut dire que c'est un, euh, un Mac Pro pardon, qui est passé à Silicone <laughs> Parce voilà. que la, la, la machine, c'est le même châssis. Elle n'est pas plus compacte, comme on pouvez l'imaginer dans les rumeurs. Euh, alors, on va voir ce que va nous apporter l'écosystème en matière de, de cartes d'extension, hein, parce que ça ne se connecte pas comme Bien ça. Bien sûr. Hein. C'était pour Intel à l'origine. Hein. Exactement. On voit d'ailleurs euh, qu'elle qu qu évoque euh, la possibilité d'étendre au travers de cartes euh, euh, ben pour la partie graphique, en fait, tout simplement déjà. Sept cartes Afterburner intégrées. Waouh! Donc, Afterburner, on rappelle ce que c'était. C'était une carte dédiée à la première génération du Mac Pro pour faire tout le système d'encodage, hein, mm. pour pouvoir euh, exporter, par exemple, vos montages dans Final Cut Pro pour appeler un chat un chat. Et bien, plutôt qu'utiliser la, la, la mémoire interne et le, surtout le processeur interne, on, on allait sur une carte externe. Une carte qui est devenue caduque avec l'arrivée de la puce Apple Silicone. Et là, en fait, il nous rajoute encore des, des puces Apple Silicone à l'intérieur. Cette... Carte, comme vous allez le découvrir, Afterburner, c'est ouais. assez. Donc il y a 8 ports euh, Thunderbolt 3, 4 ouais, euh, non Non, 8 ports, 6 euh, derrière, 2 devant, et il y a euh, PCI, euh, PCI, donc là il nous le montre à l'écran, PCI euh, Express 4 gé euh, génération. Mm -hmm. ouais, c'est vraiment euh, une machine qu'on n'entendait plus, donc euh, voilà. ça y est, la transition vers la puce. Euh, Apple silicon est terminé c'est bien du Thunderbolt 4 par contre ouais il y aura bien des, euh, a priori des ports euh, PCI hein. euh, en plus 6 euh, ouais. Ouais, donc c'est voilà, la machine et en rayée... fait, tu rencontres un hein, 24 coeurs, 24 cœur et euh, jusqu'à 76 cœur, on est là, on est sur la même euh, architecture que euh, le Mac Studio voilà on donc est intéressant. Pas... en fait c'est une déclinaison avec avec PCI et donc avec possibilité d'extension avec des cartes externes du Mac Studio donc, on n'a même pas un quart d'heure de, de, de keynote et on a déjà trois produits annoncés. Mac Studio, Mac Pro qui est la surprise. Mais les amis, combien ça coûte Et, 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 que ça, et que ça 9, 1999 cas. le Mac Studio, ça c'est de base, hein, et 6999 le Mac Pro. Ouais. Donc, 2000 dollars sous la barre psychologique des 2000 dollars pour le Mac Studio et sur la barre psychologique des 7000 dollars. Mais ça, c'est une station de travail, Christophe. Ouais, ouais. bah, euh, Il va falloir économiser quand même un petit peu, pas <laughs> tout de suite, tout de suite. Euh, pour pouvoir acheter un Mac Studio. Le design demeure à changer. Magnifique, le design du, du Mac Pro, ce qui laisse penser que. Euh, voilà, ça. Bon, il est bon, en, actuelle, en un quart d'heure, ils ont plié euh, Mac, trois, matos, trois machines. trois machines le matériel après ouais, alors, On n'a on pas d'infos sur, sur la possibilité de brancher des GPU externes. Hein, C'est quelque chose oui, je pense que, qu que nous se trouve Didier. Euh, effectivement, on ne sait pas si on pourra brancher des GPU externes. C'est la. la euh, Nvidia notamment, euh, on verra. Euh, à mon avis, c'est du maison, mon cher Didier. Euh, pour le reste, voilà, c'est expédié. Dès la semaine prochaine, ces machines seront disponibles dès la semaine prochaine au catalogue d'Apple. Vous pouvez euh, rapidement <laughs> presque passer commande. Mmh. Et on retourne... Euh, du côté de notre ami euh, Tim Cook, qui, euh, qui euh, se balade, oui. qui se promène dans les vergers de l'Apple Park. Et qui se félicite pour toutes les nouvelles machines. Qui se félicite voilà. pour les nouvelles machines. Et on machines. va passer au logiciel, maintenant. Oui, oui, oui. Non, non, pas trop vite. Euh, et euh, quand on a un petit peu d'avance. Euh, et euh, voilà, il a l'air très, très cool, l'ami Tim Cook. La promenade, c'est une tradition hein, chez Apple. Ouais. Oui. C'est là que les idées fusent, euh, c'est là que les idées naissent. Ça et, vient de Steve. Hein. Et ça vient de Steve. Et on va passer, effectivement, vous le voyez, à Craig Federighi qui va nous dévoiler la dans le, dans le, le fiateur, hein, dans le hall en, d'entrée de l'Apple Theater, du est, Steve Jobs Theater. Et c'est iOS qui, bien sûr, euh, a droit à la primeur. On arrête le matériel, on parle plus de, de lunettes de réalité mixte. J'ai euh... presque peur. Hein. <laughs> non, il y aura non, one morphing, un, je un je one Morphing. Je parie sur. C'est quoi le dernier one Morphing de, de Tim Cook euh, Je sais plus. Il y avait, il y avait eu pour l'Apple Watch, de mémoire, et tout, je mémoire. tout hein que, Non, il y en avait eu un autre. Allez, on passe. On en ouais. iOS, on va parler d'iOS. Là, il parle de trois mm -hmm. applications essentielles FaceTime, téléphone et e-message. E c'est voilà. ça. Donc, qui sont les très importants Alors, on commence avec l'iPhone et donc la fonction téléphone, c'est ça. Donc, l'application téléphone est mise à jour, je crois que c'est la première fois depuis 2007. Ouais, et surtout, il n'y a, a pas grand-chose. Il n'y a rien à faire. Et, et en est fait, ce qui, est énorme, 2007, en tout cas. ce qui est énorme, c'est que tu peux choisir toi-même mmh. la façon dont tu es représenté quand tu appelles. Voilà. C'est énorme. C'est énorme. énorme ce qu'ils viennent de faire. C'est toi alors. à l'appel oui. qui va choisir Moi comment. J'ai déjà peur de la photo que Laurent va m'envoyer quand il va me téléphoner. Ouais, c'est ça. Écoute, incroyable. je vais te mettre une pizza à la nana. <laughs> D'accord. Ouais. Alors, donc on peut choisir concr voilà. concrètement la photo. Donc on a le poste. C'était déjà le cas avant. Non, non, non. Mais non, non mais non. non. C'était, c'était ouais, dans ton carnet qui mettait la faute, voilà. ma photo. Oui. Éventuellement, tu pouvais dire je veux bien prendre la photo. Ils euh, vont avoir des problèmes de, quand de, même. <laughs> il y en a qui vont non, mais ce que ça fait, les amis. Allez, Apparemment, ah, il y a une application qui s'appelle Posters qui va permettre de choisir... On choisit une telle ou telle photo, et cette photo va, être, va servir oui. à, à s'afficher oui. sur le téléphone adverse. Attention, de, euh, attention. C'est toi qui le C'est oui. toi qui le choisis. Oui, et donc oui. ça veut dire une chose, iPhone, iPhone. D'accord. Hein donc, beau. on, en, on entretient l'écosystème. C'est hein. super beau, mais c'est la façon de Apple d'avoir Instagramé un petit peu parce que tu peux sélectionner les filtres, etc. D'Instagram, oh, on n'avait pas vu. Hein. Les liqueurs, on n'avait pas vu. c'est du logiciel, c'est plus compliqué à deviner. Ah, je suis Alors... heureux parce qu'en fait, on a une conférence des développeurs et ils nous disent on a des nouvelles API. Ouais. Euh, donc, donc, on a CallKit call qui, euh, qui va nous permettre euh... de faire de la transcription en direct ouais. d'appels. Euh, oui, Apple dit à... en Ah, fait, euh, oui. ouais, on est sur de l'IA Live Voicemail, de quoi s'agit-il, Live Voicemail, les amis alors la live vo voicemail, la personne te laisse un live, voilà. te, te laisse un message, et toi tu le vois affiché Il <laughs> y a fond. Mais non, et tu le vois s'afficher. Mais c'est ça ce qu'on qu veut. Mais suis non, c'est ça qu'on veut. Tu veux un petit peu d'eau oui, euh, oui, Je vais le baver. Je n'ai pas un peu d'eau qui me peu d'eau Non, non, ne mouille pas, ne mouille J'ai <laughs> plein de macs autour de moi. Vas-y, je vais boire un petit coup. Vas-y, vas-y. Mais donc non, le fait qu'on puisse avoir une retranscription par écrit du message qui est laissé de façon vocale à l'interlocuteur, c'est plutôt cool. Ouais. C'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Donc, le téléphone, ça faisait très longtemps, hormis l'interface avec iOS 7 qu'on n'avait pas d'avancée majeure, hein, depuis quasiment l'introduction de l'iPhone, avec sa ah. pileur à l'époque, c'était Voice Mail, ah, ah ouais. l'annonce pas trop vite. Ouais. L'autre mise à jour qui serait importante, c'est l'arrivée oui. de FaceTime. Non. Ça, mail sur FaceTime. Si, si quelqu'un n'est pas disponible. Non, vidéo Mail d'ailleurs. Si pas quelqu'un qui n'est pas dispo, on peut lui laisser un message vidéo. Voilà, on peut enfin laisser un message vidéo sur FaceTime. Et on peut enregistrer la vidéo. Et on peut en bah, FaceTime. Voilà, c'est génial, c'est génial. Ouais. Mais c'est ah juste bon, normal. Ils, ils vont positionner, FaceTime comme un vrai outil de, de conversation. Quoi. Tu Mais as -tu où vois est l'HDP hein, là-dedans non, moi j'aimerais bien qu'ils mettent du NDI, ça parlera à nos amis en régie. Mais c'est pas pour tout de suite, ce qui permettrait de récupérer les flux pour la régie de refaire le mac. Mais c'est pas pour tout de suite. Donc vous allez pouvoir déposer un petit message euh, dans FaceTime. On parle maintenant de messages, les amis. quel oui. le répondeur intégré de FaceTime. Alors, que va nous dire Apple Bon, ben, déjà on part sur une nouvelle recherche. Alors c'est un vrai enjeu, en tout cas le message. Hein, quand on voit WhatsApp, ah un ouais. message. Est-ce qu'un message va arriver sur Android C'est une question qu'on se pose de moi. Ouais, voilà, avec, avec le DSA, c est, c est, ce sera obligé. Mais euh, tu vas emmerder avec tes règles. ça <laughs> tu Swipe, swipe pour répondre. Voilà. Enfin. voilà. Donc aujourd'hui, on peut... C'est what... e message WhatsAppise un peu. Exactement. C'est ouais, ouais. ce qu'il d'ailleurs dit dans les commentaires. Hein. Je, voilà. je, je remercie tous ceux qui l'ont dit. Quelque, je crois que c'est euh, Cézanne 75S qui nous dit comme sur WhatsApp. Voilà. Très bien. Donc là, on rentre vraiment dans, dans l'inventaire la, dans, dans la, des fonctionnalités euh, propres à iOS. Euh, et la possibilité, d'après ce que j'ai vu, d'avoir la transcription de texte oui. d'un message audio. C'est trop chouette. Ça, c'est sympa. Il mmh. euh, y, y a un truc pour les parents aussi, qui va, une nouvelle fonctionnalité qui va arriver, c'est la partie check-in. Cette partie check-in, c'est quand on rentre ou qu'on va courir ou je ne sais quoi, on prévient euh, notre entourage qu'on est bien arrivé et ça, c'est peut-être une bonne nouvelle. C'est une sorte de partage de localisation. Oui, ça, mais fait. genre quand on est bien arrivé à l'objectif, à, à le, à eh ben, les personnes concernées sont... Euh, très bien c'est Même quand, même quand le, ouais. le, la batterie est... Enfin, bon, le est nombre de fois que j'ai à mon fils, quand il arrive à la maison, tu m'appelles tu, tu ou tu ouais. m'envoies me, un message. Tu vois, non, mais même, même avec les potes. Oui. C'est le qui est toujours en retard. Euh, bah, oui, surtout pour les émissions. Aujourd'hui, euh, je crois que c'est euh, historique, hein, comme cette conférence qui s'annonce. Euh, on est parfaitement à l'heure, les amis. Euh, on parle un peu de confidentialité, euh, euh, d'après ce que je vois chez Apple. Qu'est-ce qu'on nous dit de ce côté-là après, euh, les nouveautés d i message je vous les résume. Hein. Euh, recherche plus efficace, des réponses plus rapides, des audios sont retranscrits, euh, <laughs> la localisation, ce serait a, possiblement a... euh, intégré à la conversation, et, euh, et donc le système qui permet de savoir si vous êtes bien rentré à la maison. Voilà. Ça va être pratique et pour oui. les enfants. Alors, Alors là, moi, on étend les fonctionnalités de message aussi, ouais. au travers euh, des applications ouais. Oui, J'ai vu passer de... la... le petit cadenas. Il... Ouais, oui, privacy toujours, toujours mmh. dans privacy, le respect de la Oui, donc par rapport à WhatsApp, par rapport à la concurrence, ou en disant nous, on... la main sur le cœur, on n'exploite pas vos données, c'est ça mmh. reste à... Ça oui. reste à voir. Bien. Oui, Stéphane. Non, apparemment, il y a, y, a, y a des choses liées à la recherche. On doit avoir un, des moteurs de recherche un peu plus développés si on cherche des éléments, surtout qu'on collectionne depuis des années tous ces messages. Euh, on, ouais. pourra, on pourra avoir un meilleur moteur de recherche dans nos messages. Et ouais. on peut déplacer des stickers ah non, vu sur les, les messages, stickers. les arrondir. Ça, c'est ce original. Parce que ouais. là, par exemple, tu vois, ce qu'on pouvait déjà faire avant. Mais non, on pouvait mettre un message, euh... mais pas le déplacer et le mettre. Là, là c'est carrément, tu, 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 tu tamponnes le sticker sur le. Oui, mais ce qu'on pouvait faire hein, avec euh, tes emojis Oui, mais, mais tu vois, tu étais quand même là. Assez... Oui, oui, tout à fait, mais tu étais limité à tes emojis. Là, tu mm -hmm. peux le faire avec euh, n'importe quel. Donc, l'intégration de photo stickers euh, améliorée, donc. Euh, donc, il y a un petit menu déroulant. Et on a vu qu'on peut modifier les emojis également euh, et les stickers avant de les envoyer. Tu peux créer euh, des nouveaux stickers ouais. avec euh, tes propres vidéos. On pourra mettre des petits logos de refil Mac et des non, refil de refil Pop, exactement. Christophe. Ça va être hein. tellement génial. Ouais, donc avec Rick euh... qui joue avec un ballon de basket qui est assez marrant. Encore une fois, on, on avait peu d'infos sur les avancées possibles d'iOS. Euh, bon là, encore une fois, c'est difficile de... de bon, c'est les gadgets, hein, tout ça. Ouais, ouais, mais c'est en tout cas il y a quand Attends, même quelques uns. C'est des gadgets, mais c'est sup... le, le, le messaging Bonjour. est super utilisé. Nous on le voit comme, je vois ça marrant, mais il faut, il faut ramener à la réalité. Aujourd'hui, les applications de messaging c'est une des plus grosses utilisations de, de... Euh, des, des smartphones. WhatsApp, Donc hein. ils essayent de rattraper un retard, tu vois, de de donner une avance, de polish, de mettre un peu de polish sur euh, un, un iMessage ouais. qui a été un peu dépassé. Quoi. Ce seront des critères suffisants pour que les gens mettent à jour leur leur Oui, effectivement. Vrai, on sait que chez Apple, chez, enfin dans la plateforme Apple, près de 80% du parc a déjà switché sur iOS 16. C'est certain. Euh, presque 9 mois après, euh, ouais, 9 mois après son mm -hmm. introduction. J'ai hâte de voir nos, nos premiers échanges. Oui, c'est clair. Euh, après, Avec la photo de Laurent. Euh, oui, donc on reste sur les, donc, tu sais, autour de ces petites euh, améliorations, euh, ces petits gadgets comme ah. les stickers. Et quelque chose qui nous plaît à Christophe et moi. On, on, d on est grands fans d'Airdrop. L'icône a changé légèrement, non Ou, ouais, Non. <laughs> non. non, non. Ouais, c'est vrai qu'elle me paraît un peu différente. Ouais, elle me paraît différente, les gars, attendez. Mais donc c'est le fait de pouvoir facilement d'un smartphone à l'autre, mais aussi vers le Mac ou vers l'iPad, ouais. de pouvoir... Ah ouais. En, s'envoyer un fichier, bon. un contact, C'est ce qu'on fait quotidiennement à la ah oui, Régie. part voilà. AirDrop, il y a DEMDROP, si on va échanger des, 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 ah, des, des contacts. Ah, c'est génial Enfin, plus besoin d'imprimer des cartes de visite c'est génial Vous avez vu, en fait, on, on, on positionne les deux téléphones l'un à côté de l'autre, et on peut s'échanger directement l'information. Ouais, comme avec le Palm pilote euh, en, en, en 1999. En 1994. J'ai que ça mais... tu voulais faire en infrarouge. Tu mettais l'un en, en, en face de l'autre, et bon tu faisais... Tu bimer à l'époque c'est vrai. Donc, si de poser le téléphone, euh, celui de la personne à côté pour lui envoyer. Pareil pour, pour déposer. Ouais. ouais, ouais. Bon, enfin, c'est pour euh, tout ça. C'est aussi, euh, c'est le, le partage aussi. Euh... marché avec le Mac. <laughs> non, je regarde. Ouais. Bon, je parle jamais de mon Mac. Et... Non, je rigole. Vous savez que ah. ça buggé. Apparemment, ils l'ont bien travaillé. Donc, il y a aussi pour les photos là. Ouais. De ah ouais. ouais parce que parfois, par... des fois, ça marche très bien. Et puis, quand ça marche pas, ça marche pas du pas. tout. Et, et tu comprends pas pourquoi. Donc, apparemment, avec, euh, la Magic Island qui est super bien intégrée aussi. Ouais. Ouais. Euh, ouais donc, euh, elle est plus, plus que jamais là. Euh, donc, l'idée est de vraiment faciliter les. les, 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 les ah, il y, y a une API. Y a, ils, vont, ils, ils lancent aussi en parallèle une API SharePlay. Ouais. SharePlay, alors, on le rappelle, parce que moi, je, personnellement, je l'ai utilisé une fois. SharePlay, en quelques mots, Stéphane, c'est. Euh... Pour, pour, pour partager ce que nous, on est en train d'écouter ou en train de voir hein, donc, Un, un, de un film sur Apple ah bah, TV, par exemple. Ouais. Mais qui l'a déjà utilisé Ou un ou flux sur Twitch. Voilà. Tu l'as fait sur Twitch Jamais. Laurent, tu l'as fait Non. Jamais. Moi non plus. Bon, Peut-être on va pouvoir partager le live lors de la prochaine keynote à la rentrée, on va voir. Effectivement. Donc, une, une, une évolution de Shareplay. Euh, et là, les démos, c'est plus autour de... Ça, oui. c'était aussi dans notre petite liste. Hein, on peut cocher aussi. Oui, dans... exact. Shareplay, ça, ça avait été vu par les liqueurs. Euh, ils avaient aussi annoncé une, une mise à jour d'Airplay. C'est surtout celle-là qu'on attendait dans l'émission qu'on a exact. produite la semaine dernière. Euh, parce qu'Airplay a, a très peu évolué. Et tu nous avais trouvé une info, euh, Laurent, par rapport notamment... au aux professionnels du tourisme qui souhaitaient, notamment les hôtels, qu'Airplay soit plus facile à, ouais, à, à plus, utiliser. Plus présent, plus présent dans les hôtels, parce que les, la clientèle des hôtels de luxe, c'est une clientèle iPhone. Alors on y est Moi, pas Je veux dire merci la... à ouais, Jean-Marius Nilura, qui vient de nous faire un don sur le chat. Ah, génial. Donc, reconnaissance éternelle, Jean-Marie. Voilà, mais on ne se dirige pas du tout vers Airplay, on revient vers, le, vers les, les fonctions de message et de clavier. Bah, on parle du clavier une fonction dauto d'autocorrection du clavier, d'après ce que j'ai vu passer rapidement. Ouais, il a amélioré, le clavier est, est, est amélioré, la correction automatique est plus efficace avec une meilleure intelligence artificielle. Ah, le mot est lâché ce soir, intelligence artificielle, il ne faut pas désespérer. <laughs> donc pour l'instant, on n'a pas encore parlé de Siri, hein, c'est quand même un gros morceau d'iOS, on va voir. Euh, donc en clair, la correction automatique est plus intelligente et va mieux... Voilà. Très ah, dire, moi je. Je Déjà a... de ces horreurs en termes de, de, voilà. de texte. On, ext... on l'a tous fait, c'est oui, vrai. Euh, mais et puis aussi corriger accessoirement quelques erreurs de française, qui est toujours pas plus mal. Ah, regarde, c'est génial parce que les gars, là pour l'instant, on voit les, les mots apparaître au fur et à mesure. Ça, c'est du Chat GPT, les gars. C'est Chat GPT. C'est du chat GPT. est pété, ça. C'est super. Hein. Le... <laughs> Pourquoi tu voulais le dire <laughs> Tu t'as coupé l'arbre sur le pied. Je te sors plus Non, non. Fait. Bon. Mais ce n'est pas du Tchad GPT. Ça. Si, c'est un peu du chat GPT, parce ah. qu'en fait, c'est la... chat GPT fait en sorte de deviner le prochain mot. Il y, con... ah. y a un concours, parce que maintenant, c'est Alexandre Z qui vient de faire monter les enchères. Hein. Plus... Merci, 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 merci. Merci beaucoup. Adorable. Euh... Donc, prédiction automatique, vous l'aurez compris, ouais. euh... pour pouvoir. Euh... Et on peut également. Euh... Ouais, directement dans le texte, c'est assez étonnant, de nouvelles expériences donc qui vont être également proposé euh, euh, au travers d'iOS euh, 17. 17, déjà, c'est comme le temps passe. Euh, alors, qu'est-ce que sont ces nouvelles expériences que Apple nous propose encore un petit peu flou, on les découvre en même temps que vous. Euh, je cite une nouvelle façon de repenser et de vivre oui. l'usage voilà. d'iOS. Alors il y a, là, a priori, on va travailler sur nos souvenirs, on a de temps en temps des petites choses comme ça qui arrivaient. Les photos. Et, oui. euh, et donc, en gros, on va, on va avoir une, apparemment, visiblement, une nouvelle façon de le présenter, visiblement via une nouvelle application qui s'appelle Journal. D'accord. Donc Journal, c'était l'application la, de blog que la rumeur a annoncé. Logiquement, ça devrait être ça, en fait. Euh, C'était une des rumeurs qu'on avait listées la semaine dernière. Oui. Euh, et on pourra partager des souvenirs en images. Et les animer, en fait c'est le journal intime Ça avait fuité ça hein. Je voudrais juste remercier parce qu'on a quand même eu pas mal de monde euh, qui, nous a, qui nous a fait des dons alors c'est très intéressant parce que donc, on a Veux, Jean, Marius, Nilura qui a commencé, suivi par Alexandre Z et on a Jean-Maurice et je viens de voir qu'en fait c'est un dollar canadien et Jean-Maurice commente beaucoup nos, nos, nos vidéos et tout ça et je ne savais pas qu'il nous suivait de si loin et je voulais le, le remercier et puis on a aussi euh, Patrika et un don pour des achats de stickers pour Laurent et Christophe ah, <laughs> L'iPhone de Merci. Quasiment à intégrer à votre journal avec photo, localisation et musique. Ouais. Et juste pour la, la, nos amis en régie, euh, dès que la démo iOS termine, on fera un petit rappel à, notre, à nos sponsors préférés, à savoir Sandis Professional. Soyez bien. Et donc, prêts. ce journal, ah, donc, donc, c'est ouais. ça qui est intéressant, c'est ouvert et donc on pourra utiliser exactement donc le journal intime c'est vraiment euh, ça veut devenir aussi un point central pour les gens qui veulent partager de l'information qui veulent en tout cas noter des choses se rappeler des choses partager éventuellement avec ses proches euh, et le truc c'est que c'est un point central par rapport à d'autres applications donc un développeur qui crée une application peut le rendre compatible avec le journal intime Alors je, je, ok donc c'est c'est euh... assez étonnant euh, on non, mais en, en gros, non, mais en gros, c'est-à-dire que ce qu'on publierait sur Facebook et compagnie sera potentiellement intégré là-dedans, toujours à, à, euh, bien sécurisé, parce qu'on voit le petit cabinet qui est là. Ouais, bien sûr, qui est propre à Apple, bien sûr. Euh, ok, très bien. Alors, on reste pour l'instant, donc euh, on attend que la démo iOS se termine pour, mm -hmm. pour passer à la suite. Euh, donc, pas mal de choses qu'on n'avait pas vu venir, notamment les, les, euh, les nouvelles. Euh, J'appelle ça les FICIS, mais les nouveaux euh, images de, de, qui oui. vous permettent de vous différencier lorsque on vous, vous passez un coup de fil. Le partage, avec, le partage des, des contacts qui est très sympa, mais qui existe depuis très longtemps et qu'on attendait depuis longtemps sur iOS. Euh, une des fonctions qu'on attend, c'est est-ce que Apple s'ouvre à, à d'autres standards pour iMessage Ce n'est pas encore à l'ordre du jour pour l'instant. Oui. Alors, là... Non, pas trop vite. Hein. Là, mais là mais ça vient d'afficher à l'antenne. Là, on voit une nouvelle application qui s'appelle Standby, où dès qu'on met l'iPhone en mode horizontal, ça se transforme voilà, en un mode réveil. Ça ça. Ça. Comme, Donc, la montre, comme la montre, ça. quand tu mets ta montre en charge, voilà. elle se met en horizontal. Je voudrais juste, remer juste, remercier, jokes, hein. ouais. juste remercier tous les gens qui nous font des dons. Donc On a Pierre Dupont qui a offert... Euh, un, un, euh, un abonnement. Ouais. On refait le Mac et puis on a Nero77 qui nous a fait un très très beau don avec toujours des petits mots, des messages qui sont très sympas. Un plaisir de partager chaque événement Apple avec vous. Et wow, merci beaucoup. On est très merci très beaucoup. reconnaissants. Coeur, merci. Cœur, ouais. cœur, cœur, immense cœur. Merci à vous merci de beaucoup. nous soutenir. Vous savez que. On est là voilà. depuis longtemps et on monte en puissance année après année grâce à vous. Très sympa ces petites fonctions. Regardez, ah oui. donc ça ressemble c'est la radio réveil. C'est le radio réveil. Ouais, non, mais là les gars, de, les gars là je sur kiff en fait parce que ça ça va Non mais quoi. sur le bureau, mais, non, mais regarde, regardez, ton bureau. regardez, en fait, il est possible de le connecter avec Home et donc on se lève le matin, <laughs> et, et à la machine à café, tu la machine à café et tu sur la machine à café pour faire ton café, tu pour donc l'application... Renoncez lancer la musique. Stand -by. Stand -by, voilà. Il indique l'heure, bien sûr, vous l'avez compris, hein, comme un réveil matin. Il peut aussi afficher le quand mais c'est un terminal déporté aussi. Et, aussi et, un... et, euh, et non mais même sur ton bureau, dans la journée, T'es au bureau, tu bon. as toutes tes infos. <laughs> Là, il montrait le sport, mais ça, pourrait être, ça va être n'importe quoi. Ça peut être un, un outil de production, ça peut être... Tu vois, tu vas pouvoir suivre parce que tu auras accès.. Euh... Si vous avez un petit stand MaxF, oh, regarde comme c'est mignon. Oh, oh c'est tout voilà. mimi Voilà, voilà bon, c'est l'interface. Hein. Ah ça nous fait vibrer nos petites cœurs de, de Oh euh, du lourd du lourd quoi du lourd Attends le tends, souffle tends, tends. dans l'oreillette Ah oui, mais n'allez pas trop vite les amis, n'allez pas trop vite. On a un petit peu de on est un petit peu d'avance. Euh, voilà pour on iOS On va pas trop dire le nom parce qu'il y a tous nos ah oui, voilà oui. pour iOS Oublie, 17 10 Siri Ah et Siri c'est fini. Et Siri c'est fini, c'est un peu comme Capri. <rire> <rire> Donc dorénavant, donc, ça sera Siri tout court. C'est la seule avancée de Siri, cette... Bah, c'est <laughs> magnifique. Et donc maintenant, elle s'appelle Siri. Voilà. <rire> bon, <rire> on est ravis, mais est-ce qu'il doit améliorer ce Siri, bon son de bois Donc voilà, et Siri devient Siri tout court. Et désolé si on le dit, et que ça déclenche vos machines... Et maps, c'est quand même pas mal, en fait, mine de rien, parce qu'on va pouvoir utiliser des offline maps. Donc ça veut dire que si on est privé, à un moment donné, de l'Internet, on va quand même pouvoir continuer à s'orienter grâce à des... Ouais, euh, mais... euh, Attendez, des la seule évolution euh... de Siri, c'est... On dit plus Siri Ouais, c'est ça. On vous dit pour est-ce voilà. qu'on est qu peut passer à autre chose Alors voilà, <laughs> il est tout énervé. Il est tout non, très... mais tu, tu alors voilà, tu... bon, je fais une petite annonce si vous voulez bien. Craig, il y a Craig Federighi qui, a, qui nous. Oui, oui, je sais bien, mais il faut faire une petite annonce sponsor, s'il vous plaît. Nous envoie sur un iPad instant. Euh, un petit rappel à notre clin d'œil, comme on lui a promis euh, régulièrement dans cette émission, Service Professionnel qui vient de dévoiler un tout nouveau écosystème son nom le Problade. C'est une famille de produits dédiés au stockage et au dérochage euh, qui compose tout d'abord un boîtier SSD, le Problade Transport. Euh, tout terrain, il se connecte directement à votre caméra pour enregistrer vos, vos, vos vidéos, vos photos. Vous n'avez plus besoin d'utiliser une carte SD. Donc le 10 se montrant bien, par nature bien plus fiable et surtout... Bien plus rapide, son module Problade NVMe est interchangeable et peut, rendre et peut prendre place directement dans la Problade Station à connecter au Mac pour dérocher vos vidéos ou photos. Pratique, ces stations d'accueil disposent de 4 baies pour y loger euh, tous vos, euh, vos NVMe tout simplement et tout dérocher simultanément. Le tout se connecte en Total 3 pour modifier, copier et déplacer rapidement d'importants volumes de données avec des vitesses de transfert jusqu'à 3000 mégaoctets par seconde en lecture et 2800 mégaoctets par seconde ou 2600, j'arrive mal à lire en écriture. Euh, voilà, si vous voulez en, en savoir plus, nous diffusons un petite un -E express qui va vous résumer tout ça dès demain. Et on retourne à Cupertino, du côté d'Apple Park, et on parle D'iPadOS, ouais, 17, Craig, les amis Craig a lancé pas mal d'infos de, de, sur l'iPad. Bon, j'ai beaucoup de, de généralités, mais entre autres euh, de meilleurs widgets. cest des widgets beaucoup, beaucoup plus réactifs. Donc on n'a rien loupé, hein, on et voit... Il a quand même utilisé la force. Personne ne l'a vu. Ouais, c'est magique. Hop là, il a... Il a ah oui ah, il a quelques effets, mais ça, c'est l'avantage d'enregistrer une keynote. Faire ça en live, en public, c'est être un peu plus. Il aurait cassé euh... les iPads. Ouais, c'est clair. Donc des widgets interactifs, les amis. Qu'est-ce que c'est, des widgets interactifs bah, C'est-à-dire ouais. qu'en gros, on pourra, répondre, on pourra répondre, à des, des invitations de, 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 de calendrier, on pourra faire, euh, si l'application le, le nécessite. Là, c'est pour ça que c'est les développeurs qui doivent se bouger. Et en gros, ces, ces widgets peuvent avoir quelques interactions. On n'est pas obligé de lancer l'appli. Donc des applications en mode fenêtre. Voilà, voilà. Bon. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ce qui se passait avec l'iPhone depuis. Voilà, euh... c'est en gros l'écran d'accueil qui est personnalisable depuis l'an passé avec iOS 16 arrive sur iOS 17, mais plus tard que jamais. I sur iPad. Sur iPad OS 16. Oui, autant pour moi. Sur iPad OS 17, mais voilà. je fatigue. Euh, et puis, il nous a, fait un petit, il nous a parlé euh, brièvement, mais on ne l'a pas vu, euh, de, euh, de l'arrivée de Final Cut et de Logic. Allez voir notre émission qu'on a réalisée il y a 15 jours qui est passionnante. Euh, D'autres infos concernant euh, euh, iOS, iPad OS 17 non photos, des fonds d'écran tout ça des photos ouais. bah c'est pas terrible un nouveau un nouveau système voilà. et de lock et imaginez la la, la keynote qui note qui s'arrête là mais non mm -hmm. mais non, non imagine pas un nouveau donc un nouveau système de lock screen donc, donc de d'écran verrouillable quelque part c'est exactement ce qu'on avait sur l'Apple Watch ouais donc euh, on on, a, on reste appuyé et on fait passer euh, les euh, les différents écrans animés ou non animés d'ailleurs hein. et on va pouvoir visiblement ajouter aussi des Widget, je pense. D'accord. Ouais, en gros, et puis on pourra personnaliser l'écran d'accueil comme on a fait l'année dernière sur iOS 16 avec euh, le, le, le détoitement ouais, automatique. Comme dit Daniel Strang, euh... c'est Apple Watch, c'est Apple Watch d'iPad. Je voudrais remercier Monir Ben Ali pour son don et. Euh, ah, merci Moon. Il, il vient je connais, de. C'est mon pote. Ah ouais. ouais il vient Merci de... Moon. Ah bah, il vient de, de dépasser tout le monde là. Il vient de. Mounir qui, euh, qui <laughs> il est fait monter les enchères. Il a fait monter les enchères. Moun, euh, Mounir, qui est d'ailleurs un, un infographiste de talent incroyable, de talent. En fait, il a de l'or voilà. dans les mains. Et on a Frédéric donc qui nous dit pour se payer une bière après le live, qui vient de faire un don aussi. Ah, les ah, gars, top. Merci, merci. Vous êtes hein. Merci. Et rien pour les, les pizzas avec. Euh, non, arrêtez, arrêtez, En régie, on la a oublié de commander des pizzas comme d'habitude. On est toujours à la bourre. On va, y, on va y arriver un jour. Donc, vous voyez euh, l'écran personnalisable, l'écran d'accueil personnalisable, un peu sur le modèle que l'on qu connaissait l'année dernière sur l'iPhone et sur iOS. Euh, et c'est beaucoup oh. sympa. C'est plutôt sympa. Tu vas avoir plusieurs timers sur ton iPad. C'est bien pour la cuisine. La cuisine des omelettes. C'est bien pour la cuisine. Un veut des œufs à la coque, des œufs mollets, etc. Super. C'est vraiment une grande avancée. Je crois que c'est la grosse annonce de la journée. Il n'y a pas grand-chose sur la La seule annonce qui avait été leakée. Rappelez-moi, on avait dit qu'on espère un iPad qui soit proche du Mac. On n'y est pas. Non, pour l'instant, non. La seule info qui avait leakée. Euh, de, de la part des liqueurs. donc c'était l'arrivée d'une version améliorée de l'absenté. Est-ce que vous avez eu passé quelque chose pour le moment ou pas Non, là on peut on voit ça arrive. on voit simplement ah, la, les... ah, ah, ah. ça arrive. Il y a un, un ah. piqueur à l'écran en tout cas. Ah, bah, donc on, effectivement l'absenté, vous la pas vous la reconnaissez, mais en tout cas vous la devinez euh, qui, euh, qui donc euh, un concept sur lequel c'est vraiment la marque de fabrique de Tinko qui y croit beaucoup pour les années à venir. Hein, c'est l'écosystème Apple avec notamment euh, Toujours avec vous, euh, cet Apple Watch et bien sûr l'iPhone, et puis le, le, le tout pour commander sur l'iPad et sur le Mac. Donc, une nouvelle application euh, euh, santé qui arriverait euh, sur euh, l'iPad. Qu'est-ce qu'on nous apprend pour synchroniser ces, ces, ces infos de santé À part l'interface qui a évolué, il n'y aura pas. Mais il y a aussi HealthKit qui évolue, qui, euh, qui permet euh, aux, développeurs tiers. aux développeurs tiers de venir s'intégrer, s'inclure dans les résultats euh, de, de santé. Il ouais. pourra afficher vos grands... Il parle de RISE, qui est une société externe hein, qui, fait des... ouais. donc, qui fait la pub d'une appli. Ouais, donc On peut aller bien au-delà de simplement... Ah, afficher maintenant, on passe à autre de... chose, on passe au PDF. D'accord, le, le PDF qui... Euh... Qui, est, qui est ouvert nativement, d'habitude, sur l'iPad, il passe du coq à l'âne ou de l'âne no au coq. D'accord, donc après santé, on, on enchaîne avec le PDF. Étonnant, bon, ça aussi, on n'avait pas vu venir. Euh, comme les, plusieurs miniatures sur iPad, c'était indispensable. Mm -hmm. On nous parle donc du PDF euh, et peut-être la, la, la facilité. Moi, je pense que c'est ça la plus de, de l'édition voilà, PDF. Avec l'Apple Pencil, on peut signer. Ouais. Je veux juste ouais. remercier quand même parce qu'on a, on a, a quand même des, des, des auditeurs ah ouais. au top niveau. C'est-à-dire qu'on a Hicham Rabi, Rabi qui, a, Rabi, pardon, qui vient, nous a fait un don, mais derrière, on a Chimikaël oui, qui a dit J'ajoute les cacahuètes. <laughs> et on a Epsilon <laughs> qui a explosé tout le monde en disant. Et voilà pour vos pizzas, vous les méritez. <laughs> mais non, ouais. bah, arrêtez. Bravo, Bravo, je n'ose dire, dire encore un cadeau, cadeau acheter euh, du vin de du champagne ce soir. Pierre Dupont. Bah, s'il si y, si y, si y a des lunettes, champagne ce soir, Lisa. Ah mais attendez, attendez. Euh, ah. Et s'il n'y en a pas, Bah, pas champagne. Mais, mais, mais il est mauvais, il est mauvais. Les gars, il va y avoir un one more thing. Pas mais oui, ils ont été trop rapides. Là. Ils ont plié iPadOS, iOS et le hardware. En euh, quelques... En 42 minutes. Ouais, ouais, j'ai vu non, passer non, rapidement... Voilà, dans minutes, euh, c'est terminé. Je, Je prends bonne note. Voilà, j'ai vu passer quelque chose sur note. Ouais. Après le PDF. Alors. Qu'est-ce qu'on a non, de nous Le notes PDF, donc on va avoir encore plus de facilité à gérer les PDF sur l'iPad, en particulier signer les documents ah, avec, le magnifique, la, avec le Pencil. Avec le Pencil, compte. voilà. Ouais. Ça, c'est un vrai usage très pratique, effectivement, que le Mac a bien oui. du mal, vu qu'il n'est pas tactile. Ah, <laughs> oui, oui, ouais, voilà. Y a Daniel String qui remercie Pierre Dupont, parce que du coup, je pense que c'est Daniel String qui a eu le la, le le membership. Le, le membership. Ah, okay, Il en a alors. offert au moins trois ce soir. C'est franchement chapeau. Quoi. Ouais, donc, ouais, euh, Stéphane, plus facile d'éditer de euh, et d'enregistrer ouais. des, euh, ouais. des PDF. Et d'utiliser les, ouais. oui. les signatures. Et donc, ça fait rendre bien bien sûr On plein d'Apple hein. Pencil, vous pensez bien. Donc, effectivement, euh, surtout à l'heure de la signature électronique, euh, important. plus besoin de scanner son, son, via avec l'iPhone ah bah, sa signature. Alors. On Mais enchaîne, là, là j'ai cru voir passer une interface, c'est quoi une interface de FaceTime au-dessus Non, non, non. c'est stage, stage, Manage, stage Manager. Stage Manager. Qui a, qui a aussi améliorer. Alors tu nous rappelles Christophe, qu'est-ce que Stage Manager Pour ceux qui auraient loupé l'épisode de l'année dernière, c'est la principale avancée de l'interface oui, de... Donc Stage Apple. Manager, c'est tout simplement... Par, des... notre grand-mère, c'est tout. Mmh, <laughs> Stage avance. Manager qui nous permet d'avoir sur le côté à gauche d'ailleurs on le voit à l'écran euh, les euh, fenêtres flottantes. C'est du multi-fenêtrage. C'est du multi, du multi oui c'est ça, c'est exactement ça et où on va pouvoir reprendre là où on en était sur les différentes applications en cliquant sur la gauche. On pouvait l'utiliser sur le Mac et sur l'iPad. Voilà donc euh, apparemment donc il évolue cette année euh, et, euh, et Didier qui nous glisse que l'iPad pourrait utiliser des caméras intégrées aux écrans externes avec Stage. Manager, donc Claire, si vous avez sur un moniteur ouais. Apple, vous pourrez utiliser votre écran, votre caméra FaceTime plutôt ouais. que celui de la... Un truc qu'on n'a pas cité mais des, des nouveaux stylos dans Freeform, que moi j'aime beaucoup comme application. Oula. Et surtout, Herp, et surtout... <rire> euh, <rire> Merci Damien là. Là c'est fini, là Damien il a Il, il, il veut qu'on bouffe beaucoup là. Ce soir. <laughs> Et, Et euh, merci. Voir, ah, merci. Parce que ça les gens. Non, oui, merci beaucoup. Et euh, alors, juste, il y a un truc qui n'a pas été cité, mais c'est euh, le fait de voir AirDrop qui continue même quand tu, peux, tu es au-delà de la distance. Ça qui est génial. Oui, effectivement. Waouh, Damien, quelle. Quel... Alors, de quoi parle-t-on Je ne sais pas. On voit des Macs s'afficher à l'écran à nouveau. Donc, on parle de macOS cette fois-ci, certainement. Ouais. Hein, après, euh, on a très peu d'infos sur macOS. On trouve le nouveau nom. Alors, qu'est-ce qu'il y a Oh là là, ça apparaît à Rodrigo, c'est une région de vin très connue. Alors, on a pas Alors, trop Napa. Vite, encore On pas quelques pétales. A... Regarde, là, on va la découvrir en vidéo. Fleurs, on va la découvrir ouais. en vidéo si vous voulez bien. C'est bizarre l'animation un peu mode. Je vous rappelle qu'on était sur oh voilà. Ventura euh, dans l'édition précédente. Alors, là, on va dans les collines verdoyantes. C'est Napa ou Sonoma hein, si c'est le vin. Eh ben voilà. Ah, on oui. parle du vin. Ça va être un des deux. Je ne sais pas. Écoute, on va voir. En tout cas, il y a des vignes. Il y a des vignes. Ouais. C'est fort champion. Cher au test vin. Donc voilà. Sonoma. Sonoma. Macoès. Sonoma. Sonoma. Voilà. Sonoma. Après, euh, après, on peut couper la vidéo. Après, euh, après, donc Sonoma. Après le euh, Ventura. Donc voilà. Sonoma. Sonoma. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu va dans sonoma, en hein, Alors, on va, on va demander peut-être à Rodrigo de nous faire une petite euh, leçon. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'il y a comme vignoble Qu'est-ce qu'il y a comme vin au sonoma, à Sonoma Ce ben bon. sera l'occasion qu'il voilà. qui revienne dans l'émission. Tu peux à, Rodrigo, revenir, Rodrigo. Rodrigo hein. euh, bref, Sonoma, est-ce qu'on a quelques informations On voit passer quelques, quelques icônes. On va parler ces plans là dont il s'agit. <laughs> non, mais y on, y on a la réalité. Là. Comme l'Apple TV, on va pouvoir disposer de euh, fonds d'écran fond animés. Ouais. Euh, avec des, des parcours vus du dessus. Oh, regardez comme oui, comme, 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 les comme, les fonds comme les économiseurs d'écran de l'Apple TV. Hein. Oui, exactement. Alors, il y avait quelques astuces pour les installer hein, sur le oui. Mac, mais apparemment, ils ont eu la bonne idée de, de suivre ce que demandaient les utilisateurs depuis des années. Merci, les gars. On parle également de widgets. Un ah, hein. ben peu les fonds widgets. Il, il y en a sur le. Oui. Y a, il C'est Steve, la qui les widgets Non, non, non jamais. Ça. Mais <laughs> c'est Steve aussi qui disait qu'il n'y aurait jamais de pencil non plus. Ah, il se faisait yark. <laughs> en tout mais cas, Rodrigo dit que le vin est très bon. Donc... Bien, on va peut-être avancer la, 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 la de du départ. Mais -ce il y a pas de grosses, grosses annonces pour le moment. Euh, oui, je oui, oui. Allez, regardons ça. Alors, de quoi il s'agit Alors, ah, regardez les widgets comment elles s'affichent sur le widget. Oui, ça, on connaissait déjà. Maintenant, apparemment, ça s'affiche un peu partout. Tu peux les voilà. déplacer. Il y a un cotin. Il y a un de Snow par les. Non, mais on a un côté un peu douloureux. Ça me fait vraiment penser à Amiga OS. Non, oh, arrête. Non, je te non, jure. Non, a, mais non mais ça jure. Jure. Non, mais on a... Si a <laughs> pas, Non, mais... Ah, non, mais, non, mais regarde, regarde, regarde. Le doc très transparent, euh, truc. Attends. C'est vachement est... bien. c'est... Euh, ça, c'est okay. bien. Étonnant, hein Très bien, très bien. Je ne, je ne... En fait, on widget... Les, les, les développeurs devront réfléchir au widget euh, en premier, voilà. C'est ouais, très important. important. Okay. Ouais, okay. On avait dit qu'il y avait la widgetisation, hein. Oui, donc ça me rappelle en tout cas les widgets d'il de, 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 y a quelques années. Et puis, ça rappelle aussi euh, les widgets qu'on pouvait mm -hmm. rajouter avec des applications tiers. On pense notamment à, à Confabulator, notamment, qui permettait de le faire et qui a presque été tué euh, par, par Apple avec l'arrivée des <laughs> widgets sur Mac. Et pourtant, on peut dire que... Pardon, je t'interromps. Oui ah, on peut dire que widget, c'est pas neuf. C'est vrai. Euh, ouais, là, a on a, là on a un souci, on a un souci là, on a un souci. Bon après, on a la Corse Connection qui vient de nous faire un don. Ça y est, j'ai trouvé pourquoi je pouvais pas faire de don. Et donc il vient de trouver de, de, depuis Arènes comment ah, on fait pour faire bah, un don. Il vient de nous faire un don de 100 ah, bah, euros. Wow. c'est ouais, ouais. bien, c'est oh. bien. Ouais. Là c'est champagne. champagne, il est direct. Euh, Qu'on n'ait pas de on n'ait pas de, de lunettes à se mettre sous la danse ce soir, on aura au moins une coupe de champagne à vous offrir. Bon. Euh, Qu'est-ce qu'on apprend de Widget Il y a plein de choses, apparemment, plein d'usages qui se développent, euh, qui n'étaient pas euh, euh, possibles auparavant, notamment la possibilité de transférer, si je comprends bien... Les sacré widgets... Jean-Luc, sacré Jean-Luc. Les, les widgets de, de, de l'iPhone peuvent être transmis, transmi... <laughs> Permettent de trans... de finir, de transmettre les widgets donc, de l'iPhone jusqu'au Mac s'il est à côté. Oui, est comme ça avec un zip capable, ça arrive ah, exactement. Poum, voilà. Et donc on, va, on arrivera vers vraiment les écrans euh, transparents. Et les, euh, les écrans, on, sera, on commence sur l'iPhone et on finit sur le Mac. Et les, et les photographes peuvent carrément euh... envoyer des photos. On Alors, parle de gaming les gars. On parle de gaming On et parle voilà. de gaming chez Apple et Sur Mac Il y a même une icône sur gaming ah, Attendez... Euh, et, et la keynote s'arrêtera Bon, c'est un, <laughs> un Gamepad avec deux boutons, on est d'accord, ça ne s'est plus vu depuis la NES, mais c'est pas grave. Oui, bon, euh, avec Crest on avait... C'est la... c'est vrai, euh, vrai, la NES elle est deux boutons ronds rouges. Donc un oui. rouge. oui. nouveau, euh, nouveau mode jeu, on nous prépare un nouveau mode jeu, qu'est-ce que c'est alors, alors Ils ont racheté un studio, hein Ah bon J'ai loupé ça. Oui, ils ont racheté un petit studio. Oui, oui le, le Mac, tu, tu, tu. Le Mac Studio. Non, tu pas, pas au courant. Jeu. Alors, qu'est-ce qu'on apprend, les amis Regardez, il y a un nouveau mode jeu qui apparaît, euh, qui s'appelle à l'écran. Ça va Rocker, c'est Metal 3 en fait, qui, euh, qui est la, la librairie graphique qui nous permet d'afficher des choses sur Mac en 3D entre autres, euh, et donc qui va, va ajouter des fonctionnalités en fait, j'imagine, euh, euh, pour les développeurs de jeux. Et également donc un nouveau mode jeu, on l'a vu. Euh euh, qui permettra donc d'améliorer le, le, le confort d'utilisation. À commencer par, euh, regardez, hein, ça donne envie. Enfin des jeux, euh, la possibilité bien sûr de brancher euh, des manettes euh, type PlayStation. Et je vois des AirPods. On sait qu'il y a souvent oui. des soucis de latence oui. avec les AirPods. Vraiment là, c'est réglé. Euh, ils amélioraient la latence. Et donc le délai entre le jeu et, et, les, et, les, euh, et les oreillettes Bluetooth, c'est plutôt une bonne chose. Effectivement. Et on peut connecter, bien sûr. Vous avez vu. Euh, une, 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 une manette de PlayStation 5, mais certainement également une manette euh, Xbox, je pense, il n'y a pas de raison. Mmh. Et, a... et donc, ouais, on a juste ouais. le Game Porting Toolkit, ouais, qui, est est... Un, qui est une boîte à outils pour permettre de porter plus facilement ces jeux vers le Mac. Voilà, donc ou autre chose. Ou autre chose, peut-être, on ne sait pas. Donc, c est c est Apple, ça faire peut-être le retour de, de, de Foxconn. Euh, de, comment dire de... Tu vas y arriver. Oh, on ne va euh, pas t'aider. Hein. Euh... Si, euh, le jeu que les gosses adorent. Merde, j'ai un mémoire. Ah, Fortnite. 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 Ah oui, non. Ouais, en tout cas, il, euh, voilà, Apple Foxconn, semble avoir quelques quoi. ambitions autour du jeu après, euh, après beaucoup d'attermoiements. Euh, voilà, il semblerait qu'il y ait des solutions, en tout cas, pour faciliter le portage. On a, on a fait une jolie mission sur, les jeux, sur le jeu vidéo, hein, mais, mais vas-y, dis-moi. Les gars, il y a Hideo Kojima sur scène. Ouais. Le, attends, le mec, c'est une star. C'est une superstar Il va arriver, le voilà. <laughs> c'est une super C'est qui, qui Hideo Kojima ah. Hideo Kojima, en fait, c'est le papa des Metal Gear, les gars. Ouais. Par ah exemple. Oui. Donc, euh, le jeu commence à intéresser à Apple. Tu vois, s'il y a des lunettes de réalité mix, ça peut aider aussi. Moi, je dis ça, je dis rien. Sachant que j'ai ça se sur un Mac. Alors, qu'est-ce qu'il dit, le garçon euh, Metal Gear Solid, c'est très bien, mais mmh. qu'est-ce qu'on y apprend il, ça, euh, Christophe a perdu tous ses moyens. Il ah, est au Kojima Game. Euh, euh, il vient de sortir un donc, jeu. Hein. En gros, d'après ce que je comprends, euh, il est un fan d'Apple depuis très longtemps, depuis 1994, bon. qu'il développe sur Mac. Et oui, c'est bien possible, mmh. n'allons pas trop vite. Et, euh, et notamment, il y a un nouveau jeu qui arrive, c'est ça ben, En fait, Death Stranding, qui existe déjà depuis pas mal de temps sur euh, PlayStation, entre autres. Euh, et qui est comparé à un simulateur de marche et de livraison DHL. Ouais. Mais, euh... mais, peu, mais, mais plus, plus mais en, en, en mode un peu euh, hardcore. Ouais, un peu clair. hardcore, bah oui, avec un, un bébé que tu transportes en fait, sur le ventre et, euh, et qui réagit évidemment. Tu dois, tu dois faire attention à ce bébé qui, euh, qui est capable en fait, de te défendre face au monde. Mais je ne vous en dis pas plus en fait, parce que sinon ce serait tuer le scénario. Death Stranding diotarque... Cut, eh bien, euh, mais ce n'est pas tout. Vous allez voir, je suis sûr qu'il y a d'autres choses qui vont arriver. De jolies démos. Euh, Est-ce que qu'on considère ça comme des jeux triple S que veut Apple Ah oui, non, mais ça, c'est du triple A Alors, triple S, donc c'est vraiment les jeux top hein, qu'on a ah oui, oui. uniquement sur PC bien et sur sûr. console. Vraiment, Apple veut, veut vraiment que les, les Tu vois, on a, a plein mettent. de commentaires de gens qui disent ça sent le casque, et je suis assez d'accord. Ça sent le casque. Ça sent le casque, tu vois. Dire, tu vois il y a lentement mais sûrement... Il faut plus que ça en termes de jeu, les amis. Tu sens pas le casque, Stéphane ah, alors On a Jean-Luc hein. qui nous dit, dans, qui m'envoie un message t en me disant, j'arrivais pas à faire un don. Parce qu'en fait, quand il y a la fenêtre déportée, comme, comme on a, il n'y a pas la petite euh, pièce dollar. Alors. Il faut être sur le, sous le chat de la vidéo. Les gars, je veux vraiment, marquer le coup, Idiot Kojima sur scène. C'est de la folie. Et il veut porter d'autres jeux dur, là, sur Mac. C'est de la folie, quoi. Il veut porter d'autres jeux sur Mac. Il l'a annoncé. C'est officiel. Voilà. Donc, il y aura d'autres jeux. C'est une bonne nouvelle. Une on bonne lui nouvelle. dit au revoir. À... Ils ont écouté, ils ont côté du on Mac. Mac. et c'est une belle surprise. C'est un beau guest. Alors, qu'est-ce qu'on découvre d'autre, les amis Qu'est-ce que c'est Du Shareplay. Nine, mmh. Nine My Festival Non, ce ne serait pas du, non, du AirPlay. Qu'est-ce que c'est alors, c'est la possibilité, oh, purée, trois. de partager... Ouais, de de, de merger... C'est la vidéoconferencing. Vidéo vidéo Videoconferencing en, me, en, en, en mergeant les délayeurs. Donc, un nouvel effet, vidéo appelé incrustation. Regarde, ça. la découpe. Tu es en train de faire un zoom. Oh, c'est trop non, beau. Ne dis, pas de, ne dis pas de gros mots. Tu es en train de faire un FaceTime. Donc, en, non, en, en gros, gros, en gros il découpe avoir, ton image, en fait. Il te prend... Toi en tant que sujet, ensuite il prend ton, euh, ton arrière-plan et il est capable en fait, de venir ajouter des niveaux, des layers en fait, entre toi et le, ton arrière-plan. Et ça, ce serait compatible avec la plupart des logiciels de vidéo. Exactement, c'est ça, ça qui est intéressant. Est que ça, est vois... pour nous, pour le studio de prod, c'est génial. C'est génial. C'est génial. Les... Voilà. Normalement, il peut y a travailler avec apparaît, FaceTime, avec Teams, avec Zoom. Ouais. C'est bien, non, non Il non, y a aussi port, des, fenêtres, des, des fenêtres flottantes voilà. comme et ça en arrière-plan. Donc ça fait fait aussi en zone, Teams hein. et Webex. Ouais, Donc Webex. on aura la possibilité quand on fait des duplex avec quand on fait le mac d'avoir le, le fond de son choix, sans forcément utiliser un fond vert. Hein. Est ça qui est remarquable. Et si on partait en Safari ouais. Allez, c'est parti. Car euh, car nous pourrions être victimes d'un Safari aussi. Effectivement. Bien, faire attention, mais bon. Safari qui mais est... Safari dans euh, fin ça, ça dépend, pas hein, ça dépend. Mmh. Alors Safari qui, a, qui aurait pris un coup sur la figure comme Chrome avec à cause de Arc dont mmh. je suis ah, le dernier. Cause de Laurent. À cause de Laurent. Qui est devenu un TikToker, en voilà. fait. Euh... Ah oui, 50 000 vues sur TikTok. Genre, ah enfin, oui, enfin, ah ouais, ouais, sans pas montrer ses. ses... Ah Bref. Non, mais bah aujourd'hui, c'est l'idole des jeunes. Hein. Donc, il y a Beth Dakin qui va arriver sur scène et qui va nous présenter Safari. Euh, le navigateur le plus rapide au monde, bien sûr, selon les dires d'Apple. Euh, mais il est, il est très rapide. Ben bah oui, bien sûr, ça, il n'y a ça pas de réaliser. problème. Mais on peut, mieux, on peut mieux faire, les amis. Euh, donc, qu'est-ce qu'on apprend Qu'est-ce que Beth va nous apprendre autour de, de Safari après ce joli mode présentation qui va être très pratique pour les chefs de vidéoconférence de faire du fond vert sans fond vert, c'est génial. C'est notre quotidien le fond vert, hein, vous le devinez derrière nous. Euh, Qu'est-ce qu'on apprend de Safari, notamment On va pouvoir bloquer les trackers, les logiciels trackers. Euh, donc, euh... Ouh, ça va encore parler, de... ça ah ben, quelque part, en fait, ça va, ça va surtout <laughs> bloquer la possibilité à certains marketeurs de faire en sorte de traquer que euh, Laurent a été voir une nouvelle paire de chaussures et donc on, on va peut-être lui proposer une nouvelle paire de chaussures. Donc, donc là, c'est l'ensemble de l'industrie qui va quand même se rallier contre Apple, à mon avis. Est-ce que c'est un mode de partage de mots de passe qu'on devine à l'écran Oui, exactement. On a, apparemment il y a des profils et donc en gros quand on partage un écran ou un partage un ordinateur on a différents profils différents mots de passe et là apparemment c'est euh, ça va être plutôt bien ouais. c'est les profils de navigation donc sous Safari ce qui est plutôt une bonne chose il oui. ouais. y aurait donc des c'est assez étonnant le partage de mots de passe hein, c'est vraiment euh, très sympa comme idée euh, et Dieu sait, si on en a besoin de l'autre côté on se perd tellement dans les mots de passe l'idée là c'est vraiment de pouvoir euh, segmenter ton usage de, euh, du web entre, euh, entre une thématique, par exemple, de bureau, une thématique euh, de maison, euh, ou bien, euh, si tu as euh, deux startups, par exemple, de pouvoir te dire, ben, la startup A, je, je, je fais tout mon écosystème, en fait, de pages web, ouais. la startup B, autre chose. Ouais. Bon, bah, comme Chrome. Oh, tu te... C'est incroyable non, il, est, il jamais a... content, est jamais content Mais jamais Mais Ça sort depuis… Fait... Les, les, les fanboys, fan on l'a perdu Non mais les fanboys, il faut, faut dire les choses C'est euh, nous qui avons un t-shirt Dans deux minutes, il parle d'Android J'en peux plus moi Jean-Maurice nous dit « je sens le one morphing. à. Et Damien Douany nous dit « ça pue ». Deux avis opposés Vous allez voir, une heure ça fait une heure quand même Ou alors ils font une heure de keynote de plus quoi Bon, allez, on est à peu près à 55 minutes, 56 minutes de keynote. Key hein. Et il manque WatchOS. Et on n'a pas encore eu WatchOS. Euh, D'ici 3-4 minutes en région, on va refaire un appel aux autres, à notre ami sponsor. Soyez au taquet. Ah, Effectivement, yes. Chrome reprend certaines fonctionnalités. Oui, mais bon, Chrome, euh, c'est Google. Donc t'es ah, donné, oui, t'es donné. donné. C'est bon. toi le produit. Ben, oui, c'est clair. Euh, alors, apparemment, est-ce qu'il y aurait quelques évolutions concernant la, la possibilité de... C'est de... très acidulé, quand même le, le Sonoma. Hein. Ouais, ah oui c'est bien. Il y la bah possibilité, comme que Je lis et nous glisse Didier qu'il y la possibilité de mettre des sites dans le doc pour un accès plus rapide. C'est rigolo ça, comme, <laughs> comme sur la, comme sur. Euh... Craig, Craig, Zibi. Craig il a, il a, il a pris. Non, non. Qu'est-ce qui, qu qui vous arrive, monsieur Rien du tout. <laughs> Je rigole. Bon, bref. Après, Mac OS, est-ce qu'on reste oh, okay. Mac OS toujours Oui. Regardez, Audio and Home. Waouh. Wow, on ne voit pas encore. Ah, voilà. Les Strato Ce mais euh... c'est pas, pas des stratos là. Non, non, mais les, 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 les petites une lignes une, score de... dans le bas, ça ne vous dit rien, les gars Oui, oui, tout à fait. Ah, voilà, quand euh, même. Explique. Ah oui, il joue bien. Ils le jouent, logo, hein. euh, pas le logo originel, mais, mais euh, quand même le logo en fait plus inversé, effectivement. Audio bon et Home, un donc c'est ce qu'on va avoir droit ce soir à un Airplay de nouvelle génération. Quand, en tout cas, moi, c'est mon souhait et mon attente principale. Merci Attention droit sur la musique. Voilà, on va faire Quand même, triple guitare, c'est bien. Hein. Ouais, C'est plutôt sympa. Alors, c'est quoi la nouvelle fonction Home, euh, audio. Euh, il, commence par audio il commence par l'audio par l'audio, en expliquant. Donc, alors, à la fois, on va parler d'audio, <laughs> de diffusion, on pense naturellement à Airplay. Et Home, on pense <laughs> naturellement aux, à la maison connectée. Hein. Ouais. Olivier, j'ai peur. De quoi Pourquoi tu as peur J'ai l'impression qu'ils ne vont pas annoncer une lunette. Mais si, ça serait tellement pas. énorme. Ah, J'adorerais. Ouais. Zibi, il nous ce soir. Zibi, c'est le jeu Zibi, Zibi. s'ils n'annoncent pas de lunettes. Euh... C'est génial, en fait, que je mange ton Airpods, hein, s'il ne sort pas de l'eau. Ouais, je je par contre, silence des guitares, moi je suis content. Hein. Alors, on parle d'un à audio, euh, donc on sait que les Airpods ont un système qui permet d'éliminer les, les, les bruits de, de fond de manière naturelle, hein, mm -hmm. alors, les bruits environnants, en temps réel. Qu'est-ce qu'on apprend de nouveau maintenant dans. Euh, c'est assez, voilà. assez génial. On n'est plus dans macOS, on est bien d'accord. Non, non, mais tu vois, on est dans l'OS quand même, on reste dans l'OS. C'est assez intéressant. En fait, les écouteurs te disent, quand tu te mets en mode euh, euh, dé déconnecté, tu n'entends pas les choses importantes. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est retirer les bruits désagréables comme un souffleur, mais entendre une sonnette de vélo qui te dringue. Oui. Donc en fait, c'est vraiment quelque chose d'adaptatif. D'ailleurs, le, le, le mode s'appelle adapt Adaptative audio. Donc on va plus loin sécurité. dans la possibilité de configurer ouais, la ou un ou de bruit en clair. C'est ça. Comme proposent d'autres constructeurs. On, propose, on pense à Jabra notamment ou encore à Bose, qui allait beaucoup plus loin qu'Apple. Euh, donc c'est un mi chemin entre la transparence, c'est ça. Et, ouais. euh, okay. et puis euh, ils sont aussi capables en fait de détecter que éventuellement quelqu'un nous parle et donc de diminuer automatiquement la musique. Et ça, c'est quand même chouette. Et là, il doit y a encore un peu d'IA bien caché quelque part. Hein bien sûr, oui, c'est certain. Laisse, ça laisse ça. Euh, à... Mais tu vois, c'est ce que j'aime chez Apple, c'est que la tech, ils ne vont pas la mettre en avant. Alors, donc, oui, c'est de l'IA, mais. Et alors Oui, Stéphane. Alors, alors, donc là, là on, va voir, on voit une première démo de, 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 de ce qui a été dit. Donc, en gros, le modèle adaptatif qui permet. Il y a quelqu'un qui nous parle, on est en train d'écouter quelque chose. Quelqu'un nous parle, tout de suite, ça s'arrête. Il y a plus de bruit. Et on voit plus rien en régie. Hein. On, est, on est un peu plus, on est également isolé. Et donc le mode adaptatif va dans un sens comme dans l'autre, ce qui est quand même une, une assez belle avancée pour ces euh, pour ces euh, AirPods. Attention en vidéo les amis. Hein. Ouais. Euh, très bien. Euh, donc l'idée c'est vraiment de, 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 de supprimer les bruits de fond au maximum ouais. et euh, de manière, et sans avoir besoin d'être ingénieur du son et, et vraiment peaufiner les réglages. Euh, donc ça, on a, on... Mais c'est un confort de vie, en fait. Voilà, que... voilà. Et encore une fois, c'est une manière d'enfermer, entre guillemets, un peu plus euh, le... les utilisateurs dans l'univers Apple et l'univers notamment des euh, ouais. AirPods. C en tout cas, c'est bien, donc ce serait une évolution. Euh... On parle des HomePods. Regardez, on parle des HomePods. Oh là là, génial. Alors, apparemment, ils en ont vendu deux. Non, un. Non. Un. non. Alors, qu'est-ce qu 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 qui se passe Qu'est-ce qui t'arrive bah. Alors, on voit l'Apple TV, on voit le HomePod. Ah. C'est AirPlay. Et on parle enfin d'AirPlay nouvelle euh, avec un nouveau bah. euh, nouvelle icône comme vous pouvez voir une nouvelle app, voilà. une nouvelle fonction AirPlay pour faciliter le partage évidemment on sait que Apple est très en retard par rapport à des solutions notamment comme Sonos pour le pour le multiroom c'est -ce ouais, ce ah, là, là où il bien c'est trop bien -ce oui. que, tu t'adresses à Siri tu lui dis lance-moi un truc sur la télé s'il te plaît et ça va et marcher. Ben, et ça va fonctionner. Oui, je demande à voir, parce que bon, mon cire est à moi, il On est, est à pas... une, non, heure. une heure. C'est-à-dire que tu de, vas de voir kino. de la vidéo sur ta télévision. D'accord. OK. Donc et WatchOS, c'était dans les rumeurs le truc le plus avancé, c'est ça Oui. Bon, ah, c'est ouais. bien. C'est cool. On n'y est pas encore. WatchOS. C'est cool. Le, la possibilité, donc le support augmenté pour les hôtels, pour Airplay. Et on sait ce que tu disais l'autre jour, Laurent, hein, ouais. ça, ça dans l'émission précédente. Exactement. Donc en fait, tu auras aura un QR code tu scannes le QR code et ça marche direct. Effectivement donc par contre ça, ce qui est intéressant c'est que si on est dans la cuisine par exemple et eh bien il va détecter qu'on est dans la cuisine ouais. et euh, il va, il va, il va pr vous proposer l'enceinte la plus proche Trop bien. de vous ça, ça c'est un gros manque dans l'univers sonos mais on glisse dans l'oreillette ça devrait pas tarder à arriver aussi donc effectivement, vous êtes dans le salon, ils vous proposent les enceintes qui sont à côté. C'est une belle idée. On peut enfin vivre une vie épanouie. Oui. Merci, Apple. Donc, en un côté, on a musique. De l'autre côté, on a CarPlay. Regardez le code le, le CarPlay. CarPlay, c'était la surprise de l'année dernière, puisqu'Apple a dévoilé un tout nouveau CarPlay. Un CarPlay qui utilise tous les écrans et prend le contrôle, en tout ouais, pour cas, là, on récupère vu, les datas de, euh, de la voiture. Donc, c'était la nouveauté, avec des annonces de partenariat. Et, euh, et depuis, on n'a plus rien vu, mon cher Laurent. Là, apparemment, on y revient. Euh, après, donc AirPlay dans les étels on s'attaque à CarPlay. Non, en fait, euh, c'est juste le partage dans la voiture de la même manière. Ce qui est chouette, une amélioration un, du partage de la musique dans la voiture. Ouais. Et ça passe par AirPlay Oui, c'est-à-dire que euh, tu vas, per tu, si, tu es, euh, si tu as, par exemple, une musique sur ton smartphone et que tu veux passer à CarPlay, sans, sans le synchroniser. Voilà, sans le synchroniser, tu vas pouvoir le passer et automatiquement le donc, smartphone. Il n'y a pas qui... d'annonce CarPlay. Voilà. Et on a vu l'Apple TV qui est passé, également l'Apple TV. Euh, euh, permettrait également de faire. Ah, je vais passer <coughs> des choses sur tvOS. Ah, voilà. Voilà. Et la remote, la voilà. Et j'ai l'impression qu'il ah, y a une fonction pour retrouver la remote, les amis, je ne le crois pas. Ah, c'est <laughs> énorme. C'est bien ça. Enfin, parce que c'est vrai bien. que la remote, elle a toujours tendance. À ça, c'est utile. On est, est, on est un gros annonce on, a, on est étonné qu'il n'ait pas sorti avant. Hein, c'est on le One More Thing. Donc, Airplane Hotel, l'iPhone qui peut localiser la télécommande de l'Apple TV. Et qu'est-ce que c'est, ces SharePlay, ça, à nouveau FaceTime sur l'Apple TV. Ouais. Euh, C'est-à-dire que tu regardes, tu, tu vois que tu faire un iPhone, forcément. Bah, ouais. Ou un iPad, ou oh, un Mac. Donc, on a vu brièvement tout à l'heure que dans Apple se, TV. En fait, il se connecte à ton, à ton iPhone, comme le fait aujourd'hui déjà ton Mac. Mais oui, et tu vas mets la caméra. Donc, euh, tu mets ta caméra et tu vas utiliser, utiliser la, caméra, la, caméra, la caméra. Pour les familles, c'est génial. Mais oui, pour les familles, c'est génial. Ouais, ils étaient un peu, un, peu, un peu en avance, les amis. Mais euh, en tout cas, on a vu passer brièvement que SharePlay euh, arrive dans la voiture. Euh, pour, et c'est donc la fonction SharePlay qui permet d'écouter la même musique dans, tout, dans toute la voiture. SharePlay, je pense que c'est AirPlay. On a vu brièvement euh, dans le centre de contrôle de TVOS qui, qui s'améliorait et euh, <coughs> également. Et voilà l'arrivée de FaceTime ouais. euh, sur l'Apple TV pour partager. Euh, euh, des moments en famille et pouvoir Donc, euh, se réunir je, autour du, de je, la télévision. Il y a, y a, y a des, des, des réactions sur le chat euh, intéressantes. Daniel Tring il vient de nous faire 18 minutes pour trois produits et 45 minutes en, et plus pour le soft. D'autres disent arrêter la conférence va durer 2 heures. Ben oui, non, mais on vous l'a dit en pré-kinote, hein, qu'elle allait durer 2 heures voire plus, on a je une heure... être un shareplay ouais. sur l'Apple TV. C'est vraiment cool. Alors, vas-y, développe. Bah, C'est la possibilité de pouvoir être en appel FaceTime et en même temps de partager du contenu. Donc, on peut binge-watcher, par exemple, Stranger Things. Okay, au hasard. Au hasard. Avec euh, Laurent, avec Stéphane, ah, avec toi, a... ou même regarder la F1 ensemble, pourquoi pas. Ah, la F1, ah, regarder, bien. on refait ah, la bien. F1, notre émission. Et apparemment, ce vous... serait compatible pas qu'avec FaceTime, les amis, ah, regardez. Avec d'autres. Zoom et WebEx. Voilà, ouais. ouais, vous voyez qu'on peut être synchro, c'est bien. Et pendant ce temps, Pierre non. Dupont offre les, les, les memberships à l'audience et il régale tout le monde. Mais non, bravo. Merci beaucoup. Merci pour tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de plus Merci à toi. En résumé, L'audio Home. Alors Home pour l'instant, c'est pas Home, c'est pas la maison connectée. Hein. Petite déception pour l'instant. Grosse déception. Et puis même, moi, j'espérais euh, une amélioration de Notes. On n'a pas eu grand chose. Hein. Alors, je vous résume les, les annonces autour d'audio et, et de Home. Faster AirPods. Donc des, Ça, des AirPods bien. plus rapides et qui euh, et qui se connectent plus facilement. Euh, un nouveau AirPlay euh, avec des suggestions d'appareils qui sont à, à proximité. Euh, un nouveau centre de contrôle. On l'a dit brièvement sur l'Apple TV. Euh, continuity Camera, donc la possibilité de, de, de faire des FaceTime sur l'Apple TV, localisé notamment sur Apple Remote. Oh, on parle de WebOS, l'évolution la plus importante. Watch. Watch OS. WebOS, WebOS, c'était le Palm. WatchOS. Oui, je suis est le... <laughs> donc, on est sur la, la, la dixième version. On parle de mise à jour majeure. Voilà, oui. la dixième, Donc 10 c'est quand même un chiffre. Euh, voilà. Et donc, euh... Ouf. Alors, Donc mise à widget, jour hein. majeure, ça veut dire refondre l'interface. On va découvrir ça. On a hâte de voir. Préparez-vous en régie à lancer une petite vidéo. Allez-y, faites-vous plaisir. Ouais. Effectivement. Et on voit les widgets. Et on, on voit les, voit les widgets. Ouais. Donc Encore vraiment une petite case. À cocher. Ah, voilà. non, bah, ils sont très forts les liqueurs cette année. Il manque plus qu'une grosse case à cocher <laughs> en fin d'émission. On souffre très fort. Je suis à deux doigts de l'apoplexie, mais, mais on y va. S'il n'y a pas les lunettes, je sens que ça va faire du bruit. Bah non. Mais bon, après tout, moi euh, ouais, bon. bah, je, je sais pas. <laughs> non, là, on aura, là, on aura des on pizzas. En fait, on aura des pizzas. Non, non, mais les gars, a... c'est dramatique en fait parce que il faut que Tim Cook soit au courant que je viens. J'ai écrit un article sur la réalité virtuelle, ouais, ouais, réalité je augmentée, tout à je au téléphone, ça. Il m'a dit, fuck". voilà. <laughs> mais euh, bip, pardon, il a dit bip. Alors regardez, on découvre oh, les nouvelles non, On va se faire virer de YouTube. Hein. Mais ouais, Apple annonce un mode dédié aux joueurs. Merci, Elisabeth. Donc nouvelle version de euh, nouvelle version de. Voilà, donc on voit dé défiler oui. les nouvelles interfaces. C'est assez joli. C'est encore un petit peu flou pour moi de, permettre ce ça, de savoir ce que ça va permettre. Oui. Mais la principale avancée, on l'a dit, c'est l'arrivée des widgets directement sur les cadrans. Euh, on va pouvoir passer d'un univers à l'autre. Oh, wow, ça a du chien, à faire comme ça. Oui, <laughs> sans forcément passer par des complications qui étaient assez compliquées, sans jeu de mots oui. à utiliser. Je suis moins de talent que toi, je fais ce que je peux. Euh, voilà, et, euh, et de pouvoir par-dessus regarder afficher un petit widget bien sympathique et la fois le faire défiler avec la digital crown donc la couronne numérique de chez apple et passer d'un univers à l'autre sans forcément passer par le nuage d'applications qui arrive à un moment était vite saturé avec le nombre d'applications qu'on peut installer aujourd'hui sur l'Apple Watch. Hein. Oui, et j'ai posé la question la semaine dernière de quels étaient les usages. Et c'est marrant parce qu'on m'a cité quelques applications euh, tierces, dont deux applications de golf. Donc apparemment, c'est un bon outil quand tu es au golf. Et, euh, et je peux comprendre parce que finalement, tu es en train de jouer tu n'as pas envie de sortir ton téléphone pour prendre des notes, tu vois, et c'est l'outil. Et il y a un dentiste, je crois, qui me dit que lui, c'est part... ou un médecin qui me dit c'est vachement pratique pour euh, prendre les, tu vois, les appels, du coup tu n'as plus besoin, tu, tu laisses ton téléphone, euh, tu as tes oreillettes, euh, c'est vraiment un, un, un téléphone déporté. En fait, en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, en gros, entre les widgets de l'iPad, euh, de euh, macOS, et là maintenant sur watchOS... On, on va se concentrer sur certaines fonctionnalités des applications et pas sur les applications. Ah, et donc, la on widgetisation. Les, 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 applis, les, oui. les développeurs d'applis vont devoir réfléchir vrai, à leurs main features. intéressant, oui. mm. Et sur les main features, et donc peut-être les, 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 les... Ce les, que tu les... veux dire, c'est qu'il y avait un vrai, depuis quelques années, un vrai essoufflement des développements sur Apple Watch. Il y avait oui. carrément des applications Bien qui sûr. ont disparu. Même, euh, sur, ça... même sur iOS, c'est ça qui dit. Non non mais c'est vrai que ouais, c'est super intéressant oui, ce que dit mais... Stéphane en fait en disant non mais j'en doute pas on, on pense Je vais le dire pour une fois tu as vraiment toutes les fonctionnalités de l'application oui. mais dans le widget tu vas devoir donner uniquement La ces Hyper utile. Exactement. Et en fait, on utilise toujours les mêmes choses, finalement. Tu raison. Et sur la montre, encore plus. Et ça devrait aussi redorer un petit peu le blason un peu loin. Et je pense aussi, c'est ça qui est intéressant. Et donc, c'est bien. Là, on est bien sur la WWTC. WWTC. Dub-dub. Dub-dub, comme dit Laurent. Et donc. Regardez comme c'est beau. Merci Regardez ces images. Regardez, c'est toute beauté. Exactement. Voilà. on Les Golden State Warriors qui ont 52 contre les Lakers à 48. Voilà. Et puis. Euh, ouais c'est pas mal mais il y a vraiment de, de jolies choses à, à venir du côté de, de l'interface de, de, de webOS de watchOS webOS <laughs> voilà, c'est quoi c'est l'impactivité qui, qui est en train de changer Patrick ou... qui dit Laurent et Christophe sont à Legoland ouais, as vu je... Ouais. Ah oui. je lui ai offert un Lego je lui ai offert un petit bonhomme Lego à son effigie avec une pizza à la une pizza à la ananas. à l'ananas sur le ventre non, mais tu manges vraiment ça, mais il ananas, ça. bien sûr donc alors, je suis Apple euh... tu en Italie de temps en temps Non, jamais. Ah. Donc Apple propose donc des widgets. Ouais, il ouais, des widgets. Puis, en il y aura plus également de bon, nouveaux cadrans, Regardez notamment Snoopy, qui qui permettrait voilà de, de je sais pas s'il y aura des petits sons, ce serait rigolo comme c'est le cas de, du cadran de, de Mickey Mouse notamment. Donc, de nouveaux cadrans sont au menu. Alors, avoir... alors, oui, il y a oui. quelque chose qui. Non, mais ce qui est vraiment important. Regardez comme c'est beau. Ce qui est important, là, sur euh, la montre, quand même qu'on a beaucoup utilisé, en tout cas, moi, ces derniers temps, la montre pour le sport. Oui. Et là, on parle de vélo. Oui. Et le vélo. Je, je veux pas dire, mais je pense qu'on va entendre parle parler vélo, dans les On mois. Parle de vélo. Bah là, là, ah, cycling. Il y a ah, une application cycling. Ah. Bah oui. Ça me fait plaisir, mais c'était déjà le cas un petit peu. Oui, avant. je sais, mais là, ça va être là. Et donc, ils vont l'améliorer encore <laughs> l'application, la, la, parce que qu'on fasse de l'exercice en indoor ou qu'on le fasse en outdoor, en dehors, en extérieur. Je parle de mon cher grand garçon, deuxième garçon qui fait du vélo tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je pense que ça peut servir de, 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 co de, de, de coach. Numérique. Je pense, en ouais. tout cas, on peut enregistrer son parcours. Ouais. Alors, ce que je trouve... Euh, alors, donc, vous avez vu qu'il y a quand même des nouveaux, plein de nouveaux cadrans euh, qui sont arrivés. Vous savez que moi, je suis un fou de clocologie hein, pour pouvoir personnaliser euh, ces applications et mettre euh, le cadran de son choix et voir aller euh, construire sur le cadran que l'on souhaite. Là, pour l'instant, Apple ne donne pas la main, toujours pas. Hein. C'est plutôt une bonne nouvelle pour les développeurs de clocologie, mais c'était quand même un petit peu dommage. L'application cycling donc effectivement de vélo, euh, elle devient donc un peu plus complète apparemment. Euh, et il y a possibilité notamment de se synchroniser avec des compteurs, apparemment, euh, embarqués euh, et certainement Bluetooth, j'imagine, sur le, sur, le, sur, le, sur, le sur le bureau, sur le guidon du vélo, oui. euh, pour être encore plus précis sur les kilomètres parcourus et l'activité euh, engendrée. Euh, donc là, on va très très loin, dans le, un peu plus dans le sport, hein, qui aujourd'hui, c'est une Apple Watch Ultra qu'on voit à l'image, euh, la raison principale, l'usage principal d'une Apple Watch, c'est l'activité. Bien sûr, mais ici c'est super intéressant Comme... parce qu'on peut voir en fait dans quelle phase, voir. dans quelle phase cardio on se trouve. Ah, ouais. ouais, c'est un, un véritable coach pour le vélo. Ouais. Ouais, on, a, on avait le, on l'avait déjà sur le running. Hein. Faux, complètement faux. C'est tout toute outil. Euh, Qu'est-ce qu'on apprend sur ah, le, non, suis... pour les cyclistes Je regarde. Euh, bah, pour l'instant, ça reste une démo parmi tant d'autres. Euh, j'ai vu passer des, des non, ce, qui ce qui est intéressant effectivement c'est que tu mets des capteurs externes Bluetooth sur le vélo pour, pour euh, tu vois ça qui est bien ouais oh. apparemment j'ai vu passer ce qu'on appelle des zones de puissance brièvement quand on fait euh, pour savoir euh, en fonction de la de des voilà. difficultés enregistrées hein c'est ça on peut euh, on peut en, en tirer parti euh, ah, là il y a un truc y a un truc qui vient de qui, qui arrive euh, sur le la, sur le, la randonnée la randonnée Ivy. et c'est assez assez fantastique il t'indique dans ta balade quel est le dernier endroit où tu as eu du réseau. <laughs> sympa. Mais non, mais c'est génial, tu oui, cool. es vrai. dans la mer, tu as besoin de passer, tu sais que tu peux revenir. Ah, si oui. c'est si à 20 km de là où tu es, tu ne le fais pas. Si c'est à mm -hmm. 1 kilomètre, tu reviens en arrière pour passer un coup de fil. Et au pire, tu appelles en satellite. Alors, en tout cas, c'est une des fonctions manquantes de l'Apple Watch Ultra par rapport à la concurrence. On sait qu'en mode non connecté, elle permet de faire beaucoup moins de choses, notamment pour ceux qui, qui aiment faire des, des randonnées qui durent euh, voilà, plutôt... Euh, Niveau hein, qui dure plusieurs jours. Euh, voilà, apparemment, c'est une fonction qui arrive. Euh, ce qu'ils appellent hiking, donc le, le mode randonnée. La boussole génère automatiquement des points de repère pour vous permettre de vous guider euh, et de euh, déposer et, ses points d'intérêt. Voilà, et indiquer également le, le, le dernier endroit où vous avez capté mm -hmm. du réseau s'il si faut retourner rapidement ou passer un appel d'urgence sans passer par le mode satellitaire qui est arrivé aussi, euh, à grande surprise, au septembre dernier. Euh, on va voir ce qui va arriver sur l'Apple Watch, mais je rêve. Il euh, y a également des évolutions concernant la. la, la quand on fait de, de, euh, de la randonnée, on fait, on fait plutôt de la montagne. Oui. Et la montagne, on a besoin de l'altitude, on est bien d'accord. Exact. Donc, Le truc aussi, c'est qu'on va pouvoir, grâce euh, à Workout API, euh, à nouveau au niveau des développeurs, pouvoir euh, participer à cette grande base de données, finalement, et à ces fonctionnalités. Euh, si on regarde, Laurent. Ouais, pour le golf, Laurent, t'as vu Ouais, c'est intéressant. Et apparemment, Apple s'intéresse euh, donc euh, rotation du poignet ouais, tu vois un ah, peu ouais. plus à à ah, des, euh, nice, hein. ouais, ouais. À, à des, des relevés les mou les mouvements. Ouais. tout type de sport. Très bien. Euh, et puis la, une nécessité également, voilà, pour la topo, une nécessité également de euh, de s'ouvrir peut-être vers euh, des, euh, des, 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 des des applications tiers. On a entreaperçu tout à l'heure effectivement. Euh, bah des, euh, le golf, on l'a dit, et puis euh, des applications tiers, c'est pour le golf, c'est important. Euh, est-ce qu'il y a pour, pour WatchOS, pour, euh, voilà, c'est devenu un usage qui s'est beaucoup développé, apparemment, pour améliorer son swing, je ne sais pas. Mais euh, voilà, est-ce qu'il y a aujourd'hui des solutions connectées euh, du golf qui vont pouvoir s'intéresser? L'interface avec l'Apple Watch. Très certainement. Je ne sais pas. Pourquoi tu, tu souris, connerie, C'est ça dis Non, pas du tout. Là, là, on pense à la santé mentale. C'est très important. Je je pense pas à moi Non, non, non. C'est pas ça. C'est que je dis juste que ça va être peut-être la plus grosse annonce de la, la keynote. Non, mais n'empêche, c'est super utile parce que c'est vrai qu'on est dans un contexte où les gens sont hyper stressés. Voilà. Euh, avec, à, à euh, l'arrivée ouais. de produits qui n'arrivent pas. Et... Moi, je ne suis pas stressé du tout. Moi, je suis relax. Regarde, hein. là, on est, là, on là, on est bien. En... Voilà, on n'a pas encore les cahuètes mais grâce à vous, on les aura après l'émission. Donc Mental Health, donc en clair, c'est quoi C'est euh, une volonté d'apaiser de, autour des usages du, du numérique. Et on sait qu'aujourd'hui, le numérique c'est aussi un outil de stress important, hein, parce qu'on est tout le temps sollicité entre les notifications, entre les réseaux sociaux. Je ne vous en parle même pas, euh, les alertes dans tous les sens. Comment euh, retrouver un usage apaisé du numérique, c'est l'enjeu hein, pour des marques euh, comme Apple. Exactement, et c'est T'as oh. vu comment j'amène ça C'est incroyable. Bah, C'était on, on dirait pas que t'es journaliste. Non, non, je suis pas. <laughs> euh, non, mais c'est effectivement évident, et c'est entre autres pour ça que je ne porte plus de la, mon Apple Watch, et pourtant je suis un fan de tech, tout, tout simplement parce que j'en avais marre d'avoir ces notifications sans cesse, ah, etc., faux. etc. Et, euh, et c'est vrai que les avoir sur son smartphone, on peut écarter le smartphone, on peut le déposer sur, sur la face écran. Euh, mais l'Apple Watch est plus, plus délicat, oui, il y a un mode focus, etc., bien entendu, mais. Mais euh, c'est vrai que euh, si on peut avoir, tu vois, euh, une granularité plus importante, ici, il parle de moments euh, de diminution de stress, etc., etc. Je trouve que ça a beaucoup de sens, en fait. On es fan en... Vraiment. Tu, tu, tu es fan de ça. Oui, bah, l'application santé mentale, c'est une nouvelle application. Et donc, en gros, on va peut-être euh, euh, l'utiliser. C'est bien, non C'est bien, c'est bien. Ça, ça va prendre conscience aux gens. Euh, oui. euh, très bien. Avec un niveau de. Il euh, euh, y a un petit slider avec le, le risque de dépression qui évolue au fur et à mesure euh, du temps. Donc, ça, c'est assez sympa. Hein. Alors, on a découvert effectivement des, 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 des possibilités de voilà de, de pouvoir mesurer le niveau de stress, c'est ça, en, en, quel, en quelque sorte On peut Exactement. dire ça Mm – -hmm. Sans doute en fonction des activités, en fonction de ce que l'application euh, santé va pouvoir euh, prendre comme, euh, comme variable, va pouvoir mesurer comme variable. Euh, c'est euh, plutôt euh, clairvoyant, franchement. Quoi. Parce que c'est vrai qu'on est dans, dans ce genre de thématique aujourd'hui. – La difficulté de, quand on commence à avoir des, des, des états dépressifs, c'est qu'on n'en a pas forcément conscience. – De un, et puis de, deuxièmement, si tu as euh, la possibilité de détecter ça avant que ça n'arrive trop loin, ça te donne la possibilité d'avoir de la résilience Tandis que quand une, une fois que tu as passé un cap, ben, t es, t es, t es, voilà, ça a cassé quelque chose en toi, quoi, Donc il va falloir réparer. Ouais. Ok. Et prendre, prendre conscience des, des dérives et de son état. Très bien. Mm -hmm. bon, c'est un sacré challenge, hein, parce que euh, c'est une sacrée promesse que donne Apple là encore aujourd'hui. Mais bon. je demande à voir. Oui. Il y, quelques, il y a quelques annonces quand même sur la santé euh, qui sont pas anodines. Hein. Ouais. Entre autres. Euh, la, la, la mesure de l'exposition à la lumière. En fait, il te dit qu'on passe trop de temps à l'intérieur et devant nos écrans et qu'il faut aller voir la lumière du jour. Et en fait, la montre est capable de calculer l'exposition à la lumière du jour avec le capteur de luminosité Top. et te pousser à, à, à sortir à, ton nez de l'écran ou des écrans pour aller. Euh, c'est assez. Euh, Donc l'idée, c'est. Euh, là, ce n'est pas de, de, de calculer l'exposition au soleil, c'est de dire vous avez passé trop de temps devant vous. C'est pour prévenir de la myopie ça va, moi j'ai été gâté dès la naissance, donc je n'ai pas besoin d'Apple malheureusement. Euh, voilà, il passait plus de temps à l'extérieur et profiter de la lumière du jour. On sait que c'est aussi un allument important pour la santé mentale, mm -hmm. la lumière naturelle, exact. les, les hein, C'est très beaucoup développé. Euh, oui en, en régie, si on peut revenir un peu sur quelques écrans de la keynote, merci beaucoup. On peut voir aussi qu'ils euh, vont jusqu'à euh, te permettre de détecter à quelle distance tu dois être de ton écran pour que ce soit le mieux possible pour ta vue. Hein. Ouais. Donc, euh... Moi, c'est mort, hein, les amis. <rire> <rire> Fallait me sortir ça il y a 25 ans, hein, maintenant le mal est fait, mais, mais, mais c'est super. C'est mmh. euh, vraiment, vraiment super chouette, en fait. Ouais. Euh, c'est étonnant, mais ce sera bien pour les, pour les prochaines générations. Euh... Ils ont raison hein, de travailler euh, toute la partie santé. Euh, on, on le voit au parti, au, enfin, toute la keynote parle de santé, de sport, de... mais c'est top, en fait. Et c'est Jeff Williams qu'on qu devine, hein, qui, est qui est le patron de, de, de l'Apple Watch et des Renault. L'ancien Adobe, euh, qui a rejoint Apple pour lancer l'Apple Watch euh, il y a quelques années déjà. Euh, et ça sent la fin euh, de la partie logicielle mmh, euh, bien autour sûr. de, de euh, l'écosystème euh, d'Apple. Et, et normalement, voilà, on revient tout doucement, euh, on reste sur WatchOS, on résume les, les fonctionnalités essentielles. Hein, une nouvelle façon de naviguer, vous avez vu la palette, donc une nouvelle façon d'afficher euh, les activités, de nouveaux. De nouveau, euh, euh, fond d'écran, euh, de nouveaux, cap de nouveaux euh, cadrans, j'y suis arrivé, des vues topographiques pour les, pour les cartes euh, et euh, surtout des widgets, des widgets dans l'Apple Watch. Et on enchaîne sur quoi, les amis euh, bah, C'est le résumé, euh, voilà. Je, je veux un masque, Olivier. Tu veux un masque Est-ce je... bon. que, que le masque va tomber ce soir, Christophe Degrave Est-ce euh, qu'on va avoir droit à d'autres choses Steve, si tu nous entends. Voilà. Euh... Alors là, on continue à parler des. Euh, donc on est toujours sur et des Donc tous les espoirs ne sont pas perdus, hein, parce que c'est Team Cook qui conclut. Donc on reste plus dans, 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 dans l'écosystème WWDC, toutes les sessions 75 ah, qui sont prises. Nous allons avoir euh, des sorties de bêta. Team qui va nous parler à nouveau. Oui, mais euh, on n'y est pas. Euh, donc voilà. Et, et les bêtas, c'est ça, c'est l'actu. C'est que euh, aujourd'hui, les bêtas sont disponibles. Déjà, ouais. euh, pour les développeurs. Pour les développeurs. Donc on va se dès ce soir, euh, les amis, cest Bien entendu. Sur nos iPhone et iPad. pas sur les Mac. Le studio. Craig. Voilà. Today we And showed you where we're taking the... Donc on revient sur, on revient sur, <laughs> euh... alors <laughs> le, voilà, Tim est de retour, donc on va laisser la vidéo, on se calme, on se calme, pas de bruit, on se calme, bon. we do je, have pense que, je pense shh, que, non, laisse parler, nous avons droit à un One More Thing. Donc, <laughs> il a été augmenté de bien au catalogue. Alors, on va revenir en mode, en mode, en mode, en mode ah euh, grave, les amis. Et puis, on relancera la vidéo lorsque le produit sera disponible. Vas-y, lance-le là, s'il te plaît, comme ça qu'on l'a. Dans ton excitation, on a oublié l'essentiel. Ah, non, 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 non. non il a, tu te calmes, tout va bien, tout va bien. Euh, allez, on va découvrir le One Morphing, le voilà. Et dans quelques instants, on va découvrir le... certainement ce qui constitue le casque de Rallye ça, ça y est, on a perdu Christophe Degrave. Il a fallu en tout cas des années de travail selon Tim Koo, pour y arriver. Et voici ce moment avec impatience. On découvre le casque en musique, s'il vous plaît. Ça ressemble effectivement à une sorte de casque de oh. ski. Allez, on se calme. La crâne est bien là, la digital crâne, du tissu. À travers. On n'y est pas encore. Calme-toi. Visionne bien. Vision. Tu vas bien. Ah oui, pardon. Donc, il y a bien un cast de réalité augmentée mixte ou euh, virtuel, on va voir. Euh, désormais disponible chez Apple. Regardez, c'est de toute beauté. Les euh, liqueurs, avez-vous juste. Oui, Apple se lance sur un nouveau marché. Ça fait après l'iPhone, l'iPod, l'iPad et l'Apple Watch. Apple introduit un tout nouveau produit. Euh, et, euh, et ça va faire du bruit, on va voir ça dans un instant. J'ai cru regarder, deviner euh, quelques euh, Digital Crown. j'ai cru vu, vu, vu voir pas mal de caméras qui étaient intégrées, euh, et apparemment, selon Apple, ce serait le premier produit d'Apple. Vous regardez les icônes en 3D Vous regardez au travers, vous regardez, effectivement, on voit au travers de l'iPod, euh, au travers de, de l'écran, des interfaces, donc un tout niveau. Univers, un moment wow historique. Je la découvrir ensemble. Euh, la question, c'est est-ce qu'il y a un câble On oui. retrouve oui. Est-ce qu'il y a un câble Oui. Et une batterie externe N'allons pas trop vite encore une fois, c'est la question que je vous euh, On le voit le câble euh, Ben voilà, le voilà. Ah, incroyable. appelle toi l'écran plusieurs fois. N'oubliez le pas temps. les V1. Oui, oui, on n'y est pas encore. Euh, 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 ne pas déjà la. la alors apparemment il y aura du, du, du euh... donc on a découvert euh, ensemble Alors, on aurait l'impression d'être en, en face d'un immense écran vous l'avez vu euh, très rapidement à l'instant l'écran courbe comme si on était devant un écran de cinéma ou comme si on était dans un immense écran de travail regardez ça c'était ton dad à, à Laurent si tu regardes l'écran devant toi et, et c'est bien un casque euh, qui ressemble à un casque de, 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 de ski, de ski. Alors, la rumeur avait vu, avait vu juste et, euh, et le One Morphing de tradition est de retour chez Apple, sans Steve. Informatique spatiale. Hein. Il, est, il est trop beau. L'idée, c'est vraiment qu'il y aurait bien un câble et il y aurait bien une batterie externe. On dirait une bulle, en fait. Mmh. Ouais, incroyable. incroyable. Et, euh, et, et on a vu que les icônes apparaissent au milieu de l'écran en façon Apple Watch, c'est assez joli, avec des icônes rondes. Et, euh, et moi, ce qui m'a le plus étonné, c'est cet écran géant virtuel que vous avez devant vous. Euh, après, ça, c'est le rendu que veut nous donner Apple. Regardez le, visitor, le, le vision. Vision Pro. Pro. C'est son nom. Apple Vision Pro, là par contre, la, la rumeur s'est plantée. C'est oui. planté pour le nom. Hein. Ouais, bah, Apple On Gen avait Pro. dit Pro. Donc l'idée, c'est qu'après que, euh, que l'iPhone a ouvert la voie à l'informatique mobile, c'est euh, au tour euh, au casque d'introduire l'informatique spatiale. C'est euh, voilà, un nouveau concept intéressant. Et on va voir si la force marketing d'Apple va, euh, va, va réussir à convaincre le reste du marché. C'est l'enjeu. Hein. Donc, le nom, si vous avez bien compris, c'est Vision euh, Pro. Euh, et, euh, Cette interface est incroyable. Ouais, c'est assez, euh, voilà. assez étonnant. Tout est contextualisé, non, non, mais, ça flotte. Voilà. Parce que je sais ce que tu vas dire. Non, mais attends. <laughs> ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est que ce qui est un peu frustrant, c'est que ça, c'est des captures d'écran. Donc, euh, je veux voir le rendu euh, le, sur des écrans. On va avoir plus de specs, des écrans 4K, des écrans 8K, parce qu'il y a eu beaucoup de déceptions entre le, la démo faite par d'autres constructeurs qui étaient remarquables et le, vraiment le, le renouveau. Et puis il y a un vrai problème de casque, et on le sait tous, c'est la cinétose, hein, le fait de tomber très oui. rapidement malade, oui. d'avoir un phénomène de, de mal de mer. Et, et ça, c'est un vrai problème aujourd'hui, un vrai frein à l'utilisation des casques. Euh, voilà. Donc apparemment, l'interface rappelle énormément celle de macOS. Hein. C'est là où on l'attendait Apple. On le disait tout à l'heure en préambule euh, de cette émission, Christophe. Effectivement, mais là, je ne sais plus quoi dire en fait. Alors, retiens deux mots. <laughs> Vision Pro, hein, c'est le nom de, de, ces de ces nouvelles lunettes. Comment ouais. ils les appellent Est-ce qu'on parle de casque Est-ce qu'on parle de lunettes Pour l'instant, il a pas de, il n'y a pas de, de descriptif. Euh, mais plus pour un masque hein, ouais. la pratique voilà pour l'instant vous voyez c'est plutôt des montages 3D on n'a pas de vraies démos en temps réel c'est difficile de le faire hein, de, de vous immerger on mm -hmm. voit tel de l'assaut donc l'idée c'est vraiment de vous proposer un cinéma à la maison hein, ouais, exactement de pouvoir se retrouver dans un peu TV plus et sans doute qu'est-ce euh, qu disent qu sur le sur sur YouTube live les amis les prix, les prix varient, 1500, 4000, 7990. Bah, il y avoir un, 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 une surprise au niveau du prix Telle est la question. Vous voyez que la Digital Crown, on l'a pardon en régie au sommet euh, du casque. Elle est bien là pour passer d'un un univers à l'autre, euh, du virtuel au réel, via des caméras. Pour moi, le casque est bien opaque. On est bien d'accord, on ne peut pas voir au travers. Non. non, on peut voir au travers. Je pense qu'il n'est qu qu pas opaque. Moi aussi. Bah, je demande... Comment tu. Mais comment Je pense qu'il n'est pas opaque. Il n'est pas opaque Non. Ou alors il donne l'impression peut-être de voir les yeux de la personne Je, je ne sais pas, mais euh, c'est ça que je n'ai pas encore bien compris. Si euh, <coughs> vous avez l'info sur le, le chat YouTube, n'hésitez pas à réagir les amis. Euh, mais l'idée c'est... De... Pardon, excuse-moi oh, mais sur les images que l'on voit là, euh, on a quand même l'impression de voir les yeux de la personne. Après, est-ce que c'est une simulation Non, on ne voit pas les yeux de la personne. Si, regarde. Oui, regarde. Sur l'image. Sur, euh, sur ah, oui, oui d'accord. Est-ce que c'est une simulation non, moi, moi je pense qu'on voit les yeux. Moi aussi. Ouais. Alors, si on voit les yeux, c'est-à-dire qu'on l'un des principaux, des principaux cri... Cri... Une des principales critiques qu'on fait au casque de réalité virtuelle et mixte, c'est d'isoler les gens dans leur univers et on ne peut plus s'adresser à eux quand ils sont à côté de nous. Mm -hmm. Donc euh, à voir, à voir, à voir. Bon, qu'est-ce qui se dit qu Il y a ce câble hein, qui, qui pend sur le côté à gauche. Hein. Donc on sait que la couronne règle en fait l'immersion. Euh, ce qui m'étonne, c'est cette image effectivement étonnante où on voit, le, où on devine le, le visage. Je demande à voir. Hein. Pour moi, c'est opaque, les amis. Hein. Et moi, euh... ah, moi, je, moi, je me mise sur euh, transparent. Voilà. Donc, donc, vous avez vu que le, le contrôle se fait via via la, la digital crane. Pas de pas de casque. Non. Mais euh, déjà de, Siri. Non, ah, non, Alors, je m'en vais de suite. Si c'est Siri, c'est même pas la peine. Siri qui regarde en 3D. En 3D. <laughs> oui. Siri en 3D. donc Ça nous rappelle Al. <laughs> Ce serait-il aussi machiavélique que HAL non, de, de, de 2001 l'espace Je ne pense pas. Et apparemment, il y aurait des possibilités d'interagir, de, de, comme le disait préambule, euh, il disait les rumeurs, avec des, des gestes de la main, avec des caméras qui détecteraient les gestes de la main pour pouvoir passer, je ne sais pas, d'une fenêtre à l'autre, d'un mouvement de la main par exemple. Enfin, sans minorité report, oui. Je pense. En fait, que tu peux choisir la totale immersion. En fait, tu ça. règles. La, 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 la truc te, te permet de. Mais j'ai l'impression, en fait, que le casque. Simule les yeux de la personne en fait. Ouais, non C'est opaque. Si, je opaque. pense. C'est opaque. Je, je pense. Mais c'est pas plus mal. Pourquoi je pas. Oui, Stéphane. Non, mais en fait, c'est vrai que là. On descend là, on... la température. Non, mais je descends la température. Non, mais ça, sur ça, c'est vrai que là maintenant, la, la créativité pour créer des contenus va devoir être démultipliée de la part des développeurs. Tant mieux. Et ça, c'est quelque chose, mais il faudra quand même s'habituer à cette créativité. Bien sûr. Et juste D'ailleurs, par rapport à notre créativité sur, sur ça, sur la 3D, il y a une entreprise française qui s'appelle Mira qui travaille beaucoup avec les entreprises du luxe, dont Chanel, et qui, justement, travaille sur ces contenus. Et peut-être qu'une entreprise française pourra être parmi les premières. Et Underside aussi, hein, je te signale. Ah ouais, Underside, mais non, 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 je, <laughs> je pas, bah, Mira, non, bah, Très bien. Non, Alors, mais, on, on a l'info <laughs> oui. euh, ah. qui serait que, en fait, effectivement, le masque est opaque. Il y a une fonctionnalité qui s'appelle EyeSight, rien à voir avec EyeSight comme feu non. la webcam de du Mac qui permet d'afficher votre vos yeux en fait mais c'est totalement virtuel et de, et de, et de, par contre lorsque vous êtes entré dans de vraies expériences eh ce, ce mode aurait tendance à disparaître euh, étonnant étonnant ce casque aujourd'hui d'Apple mais c'est génial parce que entre êtres humains, on a besoin de voir nos yeux en fait. On a besoin d'avoir ce eye contact en fait réellement. Et donc le fait de pouvoir retranscrire s'il y a une personne à côté de toi, retranscrire ton visage et tes yeux en fait au travers de du casque. Voir si vos tes étaient tes réactions en temps réel, hein, ça pourrait être amusant. Mais Ils ont craqué le truc. Ils ont craqué le non, truc. ça ne va pas trop vite. Ils ont craqué. On ch... à ça ça change ça, aujourd'hui. Lui, il a craqué. Il a la, la ah, non, mais faut, bleue, non, mais à chauffer. Christophe, le, les V1 euh, d'Apple, euh, je, je les ai toutes achetées. <laughs> D'après ce que j'ai pu pas comprendre euh, parmi les captures d'écran, on, on a vu passer pas mal d'applications, les amis. On a vu passer, bien sûr, Siri. On a vu passer. Regardez cet écran de travail virtuel, ça, c'est étonnant. On a vu passer FaceTime, on a vu passer. Ça me plaît, hein, le concept de l'écran. Euh, Notes, on a vu passer. Voilà, il y a apparemment les applications d'Apple qui sont euh, dans l'écosystème Apple, le Mac, là, il l'iPhone, l'iPad, on les retrouve euh, dans les euh, lunettes d'Apple. Il est noté que pour l'instant, on n'utilise pas de terme lunettes, mais d'un univers de spatialisation de l'informatique, voilà, qui est, euh, qui est bien dit. C'est ça. Et donc, euh, ce qu'on peut voir cest à déposer aussi sur la table des objets, etc. C'est vraiment ce qu'on appelle de la mixed reality. Donc, euh, c'est de la réalité mixte, c'est quoi C'est pas de la superposition d'objets, ouais. en fait, comme la réalité augmentée, mais vraiment la possibilité, en fait, pour un objet virtuel d'interagir avec le physique, le réel. Alors, pas... oh, alors je ne veux pas casser l'ambiance, mais c'est la première fois qu'Apple nous présente un produit sans nous le montrer. Oui. C'est la première fois qu'Apple nous présente un produit uniquement Attends. en démo 3D. Hein. Il le donc, montre. Euh, bah, 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 Onangui oh nous dit on je regarde. vais vendre un rein. <laughs> donc on pourrait. Donc, donc tu as parlé d'objets en, en, en 3D euh, et donc on pourrait, j'imagine, également euh, s'échanger ces objets euh, 3D euh, comme mmh. par, par message euh, si, entre deux porteurs de masques. En tout cas, c'est ce que nous dit Apple. Euh, Qu'est-ce que nous dit Didier de son côté euh, <coughs> euh, La technologie non, a l'air assez d'intérêt. Ouais. Entre-temps, Rodrigo nous dit euh, regarde le cours de bourse de Meta et apparemment il serait en baisse. On a prévu de regarder celui d'Apple tout à l'heure. On, ah, on le regarde, mais celui d'Apple a monté. monté. monté c'est un carton déjà. Moi ce qui me, moi, ce qui me plaît beaucoup, et ouais, tu es d'accord avec ouais. moi Laurent, c'est le mode du bureau virtuel. Vraiment, c'est... Euh avoir plein d'écrans devant soi, ça va être. Ça mais va vous être avez génial. vu hein, ce qu'il vient de faire. Il a un clavier, hein. Non, mais vous avez vu ce qu'il vient de faire. Donc, il a utilisé le clavier réel pour ouais. pour euh, interagir avec la réalité mixte. Et en plus de ça, il a utilisé son Mac, qu'il ouais, a ouvert, et les regarde. écrans sont apparus comme de... ça. Ça y en a perdu, Christophe. Attendez, mais, mais, juste que vous regardiez. Ouais. Là, deux secondes. On va voir quelque chose. Quelqu'un qui marche avec ce casque. Ouais. Alors, Elle a mis où la batterie? Ou le câble Sa il va poche. Vous... Il est rattaché à son iPhone, il fait quoi <laughs> bah, Tu vas voir. Attends, on devine le câble, on devine. Voilà. Mais ils vont nous faire une démo là, ça reste à la démo générale. Mais, mais c'est une batterie dans la poche, c'est sûr. Ah, Est-ce que ça va faire comme l'air power C'est sûr. Bon, arrête. Mais qu'est-ce que tu vas nous chercher Mais bon sang. Euh, donc on a vu. Euh... Alors là, il y a bien un arceau euh, du casque qui doit ressembler plus ou moins à ce que font le, les AirPods Max. Mmh. Le fil est bien derrière la tête. Regarde comment il, comme il elle y, est y a le long du corps au-dessus de la tête. Le long fin. du corps, voilà. Regardez, on le voit derrière. Euh... FaceTime, pas... hein. c'est pas possible. La communication euh, ouais. FaceTime en 3D aussi En 3D, ça c'est étonnant, hein. on demande à voir. Et on peut <laughs> utiliser son clavier, sa souris, <laughs> et même, <laughs> vous l'avez vu tout à l'heure pour le super supervisement, <laughs> son Mac. Waouh, waouh, les amis, l'effet waouh, en tout cas, on l'a aujourd'hui. Ça fait des années qu'on attendait un effet waouh chez Apple. Il est enfin arrivé. Encore une fois, c'est une démo. C'est génial. Il n'y a pas de nouveau produit depuis l'Apple Watch, mais c'est l'effet waouh. C'est l'effet Moi, c'est waouh. Moi, c'est waouh, vraiment. C'est de la 3D. C'est la modélisation 3D, ce qu'on voit là. C'est ce qu'on nous promet. Mais Stéphane, regarde comme elle est heureuse! Non, non, non. non. Christophe, quand, quand Steve oui, est arrivé sur scène et a présenté l'iPad ou l'Apple Watch, il avait entre les mains. Oui, oui. Et il a fait une démo. La, di la difficulté à leur décharge, c'est retranscrire ces, 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 ces éléments 3D virtuels. Voilà, mm -hmm. en, en 2D dans une interface vidéo, ce qui nous arrange bien, bien nous, ce soir, pour, pour commenter, bon, on refait le Mac. On nous a annoncé une keynote historique. Je pense qu'on est servi. Euh, voilà, ouais. et, et vraiment l'écosystème aura tout son sens quand il va se développer pour pouvoir partager hein, tout seul dans son coin. Ça servira à rien. Non. Il faudra que tout le monde soit équipé, c'est l'idée. Euh voilà, donc c'est euh, étonnant, étonnant, euh, ce, ce, ce produit, oui. et notamment dans le mode pour travailler, ouais, et pas uniquement... Pour l'instant, on ne parle pas de jeux vidéo, hein, les amis, hein. vous avez vu non, on a Pas, pas vu, encore. On n'a pas vu passer de jeux On a vidéo. parlé de films, on a parlé de productivité, on et... a parlé de photographie, là, à l'instant, on a parlé donc... de partage avec euh, autrui, donc de communication. Oh, les jeux vidéo vont arriver. Non, mais En, en gros, en gros c'est vrai que là, ce qui est intéressant... Parce que c'est vrai que c'était arrivé un tout début dans les années 2000 quand il y avait la Kinect de, qui avait été faite avec Microsoft. C'était racheté par Apple. Hein. Là, que je peux juste dire, peut-être si c'est lié à ça, mais comment, on, on avait des, des visual designers, donc des directeurs artistiques, des interactive designers qui s'occupaient donc des interactions et des tunnels. Je Maintenant, cas, on va avoir des kinétiques designers cas, là, qui vont s'occuper des, des, euh, des, bah, bah, des gestes. Bah, donc, il ouais, faudra avoir des. cartes bleues carte <laughs> bleue déjà Je <laughs> hey, ta carte bleue. T'as des kinétiques designers chez toi Oui. Des gens qui sont se, qui spécialistes de, ouais. de, 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 bah voilà, des mouvements, bien, voilà. de l'ergonomie en réalité. Voilà. Bah C'est ce qu'il faudra, voilà. faudra faire. en fait le Mac en 3D, les amis. On est un peu Mais le... tellement. Comment on va faire Déjà, on s'en sort pas en 2D. <laughs> Qu'est-ce qu'on va faire en 3D <laughs> oh là là, Par contre, vous allez voir mon bon point, je vous préviens. Ah, compliqué. Bon. Alors, euh, alors, comme ça, au, au oiseau de mauvaise augure, euh, Stéphane Zibi, n'y pas de casse ce soir. Si, non. J'ai dit. J'ai ce que j'ai dit. Non. J'étais dubitatif et j'ai vu ça. Je suis encore plus dubitatif. Mais non. Euh, moi, ce que j'aime le plus, c'est le, le mode, le mode écran géant euh, ah ouais, portier devant pour vous. Euh, pour travailler, mais il se plaignent pour... de la myopie deux minutes avant, et là maintenant vous l'avez en... enfin, vous avez des le partage en fait, pardon. Je suis désolé, mais vraiment ça c'est hyper important ouais. parce que c'est ce qu'on voit dans les films de science-fiction depuis qu'on est gamin. Ouais. C'est euh, le, le, le fait de pouvoir sauvegarder, donc tu peux enregistrer une euh, marche avec hein. à un non, moment donné en fait possible. un souvenir que tu es en train de voir <laughs> et tu le traites après comme un souvenir que qu tu peux revoir. Mais Moi je pense que c'est une ouais, bonne idée. Euh... C'est dur de suivre avec les deux ostrogots là-bas, mais vas-y. Euh, ah, apparemment, il y aurait une fonction 3D de profondeur. Ils insistent vraiment oui. sur l'effet de profondeur des... Il y a quatre caméras devant, hein, au, au moins quatre. Hein. Laisse -y, y a une... Pas tous au même temps, on n'y arrivera pas, les amis. Mais allez-y. Oui Voilà, du coup là, vous n'avez plus rien à dire. Mais pas non, vite. tu nous coupes. Mais non, non, toi je... qui nous coupe alors. Ah, bref. Mais donc, il y a exactement ce que je désirais avoir, à savoir qu'on peut positionner. Un grand écran, un très grand, très grand, un très très grand écran dans, son dans sa pièce. ce que tu veux. Oh, Et Samsung, LG, tout ça. Terminé, terminé. Hein. Faut... Donc pas besoin de télé. Non, mais ça, eu nos enfants. Noé, je lui fais un coucou d'ailleurs. Ils sont en train de nous regarder. Ils vont mettre ça sur. Ils vont plus nous voir. Ils vont mettre de leur. Euh... Attends, tu vas voir. Pour l'instant, ça c'est un concept. On peut parler hein, à leurs parents. Regardez ces images. C'est vraiment un concept qu'on nous présente. C'est ah oui, pas vraiment terminé parce que. Regardez la qu taille fait... de cet écran. Ça donne envie en tout si cas. Si tu veux être à trois en train de regarder le même film et de partager quelque chose. acheter si trois casques. Voilà. Mais, <laughs> non, t as, t as... Mais non. Mais non. As justement, tu as a play. Mais via casque. Oui. Ah oui, oui, effectivement, oui. Ah oui, c'est ouais. trop fort L'enjeu, ouais. l'enjeu en tout cas euh, via il les caméras, autonome. via les caméras intégrées, c'est également de, de, de créer des, des un phénomène de relief et de 3D en temps réel quand vous faites de la vidéo, faire du FaceTime. Alors on le, on le voit dans un avion. Alors, il est autonome. Il serait autonome dans l'avion. On bah, va deux heures d'autonomie. On va voir c'est combien. C'est pas. C'est ce qu'annonce la rumeur. Donc soit c'est une batterie dans ta poche, soit c'est un smartphone. Mais a priori, ouais. c'est une batterie. Dans l'avion, tu es sûr tu veux regarder ça dans l'avion Mais bien sûr. Et pourquoi mais pourquoi Avec un film de genre catastrophe d'avion en non, plus. Mais, mais, mais pas que. Non, vraiment, donc le premier usage qu'il qu pousse grand public, c'est vraiment la vidéo Apple TV, transformée très facilement avec son casque, son salon en home cinéma et en carrément cinéma géant. Euh, on n'a pas d'infos sur le son, mais je pense qu'il faut utiliser plutôt euh, Les des oreillettes, des, des, des AirPods ou des AirPods Max. Pour l'instant, en tout cas, on voit que qu'il n'y a pas de euh, que le casque s'autosuffit hein, au niveau de l'audio. Ouais, ce serait assez étonnant, mais... et, et donc a priori, euh, euh, et c'est pas a priori, c'est sûr, euh, c'est Apple TV+ qui a la primeur des, du format de diffusion euh, pour Apple Vision. Hein, retenez ce nom, Apple Vision Pro, euh, pour permettre de s'immerger dans un univers 3D. Et quand des films euh, 3D, si vous voyez ce que je veux dire, et de jeux vidéo, d'univers avec des personnages un petit peu bleus par exemple vont arriver, je pense que ça va être assez sympa, euh, surtout qu'ils débarquent en vidéo là maintenant en, en France euh, très prochainement. Oui. Et les jeux vidéo, bah, c'est des jeux vidéo C'est du, ouais. du jeu vidéo pour l'instant en 2D comme d'habitude. Je m'attends à voir quelque chose de beaucoup plus immersif. Parce que pour l'instant, on ne nous montre que euh, la partie réalité mixte, donc la, ré la partie superposition sur notre réalité. On ne voit pas encore de réalité virtuelle, est-ce que seulement il y en a Donc l'idée c'est qu'avec la 3D, donc euh, euh, les personnages pourraient carrément sortir de l'écran, hein, comme dans les démos des, oui. euh, de, de, de films euh, en relief et, et en 3D d'autrefois. On nous annonce près d'une centaine de jeux. Ça a été un peu, un peu, un peu rapide. Là, on revient sur, sur l'univers de, de la vidéo. Évidemment, il signe avec la Walt Disney, hein, qui est un partenaire historique. Le CEO de Disney sur, euh, sur scène. Et, et Bobby Gere, le CEO historique, ancien membre du conseil d'administration d'Apple, qui monte sur scène et rappelait l'engagement qu'il a dans les Apple Vision. C'est quand même pas anodin, comme Disney est quand même est un des principaux concurrents de Netflix et de la. C'est Et, et faire le venir comme venir. ça, et le font venir, c'est quand même pas anodin. Gars, tu arrives, il, il arrive sur scène et il fait. Mickey a fait ça. Oui. Mickey a fait ça. Mais mon dieu. Mais mon anodin. dieu. C'est pas anodin. C'est pas, pas anodin, effectivement. Et voilà. Bob Iger est en train d'expliquer qu'il qu va développer, euh, euh, donc, des, adapter ses films notamment dans il dans dans le, dans le, dans le, y, y a quelques films hein, dans, dans, donc c'est Lucas euh, c'est Marvel c'est bien sûr Pixar bien sûr. Euh, et c'est demain de nouvelles productions qui pourront euh, et, et le Disney historique aussi le oui. Disney historique ouais. pense à Bambi voilà et pour euh, et donc il y aura près d'une centaine d'applications c'est vrai personne ne pense à Bambi <laughs> il y aura près d'une centaine d'applications qui seraient disponibles à la sortie euh, de Apple Vision Pro euh, sans application, c'est également la raison pour laquelle Apple le présente aujourd'hui. Il ne sera pas dispo de suite, je ne pense pas, pour permettre aux développeurs de commencer à s'amuser et, et trouver les usages. Hein, parce que le succès de l'iPhone, on le doit avant tout aux développeurs, et notamment euh, qui nous ont étonnés de semaine en semaine. C'était une période assez géniale. On espère revivre la même chose avec Apple Vision Pro. Euh, voilà, Bob euh, qui euh, qui est le papa de. Qui est à l'origine de la fusion entre Pixar et, euh, et Apple? Je meuble. Euh, je meuble avant que ça arrive. Jeune, voilà, entre Apple et, 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 et Pixar, et aujourd'hui oui. le premier actionnaire privé de, de, de Pixar, Donc, de Disney, c'est nos amis, euh, la famille Jobs, bien oui. sûr. Vous vous souvenez, en fait, de, lors de l'arrivée des, des DVD, euh, des blu ray etc., oui. on a eu, on a eu droit, sport, là, à... hein. c'est du sport, là. Oui, effectivement, ce qu'on voit, mais on a eu droit, en fait, à, à, à tous ces menus un peu interactifs. Ouais. Ici, ils ont réinterprété ces menus interactifs, ils te plongent dans le monde de Disney, wow. ou du film, ce qui veut dire quoi c'est qu'il y a de la réalité virtuelle réellement. Ouais. Dedans. Ouais. Et, et pour le sport, ça veut dire qu'il y aurait potentiellement des captations qui tiraient parti demain euh, de, de fonctionnalités euh, liées à ce casque. Euh, on attendait pendant des années qu'Apple se lance dans la télé. C'est fait, c'est ce soir. C'est Mickey. C'est Mickey, Laurent. Non mais... Mickey est à la télé. <laughs> non, surtout ce que dit Olivier est très juste. On, finalement, Là. pourquoi créer un écran un écran de télé, si tu as, si, si tu crées un casque qui simule une télé. Bien sûr. Alors, le, le vrai enjeu, tu l'as dit, Stéphane, hein, pour trouver une critique, c'est comment, euh, d'un côté, avec iOS, on veut vous, euh, vous vous ouvrir les chakras et vous dire ne restez pas trop collés à vos écrans. Là, on n'est plus collés, on est carrément euh, on est à l'écran ouais. dans les yeux. On est, dessus, quoi, on, ouais. on est dedans. Donc, là, c'est là l'enjeu. Et c'est là peut-être la vraie difficulté euh, pour Apple de faire accepter ces usages, de sorte que les les utilisateurs ne soient pas isolés, ils ne deviennent pas des sortes de zombies avec un écran collé sur les bien yeux. Bien sûr, non, non, mais c'est certain qu'il y aura euh, très certainement des dérives, euh, des personnes en fait qui seront euh, sans cesse immergées. Donc ça, il va falloir y faire très attention, bien entendu. Euh, on, on voit en fait ici euh, Disney met en place, euh, utilise en fait la réalité augmentée, la réalité virtuelle, euh, les expériences interactives en fait dans, dans la pièce. Euh, c'est ce qu'on c'est ce qu'on a vu en fait et euh, le CEO est en train d'en parler. Euh, euh, ouais, exactement. Alors euh, on a vu pour le pour le, le foot tout à l'heure américain ou le basket donc il euh, y aura vraiment une immersion totale on aura l'impression selon Bob guerre d'être sur le terrain donc Disney s'investit vraiment beaucoup. Ouais, beaucoup ouais. Et puis, euh, vous pouvez voir sur ces images que euh, c'est vraiment... Un... C'est un accord industriel entre Apple et Disney quand même qui va faire en sorte que les familles vont être très enclins à éventuellement acheter ce nouvel appareil. Et un petit one-morphing, euh, il y aura Apple TV ⁇ et il y aura Disney ⁇ disponible oui. sur Apple Vision Pro. Quelque chose de très impressionnant euh, qu'on a, qu a vu il y a quelques secondes, vous voyez des retours sur scène, mais vas-y. Ouais. C'est euh, qu'en réalité virtuelle, il réinterprète complètement euh, les bras. Mmh. Mais avec une, ça semble être d'une fluidité, il faudra voir en vrai en fait, mais ça veut dire en fait que ton corps est transformé en fait, en réalité virtuelle. Il est augmenté Il est virtuel. Qu'est-ce qu'il se dit sur YouTube, euh, Laurent Il se dit okay. qu'on a des gens qui nous ont fait un don encore, certains Noé. Ah, top hein. Il est bien ce petit. <laughs> <laughs> J'ai filer ta carte bleue. Regardez, non, on a découvert en, en, en vidéo, ça vidéo. En regardez ce casque, à quoi il ressemble. Regardez, voilà, on a une vue 360 du casque d'Apple. Très beau. Hein. Euh, en ouais. tissu, c'est parfait en fait. Parce que j'avais vraiment peur de ce, cet aspect caoutchouteux. Là, on va vraiment le découvrir. L'électronique serait donc déportée. On ne voit pas de fil, on ne voit pas de câble pour le moment. On le... Euh... Quand Ça... il y a un cas qui nous dit une Tesla et le masque Apple coule sur la route. <rire> <rire> ouais, pas mal. Euh, donc, c'est vraiment un vrai travail de design. On s'est inspiré des, des, des vieux masques de, de, de ski d'autrefois. Euh, voilà et l'idée c'est de vraiment faciliter son, son port très rapidement et son retrait. Mmh. Euh, donc là on a enfin du détail. Vous voyez un petit bouton qui correspond au bouton de l'Apple Watch. Vous avez également la digital crown, la, la couronne numérique. Euh, N'hésitez pas à faire diffuser les amis. Oui. On devine les lentilles à l'intérieur, hein, c'est ça, la, la qui s'adaptera oui. au visage de chacun et de chacune. Mais Ils tu, tu, tu vois les petites tiges en fait qui permettent d'automatiquement pouvoir réguler en fait l'espacement. Sur le casque, ouais. c'est vraiment Exactement. génial. Il faut l'enlever. Voilà, apparemment, il y a un système d'écran avec du verre laminé sur la face avant pour faire l'effet euh, eyesight hein, ouais. qui permet ouais. de retranscrire le visage. Euh, non, le est euh, casque produit. de réalité très mixte prémium. existe, il est là, vous l'avez devant les yeux. Euh, J'ai très peur du prix. Hein. Oui, on n'y est pas encore. Et pas sûr qu'on le lance ce soir non plus. Non, ouais. euh, et il serait composé essentiellement de tissus et euh, d'aluminium et de verre hein, qui sont euh, les... Euh, les matières nobles d'Apple, euh, je suis curieux de savoir son poids, je ne sais pas s'ils vont communiquer sur le poids dans quelques instants, mais verre, aluminium, tissu, euh, voilà. il y a vraiment énormément de technologies à l'intérieur, nous, nous précise euh, Apple, et même euh, ce qu'ils appellent un ordinateur haute performance intégré, mais où il est cet ordinateur haute performance Il est ça, intégré hein, ou dans la où Il est déporté On va voir ça. Par contre, Rodrigo euh, nous donne le, le, les, la bourse. Sony Plus +2, Apple 0, Meta -0,5. Mm -hmm. c'est stable. Mais la, la conférence, c'est pas du temps ouais. réel. Hein. On vient de voir ce qu'ils appellent sur le côté les audio pods. Donc, ce sont des Airpods, entre guillemets intégrés au casque. Hein. Donc, il y a deux petites enceintes sur le côté, mm -hmm. euh, exactement, qui ferait au On les voit là. Ouais, c'est étonnant ça. Tu vois, je m'attendais à ce qu'ils nous obligent à utiliser des euh, des casques et des oreillettes de chez Apple, mais mm -hmm. voilà. Il y a un cache anti lumière euh, qui permet de euh, vraiment s'immerger totalement dans, 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 dans l'univers euh, 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 du casque. Et il y a bien, tu l'as dit, des, des, des écouteurs intégrants, on les devine. Euh, oui, euh, Laurent Il parle de toutes les caractéristiques techniques et, entre autres, les caractéristiques d'utilisation. Euh, et donc, tu as une, 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 une prise débrayable que tu vois, que tu vois à l'écran. Le rond, en fait, c'est un MagSafe. Et tu as une batterie externe qui te permet de rajouter deux heures de plus. Mmh. Très bien. Mais potentiellement, ça veut dire que tu peux aussi le brancher à la maison quand il y en fixe avec un câble alimenté en permanence. Donc ouais. c'est si en mobilité. Tu, tu vois le truc Donc ils ont vraiment travaillé pour, les, pour faciliter l'ajustement, le confort, le port. Euh, du casque, l'enjeu pour un casque qui s'adapte à tous. On verra comment il s'adapte aux porteurs de lunettes, c'est un vrai enjeu. Donc on ne les appelle pas des lunettes, de toute façon, il faut s'appeler un spatial computer. Un special computer, compu un special un... computer ou appeler Vision des... Pro, tout simplement. Ce ça pas des lunettes, oublie le mot lunettes, c'est réducteur. Le Vision Pro, je le cite, est peut-être branché toute la journée, Utiliser toute la journée, branché. Est Et est-ce est qu'on est qu va avoir droit à l'autonomie <laughs> N'allons pas trop vite, suivons bien la, la keynote en temps réel, les amis. <laughs> euh, on parle beaucoup de technologie embarquée, vous le voyez chez nos amis d'Apple. Euh, j'ai l'impression qu'elle est équivalente l'équivalent d'un petit MaxF pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, brancher un câble oui. sur le côté. C'est ce que j'ai dit là, on le voyait à l'écran. Oui, mais pas sur le nôtre. Mais oui, oui. Ah, bon, autant pour moi. Et, euh, et est-ce qu'on est qu parle de, de l'écran... Est-ce qu'on a vu passer le, déporté, le, le système électronique déporté Moi, je ne l'ai pas vu passer encore dans nos images. Je crois bien hein, euh, mm -hmm. qu'il est passé en régie. Donc, il y aurait bien un système embarqué, déporté, euh, relié par un fil. Le fil serait connecté au casque via un MaxF, donc un système aimanté. Euh... 23, 23 millions 000... pixels. de pixels. pixels. C'est plus, plus qu'un écran 4K. Oui. Et sachant qu'il y en a deux d'écran. <laughs> voyez bien qu'il y en a deux. Euh... Je pense que c'est 23 ensemble. Ouais. Donc, c'est deux écrans 4K en fait. Donc il, il a fallu vraiment inventer un système d'affichage. Donc là vraiment, euh, euh, bon, je suis pas un spécialiste des lunettes, hein. tu es plus que moi mon cher euh, Christophe. Mm -hmm. Ne regarde pas ton écran, tu vas te contrarier. sûr. Mais euh, voilà, l'enjeu il est là, hein. l'immersion, elle, elle sera à rendez-vous. Là c'est de démo. C'est vraiment euh, la qualité de l'écran, l'image qui si pixelise. Bien sûr, euh, on ah oui, est non. dans un casque, on n'est pas dans la réalité. Du coup, tu sors de, de l'immersion si jamais ça pixelise. Mais ici, a priori, ça ne pixelisera 000. pas en fait. Ce, sera ce juste serait parfait. Ce serait un écran micro-LED, ce ne serait pas un écran OLED, mm -hmm. euh, comme l'annonçait la rumeur. Mm -hmm. euh, mm. Voilà, donc il y a énormément de travail qui semble avoir été fait oui. euh, avec des systèmes de, de lentilles euh, en plusieurs éléments, vous l'avez vu. Et l'audio spatial. Euh, et l'audio spatial est accompli. accompli. On, va, on va voir si euh, ils vont parler des porteurs de lunettes. Oh, Alors, non, on... Des écouteurs comme les, euh, des comme, dévialés. Comme, non, comme les, euh, tu sais les, euh, les, aftershocks qui te simulent le, le son apparemment, ça peut, À partir ça... De, de, du système osseux, c'est ouais, ça Je ne sais pas si j'ai pas. Conduction osseuse. C'est marrant parce qu'on aurait dit, tu vois, qu'ils bougeaient comme les ouais, dévialés. C'est pour ça, oui, mais c'est pour ça j'ai l'impression que ça vibrait. Mais en fait, ils il te resimule un environnement 3D. Voilà. Et pour revenir euh, aux écrans, ce serait l'équivalent de sur chaque œil d'une un, TV 4K sur chaque œil. Voilà. Techno. Voilà. Donc c'est je, je, je crois quand même qu'ils ont réussi. Leader. Là, je vais être euh, Pro Christophe et hein, je vais dire. Je pense que ce que fait Apple sort de l'hiver définitivement. Euh, La VR et l'air. Ouais. Parce que là, on était Alors quand même. Euh, c'est pas clair, une mais... mauvaise nouvelle pour euh, pour, pour Meta hein, ce soir. Ils, Apple va enfin évangéliser. Ils marché. pas de contenu. Ils n'avaient pas de contenu. C'est les contenus qui sont importants. C'est ce qu'on avait dit il y a quelques semaines. Hein. On sûr. avait dit. Paradoxalement, c'est peut-être la meilleure annonce qui puisse arriver pour Meta, c'est que Apple sorte, le... sorte un casque. Hein. Franchement, bravo, euh, bravo team en fait et les équipes. Hein. Oui, alors attends. Il faut pouvoir le dire. Oui, mais un euh, encore une fois, c'est une démo. On n'est oui, pas oui, dedans. Oui, bien entendu, mais c'est une promesse. Je, le, un je suis en train de regarder un beau catalogue et je veux pouvoir euh, voilà. Bon. Bien sûr. Olivier, euh... c'est un ordinateur. Ouais, c'est clair. Ah, il y a le, M2 il y a, dedans. M2 dedans. La ouais. puce M2 dedans. Le cas Apple Silicone M2, oui. Donc, donc la puce qui est embarquée dans les dernières générations de Macron, c'est le prix. Attention que c'est basé sur le M2, visiblement. Ce serait du. Attention. Apple R1. Non. non. Ce serait du R1. Ah bon, Apple R1. Non, il y a un M2 et un R1. Ah, les deux les Oui. Deux ah, okay. Donc il y a la réalité qui est gérée ah, oui, par oui, le R1 oui, oui, et oui, le et M2 pour tout, tout le reste. Exactement. Alors, là, donc c'est un G-REC M14. Pas la latence. Exactement. Alors, je veux voir le boîtier en gros plan, je veux voir le boîtier déporté parce que la puce ne peut pas être dans les dans, non, dans, le, dans les lunettes. lunettes. C'est que la batterie le boîtier. C'est que la batterie. Au oui. de la batterie, c'est oui. deux heures de batterie. Oui, ça. Et ça va pas chauffer. Enfin, entre les écrans, la puce M2, enfin, je veux dire, là, tu en, tu en as une. Je mets mon doigt là, c'est un peu... Je... Ouais, voilà, ça va. <laughs> je mets mon fond <laughs> là. C'est chaud, <laughs> j'ai chaud ce soir, j'ai très chaud. Bien. Euh, bon, bah, écoutez, c'est... Euh, ouais, euh, un beau cru, Vision, cette, euh, vision cette, euh, Pro. C'est un beau cru, ce ce ce. C'est un vrai nouveau réalité. produit quoi. Oh, vrai il nouveau appelle ça produit. le Vision Pro. Vision Pro, Spatial Computer. Bienvenue spatial. dans l'air du Spatial Computer spa ouais. spatial. Eh ben franchement, euh, je suis super content d'avoir vécu avec, avec vous les gars. Je suis <laughs> je prêt à manger tôt. une pizza à la Nana. Ah, bah, C'était le pari. C'était le pari. Et enfin, moi, ce qui me moi. rassure, c'est que je ne devrais pas manger les AirPods euh, de Olivier. Voilà, écoute, tu peux les ranger. La puce R1 <laughs> donc apparemment, est conçue pour éviter les phénomènes de latence entre le son et l'image. Rodrigo, Rodrigo a, très, a tout à fait raison. Donc, welcome tous les commerces associés en temps réel avec tout ce que vous regardez, les écrans de pub, etc. Super. Euh, et puis, il faut dire à Rodrigo, s'il veut commenter, il vient dans l'émission. <laughs> il, voilà. bah, il vient, il connaît l'adresse. Voilà. Euh... Voilà, donc, l'enjeu maintenant, c'est véritablement de faire accepter euh, ce casque, le faire accepter aux développeurs et le faire accepter euh, aux personnes tiers pour qu'ils ne soient pas, je dirais, considérés comme des personnes isolées dans un univers. Et, euh, et on a vu que le, le système Eyesight était assez étonnant. C'est ce que je pense que je en train de deviner et montrer mmh. là en image, oui. qui permet d'afficher euh, un, un visage euh, sur le casque. On est, est à 2h30. L'histoire représentatif de votre visage. Ça fait près de 2h30. On est excités comme ça. 2h et donc, nous, ça va faire 2h30. Les gars, là, il y a quand même un, 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 une killer feature ouais. qui est le fait de scanner Ton visage. Toi, le, le visage. Rigolo. Euh, et de pouvoir après animer ton avatar comme on le voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, etc. Ouais. Euh, ben, exactement. Ce avec un, utilisé, milliard euh, de promesse, avec, avec un milliard de devices compatibles, c'est-à-dire tous les ouais. tous les devices iOS. Non mais ouais. c'est génial. Donc c on pourra créer son avatar 3D grâce à un iPhone. Mm -hmm. Et apparemment le système regardez s'appellera Vision OS. C'est officiel. Euh, donc par contre pas de réalité au reste, mais bien Vision. Apple aura-t-il la bonne vision sur son cadre C'est ni l'un ni l'autre. En fait c'est Vision. Oui. C'est Vision. Apple ont toujours été des génies du marketing, donc ils ne se positionnent pas avec des comme des lunettes. Non, on n'a pas oh. de Vision ni de, lunettes, de oh. ce soir. Oh. Euh, et donc on pourrait on trouver des... apparemment la, la base des outils de développement euh, d'iOS, bien sûr, pour développer mm -hmm. des applications. Donc on comprend mieux pourquoi Apple le présente ce soir lors de la WWDC, parce que c'est le moment où jamais euh, pour amener euh, les développeurs à, développe, à adapter leur. Euh, euh, leurs applications parce que c'est là qu'il s'agit il faut les adapter on part pas de zéro bien sûr et le pourquoi Effort. en fait on peut aussi euh, il y a Respect. toute une partie de, du framework iOS qui est compatible avec le casque enfin le masque ou le spatial euh, voilà euh, c'est pour permettre aussi un passage facilité d'applications déjà très vite fait tu vois tu peux prendre des applications euh, qui existent sur l'iPhone et puis les passer très rapidement sur le sur le casque en fenêtre flottante euh, c'est vraiment bien vu en fait ah, j'ai hâte de vraiment de je pense que pour nous, il va falloir attendre un petit peu, mon cher Christophe, mais <laughs> j'ai hâte vraiment d'essayer cet engin. Euh, voilà, donc c'est vraiment un, un outil euh, étonnant. Euh, et, et alors Là, on a vu que, les, que des applications, je dirais, relativement en grand public, on sait que Microsoft fait belles choses également avec son propre casque, mais dans, dans l'environnement plus pro. Euh, et je sens que c'est plus ça dont on va parler maintenant. Exact. Euh, avec euh, Suzanne Prescott, que vous devinez à l'écran. Euh, où là, on peut, on peut, oh, là, là, c'est pas forcément pro, mais c'est peut-être de l'éducation. Là, on voit, deviner devine un cœur. Mm -hmm. On devine les différents euh, éléments de ce cœur, les ventricules. Euh, une formule. Bon, une une formule. Mais on s'y savent quand on refait la F1. Allez ouais, voir, on refait la pour F1. Nous, pour nous, c'est pour nous. Romeo, pas une Ferrari, mon cher Christophe. <laughs> il vaut mieux pas en ce moment. voyez bon, on peut calculer et afficher les flux d'air en temps réel. Ça peut-être aider les erreurs du Une Ferrari. Ouais, ouais, mais ouais. c'est vrai. Euh, c'est assez étonnant là on commence à avoir peut-être des applications un peu plus B2B là on oui. pourrait imaginer devant soi un DJ avec ses, ses consoles ses consoles euh, euh, de vinyle mais oui. c'est dingue hein, parce que c'est un, un nouveau paradigme les gars oui là euh, on, on pouvait jouer au DJ avec une platine 3D virtuelle non, moi, ce que je préférais c'est l'iPhone c'est oh. plus, be plus besoin d'avoir euh, un objet il y a plein de choses que tu peux envisager c'est terminé plus besoin de mettre des vêtements tu sors <laughs> plus de ton lit. Et c'est pas fini les démos, hein. Il y en a, il y en a une palanquée. Euh, ouais. euh, voilà, et regardez, les, les, voilà, ce serait. Après, alors, si je comprends bien, Teams, Webex, Zoom, ça vous parle, les amis. Ouais, ouais. Ouais. Mais bon, euh, donc ce serait pas que FaceTime. Hein. Là, là, il y a les architectes d'intérieur qui vont sûrement s'en se, se, donner un cœur joie, etc. Et mais, tellement. Mais, mais en fait, là, il y a quand même. C'est génial ce qu'a fait Apple. Je, je dis des choses. Mais qu'est-ce qu'ils dépendent maintenant de. Tu es une belle personne, Stéphane. Des de, de <laughs> de développeurs et des créatifs, quand même. Là, Il faut convaincre les amis. Là, là c'est sûr. Regardez, hein. à là, pour l'App Store, ça, ça a fonctionné. Est-ce que là, il y a, y a eu un Shazam Effect pour l'instant euh... Non. Si, euh, ne fût-ce que le fait de pouvoir voir. Euh... Un écran virtuel super grand. Euh, Il pouvoir... n'y a pas l'application qui ouais. fait, qui donne envie de faire... Les écrans même. de ton Mac. Donc on comprend mieux pourquoi ça a autant euh, fuité ces dernières semaines. C'est que quand on apprend qu'Office, que WebEx, que Zoom seraient portés sur euh, Apple Vision Pro... Euh, on peut penser que bah, forcément plus vous euh, discutez avec des éditeurs, plus voilà. Donc il euh, n'y avait pas de fumée sans feu. Et voilà pourquoi il y a eu tant de, fait, de ouais. rumeurs. Qu'est-ce qu'on voit Ça, ça Unity une super nouvelle développe. pour nous en fait, chez Underside. Ouais. Euh, c'est que Unity, donc le moteur graphique 3D qu'on utilise entre autres, est compatible avec euh, Reality, euh, les Reality Pro. Et on n'a toujours pas le prix, les amis. C'est bah, ce ouais. que dit, nous dit euh, Didier, euh... Didier sur le WhatsApp de Felmy, nous dit l'enjeu c'est d'être un, un, un mass market. Didier, si tu nous entends, connecte-toi sur l'outil de visio qu'on t'a envoyé tout à l'heure pour que tu commenteras en direct avec nous. Je ne sais pas si tu nous entends ou si quelqu'un peut lui répondre sur WhatsApp. Euh, étonnant hein, que Office, WebEx et Zoom soit sur Vision Pro. Je, 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 voilà, c'est... Euh, voilà Unity, donc ça va permettre de développer des univers 3D rapi euh, très rapidement, et, et, et y compris des jeux euh, puisque Unity est un moteur graphique pour le ça. jeu, pas seulement pour le, le, le décor que vous devinez derrière qui peuvent être développés dans ces univers Unreal ou non. Unity. Mais euh, oui, mais le truc c'est que c'est bon pour le jeu, c'est bon pour la pédagogie, c'est bon pour l'interaction, etc. Mais c'est aussi c'est dingue de pouvoir se dire à un moment donné, maintenant les metteurs en scène, etc. vont pouvoir créer des films. En 3D, dans un univers complètement 3D, est immergé à l'intérieur. C'est-à-dire que c'est un, un nouveau cinéma, un nouveau mode d'expression. Et ça, on le promettait depuis très longtemps, la réalité virtuelle. Hein. Je me souviens, on a fait des articles il y a des années dans Écriette, notamment. On disait, nous, réalisateurs, on réfléchit comment on peut filmer à 360 degrés, etc. C'est la promesse que nous fait Apple. Après, il va falloir euh, voir comment ça pourra être fait véritablement. Oui. Là, 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 quand oui. même. Euh... Quand oui. on a vu Minority Report en 2002 ou 2003, je ne sais plus, on voyait euh, Tom Cruise rentrer dans un centre commercial mm -hmm. et il y avait son iris qui était reconnu et la publicité était, euh, ça. était contextuelle. Regardez Là, il n'y que... a plus d'écran. Bah là, regardez... Là, là, regardez ce cas. y un... On est à la première étape de ça. Regardez ce que vient de proposer Optic ID euh, par Apple. Donc tu, tu reconnais le ton œil. Voilà, exactement. Donc en fait, ton, tu débloques ton casque avec ton œil. Si ah, juste on... le fait de le mettre, il est débloqué. Vous pariez que c'est profil en plus de ça Mais oui, bah, il tu l es l es parles de bien, deux jumeaux. Quoi. Et ouais. tu mets deux jumeaux, ce n'est pas le même. Euh... Je... Est-ce qu'on a... est qu parle de... Donc de... Et si c'est deux jumelles Ça marche aussi. Donc c'est Optica ID, c'est ça ce système Optica ID, ouais, Le Face ID de, de Vision Pro. Euh, super. Et euh, il y aurait donc. Un... Le... Jumel, on l'a pas dit, mais ça semble évident. Oui. Hein. Il y aurait un App Store, bien entendu, on l'a dit. En... Ah bah C'est on... l'objectif, oui. Un App Store euh, pour cette application. Tiens, une petite euh, parenthèse. Pas d'annonce de side loading sur l'App Store. Pas d'annonce de. de, de, de... De petites applications, Mais c'est tellement 2022. Utilité, Olivier. et ça marcherait également avec Apple Pay. Ton, tu vas payer avec ton casque. Eh dites-moi. Tu vas sur Amazon et tu fais un petit clin d'œil et directement tu passes à la caisse. Et ce que j'aime bien, c'est d'avoir la nouvelle baseline d'Apple pour la privacy pour la. Ce que, ce que. Là, je pense que c'est. Vous voyez dans votre casque. va voyez dans votre casque en gros, l'idée c'est ça ce qui est dit là en ce moment c'est l'appareil le, le, le plus euh, avancé au niveau électronique créé par Apple depuis la, la, le pas Apple. Créé par Apple ouais. c'est le, le most advanced oui, personal bon, de device le... ever du marché voilà pas créé par Apple il y Apple. a plus de 5000 brevets alors euh, on va se calmer sur le sur le prix il va arriver dans quelques secondes messieurs, on ne like pas ah non 5000 brevets j'ai dit oui non, non j'ai parlé du nombre de brevets pas le prix j'ai pas le prix il n'a ah ouais, pas, le prix, le prix pas été annoncé là et on va le commenter dans quelques secondes parce que ça semble euh, la prochaine étape normalement est-ce qu'Apple va euh, s'amuser à, à créer la surprise en, en divisant le prix par deux, comme mmh. il a fait pour l'iPad C'est quand même aussi euh, la porte ouverte à la petite amie ou au petit ami virtuel. Oui, mais c'est surtout, vu le nombre d'avancées technologiques, ça me semble compliqué pour que le prix soit divisé par deux, les amis. Ouais. Donc, on va voir ça dans quelques secondes. Sûr. Soyons patients, on voit encore les usages autour de la, du casque et d'Apple Vision Pro. Ouais. Euh, le prix va être annoncé là. Ouais, on va attendre maintenant qu'il s'affiche. D'une seconde à l'autre Allez, arrêtez de nous faire mentir. 3500 dollars. 3500 dollars, donc c'est même plus cher que ce qu'annonçait la... ce sera début 2024. Ça va coûter cher. Mais euh, encore une fois, la promesse est belle. Donc, c'est euh, pas pour rien, hein, C'est, Je crois qu'en V1 d'un produit, c'est le plus cher de tout ce qu'on ait jamais pu avoir. Ah oui, c'est un mais, ordi, en fait. Hein. Mais un, un ordi, ordi. mais c'est un, un ordi. ordi. Ça vendit, ouais, tu enlèves Nordie, la télé, euh, tu enlèves le. Un MacBook Pro, en fait. C est c est un MacBook Pro. Un MacBook Pro. Ouais. Pro, ouais, mais 3500. Voilà. Pour regarder des films, c'est quand même pas donné. Non, mais, euh... non, mais euh... tu ne vas pas faire que ça. Non, j'entends bien. Vas... C'est terminé, le MacBook Pro. Et Tim Cook est de retour sur scène. Apparemment, il y aura des programmes de, 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 qui nous permettront de, de faire des démos. Hein. La, la force d'Apple, c'est son écosystème au sein de son univers, mais aussi au sein de son réseau de magasins. Et donc, quoi de mieux qu'un Apple Store pour venir essayer, bien sûr, euh, l'Apple Vision Pro euh, C'est voilà. bien que ce soit 2024 pour économiser. Bah, C'est prévu Il a annoncé 2024, 2024. 2024. Début 2024. 2024, 2024. Il n'y euh, a pas écrit de moi. Mike, Merci Tim pour cette belle keynote en to tout, tout cas. Yeah, Bravo. Dingue. Merci. The world's best 15 -inch voilà, bon, on sait ce qu'il va nous, nous dire, les amis. Vous pouvez revenir avec nous. Donc, c est, c est... et puis essayer de voir si Nami uh, Didier peut se connecter pour uh, débriefer avec nous brièvement uh, après près de deux heures et demie direct. Euh, voilà, on, on reste avec lui quelques instants. Moi, qu y a encore des annonces et puis je ferai une petite un, un petit rappel ou, uh, un petit rappel de nos uh, de nos de nos sponsors bien aimés et qui nous permettent d'être là uh, ce soir et c'est très important uh, oui, croyez-moi. Et revenir à des univers un peu plus terre à terre, mais ô oh combien important si vous êtes un, un, un vidéaste. Vous allez voir, les produits ouais. que propose Sandy sont assez étonnants. S'ils euh, mettent la taxe Apple classique, ouais. on est à 4300 euros. Waouh Ils vont descendre en dessous des 4000. Ouais, en, dessous, en dessous des 4000, ça veut dire qu'il n'y a pas de taxe Apple. Donc, en, en, en résumé, les annonces ce soir MacBook Air 15, pouces, Mac Studio M2 Pro, M2 Max, M2 Ultra. Euh, Mac Pro, grande surprise Mac Pro avec euh, la nouvelle génération de puces et, et au-delà euh, la possibilité de mettre des, des, des cartes externes. L'arrivée d'iOS 17 avec quelques, des déclinaisons, oui. avec quelques belles surprises en mm -hmm. termes d'interface. L'arrivée d'iPadOS avec quelques surprises également. MacOS, c'est plus sobre. Mm -hmm. Et enfin, l'arrivée de WatchOS, qui est une vraie av avancée majeure dans l'univers de l'Apple Watch. Carrément. Et puis, uh, One Morphing, bien sûr, vous les avez vus. Apple Vision Pro, qui inaugure une toute nouvelle plateforme d'informatique spatiale. Il ne s'agit pas de casque, mais d'informatique spatiale. Un tout nouvel univers, une toute nouvelle ère s'ouvre aujourd'hui avec Apple. Mm -hmm. L'enjeu pour Apple maintenant est de convaincre les développeurs, de convaincre les utilisateurs de l'acheter. Ce n'est pas un produit de masse market, hein. ce n'est pas pour un produit de masse. Hein. Pour l'instant, parce que dites-vous bien qu'effectivement, pour le moment, ça ne l'est pas, mais que c'est un premier essai, c'est un premier produit. Donc on va commencer à développer dessus euh, certaines personnes en fait qui sont des ce qu'on appelle les early adopters un petit peu comme nous vont peut-être euh, faire l'effort euh, de débourser la somme mettez la vidéo en régie, allez-y allez voilà. on peut la voir en conclusion et puis derrière en fait euh, regardez et, et puis derrière en fait euh, on va pour l'instant c'est le, le, le pro et demain on aura euh, on, on en aura un, on aura un modèle en fait qui ne sera pas pour les pros mais qui sera vraiment euh, dédié au mass market et sans doute moins cher du coup et puis plus on va le produire plus ça va être réalisé. 60 quoi, wow C'est juste dingue. Hein. Mais encore une fois, euh, relativisons euh, Vision Pro d'Apple. Euh, hello, hein, <laughs> un petit, petit, vous avez vu le, le geste hein, pour pouvoir pincer, ouvrir. Là, on est dans Minority Report. Euh, on est vraiment on est dans, un, dans, dans la science-fiction qui se matérialise aujourd'hui. Par contre, pour pouvoir réunir tout ça, euh, il faut mettre des composants top et ça coûte cher. Et ça, on, évidemment, ce n'est pas, pas à la portée de toutes les bourses, vous l'aurez compris. Euh, et c'est réservé pour l'instant, je dirais, à des early adopters, à des, plutôt à des pros qui ont essayé de développer des usages. Mm -hmm. L'enjeu pour Apple, c'était de rendre accessible cette, euh, cette technologie-là. Euh, le choc de l'iPhone était plus grand, parce que le produit était relativement accessible, autour des 600 dollars à l'époque lorsqu'il a été présenté. Là, euh, près de 3500 dollars, euh, c'est notre affaire. De, une autre affaire. Bah, il faut le considérer comme un ordinateur à part entière, comme on le disait. C'est un ordinateur. Euh, voilà, avec tous les accessoires. C'est euh... un ordinateur spatial. Oui. Euh, en régie, si on peut revenir un instant sur l'annonce euh, de notre sponsor, à savoir Sanis Professionnel, qui, euh, qui vient de dévoiler un tout nouveau écosystème, euh, son nom, le ProBled. C'est une famille de produits dédiés au stockage et au dérochage qui tout euh, se compose tout d'abord d'un boîtier SSD, le ProBled transport tout terrain. Il se connecte directement à votre caméra. Pour enregistrer vos vidéos ou photos, vous n'avez plus besoin d'utiliser une carte SD. Le disque se montrant par nature bien plus fiable et surtout bien plus rapide. Son module ProBlade NMVME est interchangeable et peut prendre place directement dans la ProBlade Station à connecter au Mac pour dérocher vos vidéos ou photos. Pratique, ces stations d'accueil disposent de 4 baies pour y loger directement vos NVMe. Vous pouvez donc dérocher 4 modules simultanément. Le boîtier connecté au Mac, un Thunderbolt 3, permet ainsi de modifier, copier et déplacer rapidement d'importants volumes de données avec des vitesses de transfert jusqu'à 3000 mégaoctets par seconde en lecture et 2600 mégaoctets par seconde en écriture. En clair, pour monter les futures vidéos de l'Apple Vision Pro, c'est ce qu'il vous faut. Euh, si vous souhaitez en savoir plus sur l'écosystème ProBlade, nous vous diffuserons dès demain un ORLM Express spécial. Euh, sur notre chaîne YouTube, euh, pour découvrir tout cet univers. Vous allez voir, c'est très sympa. Et merci à saint Professionnels de nous soutenir. En régie, est-ce que vous avez des nouvelles de Didier ou pas N'hésitez pas à me répondre. Et... Non, il n'est pas encore connecté. Bon, très bien. Est-ce que quelqu'un peut envoyer un petit, un petit message okay. euh, sur, euh, sur le... Voilà, s'il peut se connecter. Et je vous propose qu'on passe directement à vos coups de cœur, les amis. Alors tu veux me dire quelque chose Oui, les prix euh, déjà des MacBook Air. Euh... Eh bien, en régie, ils vont se connecter. On le fera après. Euh, apparemment, les prix sont arrivés sur l'Apple Store. Voilà. On enchaîne avec les, les coups de cœur et puis tu peux pour... et en régie, si vous pouvez vous connecter sur le, on a les prix des MacBook Air sur le site d'Apple en euros apparemment. Euh, les Didier coups... Oui, Didier arrive. Les coups de cœur. On commence avec Stéphane. Alors, bah moi, c'est simple. J'avais déjà fait ce, donner cette série en coup de cœur euh, quelques fois. Bonjour. Là, je redonne encore ce, cette série en coup de cœur, mais seulement le dernier épisode de la saison finale de Succession. Et je vous encourage vivement à la regarder en entier si vous ne la connaissez pas, ou regardez cette série. Est un pas cassée encore, hein Mais franchement, je ne me suis pas cassé, mais elle est exceptionnelle. Je vous dis d'office, c'est la meilleure série, toute série confondue depuis l'histoire des séries. Voilà, tout simplement. Toute beauté. Euh, après Stéphane, c'est écrit. Hein. Oui, eh ben moi je vais vous parler euh, de réalité augmentée, de lunettes de réalité augmentée. Et cette fois-ci, ce n'est pas celle d'Apple, mais celle euh, de Jerry Ellsworth euh, et de la société qui s'appelle Tilt5. Euh, c'est une amie. <laughs> c'est euh, un masque, mais un masque est est, de plongée. C'est un masque en fait qui permet, donc on le, on le positionne, ça marrant. coûte 400 euros. Euh, pas cher, et, pas euh, pas ça, cher à ça, côté. non effectivement et donc en fait ça ça permet à des jouer de à des jeux en réalité augmentée directement sur sa table etc sans perdre le contact euh, avec les yeux entre les différentes personnes, hein, on le voit, et donc il faut un casque par personne si jamais on veut jouer à plusieurs sur le même jeu, sur le même plateau de jeu, mais donc c'est assez chouette, euh, et aussi euh, euh, ben, on a, les a tous les avantages de la réalité augmentée, à savoir l'interactivité, etc. Euh, c'est il 5, très franchement, 400 euros, on peut le commander dès maintenant, c'est directement disponible, et encore une fois, ben, c'est une amie qui fait ça, en fait, Jiri ce qui est une véritable génie, je n'arrêterai pas de le dire, qui a bossé pour... Tous les grands noms de la tech et bravo à elle. Laurent, de ton côté Écoute, je me suis pris pour Stéphane cette semaine et euh, j'ai choisi une série. Ouais. Euh, C'est une série qui passe euh, sur Canal Plus en quatre épisodes, je ne me trompe pas. Elle s'appelle Omerta. Et, ah, euh, oui. et en fait, c'est euh, une série sur je, 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 une histoire vraie hein, c'est le gang de la brise de mer. Faut savoir que j'ai ouais, voilà, je suis original. J'ai grandi euh, <laughs> j'ai grandi au-dessus la brise de mer en fait, vous allez le voir dans le film, c'est le nom euh, d'un bar et j'ai grandi au-dessus de ce bar. Vieux-Port de Bastia. Vieux-Port de Bastia et j'ai grandi donc toute toute mon enfance se passe autour de ce bar et donc c'est des gens, c'était la moitié étaient des voyous, l'autre moitié était des fils de notables. C'est une histoire c'est c'est le plus grand gang euh, de, de, de de braqueurs et je dirais de, de, de malfrats de l'histoire de d'Europe hein. certains une certaine au, au la Corse qui le dit hein, que c'est c'est rare que, que, que des documentaires comme ça ouais racontent aussi. ça ouais, c'est assez, assez fin euh, c'est assez dur hein, c'est ah, euh, la brise de y a, mer tu et ouais, il y a énormément rien à voir avec brise de nice quoi non, non, non rien, rien à voir il euh, y a pas, pas de, drôle, y a mal de morts hein, dans l'histoire un des membres s'est fait dessouder devant moi donc voilà ça a marqué l'histoire de la corse et certainement par moments euh, les dérives qu'on a pu assister ces dernières années mais aujourd'hui c'est très bien le gang est, euh... est dissous hein, ouais, ouais. Euh, voilà euh, de mon de, merci Laurent ouais bon bref Laurent de mon côté euh, mon, coup mon coup de cœur pour um, pour Actillon qu'est-ce que c'est euh, Actillon c'est un système de crowd testing euh, platform for everyone si vous êtes développeur et vous recherchez une solution pour éprouver, tester une application avant sa mise en ligne. On est dans la WWDC. Un cooker donc pour Actillon, qui est une start-up française spécialisée dans, la test, dans le test des produits digitaux des entreprises. Alors, il n'y a pas que les applications mobiles, il hein, y a les sites web et les logiciels. Le but est d'améliorer la qualité de ces produits digitaux ainsi que l'expérience client et de corriger les bugs rencontrés. Action est une communauté globale de 13 000 testeurs ce jour, dont 3 000 testeurs français. Euh, en clair, vous choisissez, euh, vous établissez vos, vos, vos critères de sélection, et, et au sein de l'activité la, de, de, la, de la communauté Actillon, les testeurs correspondant au profil sont ciblés. Donc ça c'est bien fait. C'est une plateforme de SaaS, elle est accessible par abonnement ou, ou en test unique. et C'est à tous les budgets. Donc allez voir, c'est français. C'est les amis qui font ça, donc on leur fait un petit coucou oh, euh, ce soir. Autre coup de cœur, moi j'en ai deux. Il est arrivé. Regardez la nouvelle enceinte Teros 300 de chez. Sonos c'est arrivé. On pourra la tester, proposer dans quelques jours, dans quelques semaines, un magnifique RLM euh, Express. c'est -ce un chapeau. Non, c'est les enceintes Dolby euh, Atmos de chez euh, et, uh, SonoS. Et, euh, Monsieur X, je crois que tes, tes HomePod, tu peux les ramener à la maison euh, ou même les ramener au, au magasin. Voilà. Est-ce que en région, on peut jeter, oui. qu'est-ce que vous préférez On jette un coup d'œil d'abord. Oui, on jette un coup d'œil au, euh, au prix ou Didier est là jetons au prix, je n'est pas là. D'accord. Okay. Alors, au prix, si vous pouvez l'afficher à, à l'image, parce que moi, je n'ai pas de retour, euh, si vous avez bien sûr les prix. D'abord, les prix concernant les MacBook Air. Christa, euh, Stéphane, si tu veux alors, commenter, dès qu'on les aura, dès qu'on les aura, les, les MacBook Air. Tout donc, ça. On, on, a voilà. vu, on a été surpris de voir les prix en dollars à 1299 dollars. Euh, voilà, euh, regarde, tu les as à l'image. Euh, voilà. Et là, maintenant, on est, le premier prix, il est à 1599 euros. Donc TVA et petit taxe Apple. Voilà. Et euh, sinon, il y a l'autre modèle avec 512 gigas, avec un SSD de 512 qui est à 1829 euros. Voilà, ce n'est pas le même prix. Bon, peut-être qu'il y aura des tarifs éducation, bien évidemment. Mais globalement, c'est quand même une bonne surprise, vu la taille de l'écran et euh, les capacités. Et je regarde juste, les prix qui ont baissé de, donc à 999 dollars pour le premier en M1, il passe à 1199 euros pour le MacBook Air 13 pouces en M1 et en M2, qui était passé, je ne sais plus à combien, mais en gros, il est à 1299, ce qui est quand même une très bonne affaire, parce que c'est quand même un ordinateur qu'on va garder ouais. plusieurs années. Oui, mais on n'est toujours pas sous la barre symbolique des 1 000, 000 euros. Être, on peut pas y être. Est-ce que le MacBook Pro est toujours au catalogue, tu sais, ou pas Le MacBook je... Pro 13 pouces. Le MacBook Pro 13 pouces je pense que oui. oui. Euh, ce qui permettra à la régie d'enchaîner sur le, oui. le Max Studio dans un instant. Oui. Qui est la deuxième grosse le annonce. Le M2, je... tu dis Oui. Le Puce M2 est toujours dans, dans le catalogue à 1599. Non, un peu plus cher, il ne bouge pas le prix. Regarde, on, peut, on parle du Max Studio maintenant. Alors, le Max Studio, je l'ai vu en, en M2. Il est ah, à l'écran. Ah, pardon, il a, parce que moi je regarde en même temps sur mon, euh, sur mon ordinateur. Donc, le M2, euh, en M2 Max, il est à 2399. Et en M2 Ultra à 4799 euros. Super. Donc, on va voir si, a, si les prix des Mac Pro euh, sont également en ligne. Donc, on a vu MacBook Air. Pardon Mac Pro, et, Mac Pro est en ouais. ligne aussi. Euh, MacBook Air, Mac, Mac Studio et, et on va voir dans un instant le Mac Pro. Et puis, effectivement, alors, on va attendre 2024 pour, pour avoir le, le alors, prix en, en euros tour, du euh, en de tour, Apple Vision Pro. Oui. En tout, pour le Mac Pro, nous sommes à 8299 euros. Un même ah, plus cher qu'un qu'un qu qu Il était à 6900. 6900 contre voilà. Et là, le et en rack à 8999. Oui, parce qu'on n'a pas dit, il y a une version rackable aujourd'hui voilà. du Mac Pro. Euh, ce qui, euh, pour mettre dans une baie, euh, peut être pas mal non plus. Euh, Enrique, est-ce qu'on a la chance d'avoir Didier Est-ce qu'il a réussi à se connecter J'ai vu qu'il avait essayé, mais il a quelques soucis de connexion, c'est ça C'est C'est ça Ok. Bon, bah, on, lui, on lui fait des, des gros poutous et puis on, on aura l'occasion de, de le rappeler après 2h45 minutes et 35 secondes de direct. Presque un record battu pour On fait le Mac ce soir. Vous étiez très nombreux à nous suivre en direct sur YouTube. Merci. Mille merci les amis. Merci et beaucoup. Très généreux. De votre fidélité, enfin, de votre générosité, de vos dons que vous avez fait en direct. On n'est pas là pour ça, mais ça nous fait vraiment plaisir. C'est un calcul rapide, ça fait une taxe Apple de 5,7%, euh, donc assez faible euh, sur le Mac Pro, qui est le plus cher. Hein. Ok. Alors, je la... la calculerai avec détail pour la semaine prochaine. Euh, le oh, moment venu de conclure, vous êtes d'accord avec moi, sachant yes. qu'on a un petit one more thing, on va vous le dire dans un instant. En tout cas, c'est la fin de cet épisode de l'Évangile. Merci d'avoir su Merci encore pour votre euh, fidélité. On vous donne rendez-vous la semaine Et vos dons. Et, et, vos, et dons. vos dons. Et je Merci vous donne rendez-vous à Donculeu Noé. La semaine prochaine, et la semaine prochaine, nous serons en direct de Vivatech, les amis, à la porte de Versailles à Paris. Une émission que vous pourrez venir suivre live en public sur le stand de notre partenaire Crédit Agricole. Le samedi 17 juin, on vous communiquera les horaires. À noter, et ce n'est pas tout, un autre more thing, à noter One Morphine, qu'à l'occasion de Vivatech, nous serons en direct. Tous les soirs pour en refait Vivatech. On aura l'occasion de revenir également, bien sûr, sur les annonces d'Apple ce soir. Donc, à partir de la semaine prochaine, on sera en direct tous les soirs vers 18h, 17h, 18h, on vous donnera les horaires. Soyez au rendez-vous. On compte sur vous pour en refait Vivatech à partir de la semaine prochaine. Et un grand bravo, un immense bravo à toute l'équipe on refait le Mac. En régie, je pense à Steve Guibert, à, à Lilian Pernat, à la prod, notre alternant Luc Feldweil. Et bien sûr, ah, et à et voilà, on les voit on de l'eau. Au saut, on les découvre. Regardez, ils n'ont pas d'immérité toute la journée pour vous produire merci. un live de cette qualité. Euh, je suis vraiment ravi du progrès qu'on a fait au fil des années et très fier de vous. Merci infiniment à merci. vous. Et merci à vous, les amis, les chroniqueurs, d'être là, bénévoles, au rendez-vous chaque semaine. Avec plaisir. Et pour faire vivre cette belle émission à mes côtés. Merci les amis. Rodrigo Merci. passera à Vivatech. Merci tech, à toi. Nous nous Rodrigo passe à Vivatech. Rodrigo passe à Vivatech. Ben, ça nous fait plaisir. Et pour être prévenu en temps réel. Merci à toi, Olivier, aussi, pour toutes les émissions qui sont écrites. Bah, écoute, oui. Et menées de. Tout de est mètres, écrit. Euh, même même, même il, il, il s'est rencardé avec Tim Cook. Ah ouais, Tout ce qu'on a Coop, dit était écrit de... déjà. Mais bien sûr. Vous vous savez, vision... non, il n'a pas dit Vision Pro, il a en... Il m'a dit viens, mais je ne peux pas... C'est le seul je, truc qui a changé, a truc qu a changé ouais. par rapport ouais. à ce que tu avais... T'as dit Vision Pro, t'as pas compris qu'il disait prix. Vision Pro. Vision Pro, oui, j'ai mal compris. Et pour être prévenu en temps réel, je me prononce mal. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton. Et n'oubliez pas de cliquer également sur le petit pouce. Merci encore. Pour finir, et à la semaine prochaine à Vivatech Au revoir Ciao, ciao